C'est parti, et bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un tout nouveau live sur les inepties du Ozaki Show. Aujourd'hui nous sommes le 16 octobre 2022, et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va terminer le fantastique Golvellius sur Master System, un jeu fantastique à beaucoup de qualité, il est vraiment génial, c'est du Zelda-like avec évidemment une petite notion un petit peu de rentrer dans de nombreux trous pour récupérer quelques petits items à droite à gauche. Le titre est exaltant comme tout, la dernière fois on avait fait beaucoup de choses, je m'étais arrêté au dernier cristal, notamment avant un boss qui était hyper chiant, je l'ai battu en off, j'ai des choses à vous dire là-dessus et franchement, c'est abusé, c'est abusé. Franchement, j'ai jamais vu un boss déjà aussi chiant que ça. Et surtout, le nombre de coups qu'il faut lui donner. Juste, c'était vraiment l'angoisse. Mais voilà, j'ai battu le boss, j'ai récupéré le cristal. Là, on a encore deux grosses zones à faire de ce que j'ai compris. Ou une grosse zone à faire. Une ou deux grosses zones. Je sais plus exactement, parce qu'on avait vu la carte et tout. Mais théoriquement, ouais, c'est ça. Il nous reste plus grand chose à faire. Normalement, en une heure et demie, c'est terminé. Peut-être un peu plus, parce que bon, je suis pas doué. Mais voilà, franchement, Golvellius, très très bien. C'est fun, c'est exaltant comme tout. C'est sûrement, je te dis ça tout de suite, mais franchement, je pense que ça va être ça. Ça va être en review sur le Ozaki Show, donc sur la chaîne principale. Ça va être génial. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Je vais pouvoir parler de MSX. Enfin, j'ai juste une dédicace à toi, mais voilà, effectivement, ça va être bien et j'espère beaucoup que ça va vous plaire. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai diffusé le dernier Triforce, donc les trois jeux pour bien commencer le rétro gaming. Ça a eu des bons chiffres par rapport évidemment à la vidéo sur les publicités japonaises. Encore une fois, je remets de l'huile sur le feu, mais pff, quelle déception. Quelle déception, c'est vraiment terrible, mais voilà, je suis résigné. Puis effectivement, là ce soir, je pense qu'on sera toujours en live au moment où ce sera fait, mais il va avoir aussi un avis à chaud sur le reboot de Urusei Yasura que j'ai vu évidemment il n'y a pas si longtemps que ça, bah, au moment où c'était diffusé, donc jeudi, heure française 19h, mais au Japon 25h45, parce que oui, eux ils n'ont pas 24h dans une journée visiblement, c'est trop bizarre, mais voilà, j'ai regardé ça, c'était vraiment génial, et évidemment Urusei Yasura est tellement le truc qui m'a hypé, je me suis dit let's go, je vais le présenter directement sur la chaîne principale, comme ça, voilà, je vais avoir mon avis à chaud, un petit peu cristallisé, un petit peu dans l'histoire, comme ça, ça va me permettre de me dire, ok, à ce moment-là, j'étais content, peut-être à la fin de la saison, je serais pas content du tout, parce qu'ils ont tellement changé de choses, mais je suis très dithyrambique, encore une fois, je suis très dithyrambique, ça dure moins de 20 minutes, rien que savoir que la vidéo dure moins de 20 minutes, déjà c'est un exploit pour moi, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, mais même pas 20 minutes. Et surtout que j'ai pris du temps pour te raconter c'est quoi Urusei Yasura, la série en elle-même, le manga de base et tout, donc ça prend beaucoup plus de temps, mais voilà, des petites choses sympathiques et c'est assez cocasse comme tout et ça me fait plaisir. Sinon, effectivement, après ça, je vais... Je vais tourner la vidéo d'Halloween, normalement cette semaine. Donc un jeu DS d'horreur, assez psychologique, avec une ambiance assez particulière. Ça rappelle beaucoup Silent Hill dans sa façon dont ça fonctionne. Mais après, voilà, j'en dis pas plus. Très très bien. Franchement, je pense que les gens vont être assez étonnés de ce jeu-là, qui est vraiment sympathique, qui est pas du tout connu. Donc yes, un petit jeu pas trop connu. Pour une fois que je fais un truc assez obscur sur la chaîne, puis après... on va enchaîner, hein. On va enchaîner avec pas mal de petites choses, mais voilà. Aujourd'hui, voilà, c'est ma petite session de jeu tranquillou, posée, vraiment posée. On va prendre énormément de plaisir, puis après, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner, mais ouais, sinon, effectivement, ça sera en review, c'est sûr et certain. Alors, en 2023, là, pour le coup, parce que bon, c'est vrai que les vidéos de fin d'année, je les ai quasiment tous en tête. Parce que là, ça va être quoi? Ça va être la vidéo d'Halloween. Derrière, j'enchaîne avec les souvenirs de la PlayStation 2. Après, on continue avec la partie 3 de la FAQ. Que la partie 2 arrive la semaine prochaine. Comme ça, ça me donne du temps pour faire d'autres projets. Il y a aussi le One Life de Super Adventure Island. Après, j'ai la review de Banjo-Kazooie, de Metroid Prime, de Phantasy Star. J'ai le Triforce sur les héroïnes. Après ça, j'enchaîne avec aussi la vidéo sur Nutcracker Fantasy. Donc c'est vraiment assez huge. Je sais pas si je vais faire une vidéo collection cette année. Mais voilà, grosso modo, j'ai pas mal de trucs à faire. Vraiment, j'ai pas mal de trucs à faire pour ces prochains temps. Et bah voilà, ça va être très très cool. Franchement, ça me fait plaisir. J'ai du poil de la bête, concrètement. Même si effectivement, là, pour... Je repense toujours à la vidéo sur les musiques Jap, hein. Je suis désolé, hein, je vais mettre du temps avant de passer à autre chose, hein, mais ça fait mal, ça fait toujours très très mal de voir autant de travail
à balancer à la poubelle pour le coup, mais bah, c'est terrible, hein, c'est 2 mois de ta vie à côté d'un truc plus simple qui est beaucoup plus hype auprès des gens, mais encore une fois, c'est le milieu impitoyable, on va dire, de la musique jap sur Internet, en tout cas sur, sur l'Internet francophone, parce que bon, c'est pas très connu, encore aux États-Unis, pourquoi pas, mais là, chez nous, c'est chaud patate. Mais voilà, après, on fait comme on peut. Sinon, après, je réfléchis à... Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à faire? Qu'est-ce que... Après, oui, effectivement, il y a toujours le prochain live qu'on va prévoir sur Oddworld, donc PlayStation 1, donc génial. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, en plus. Donc ça va être cool de le redécouvrir, avec évidemment un œil nouveau, parce que bon, Oddworld, ça fait genre 1000 ans que je n'y ai pas joué, donc ça va être assez rigolo. Puis on va continuer aussi Pokémon Soul Silver, full random, c'est très drôle. Vraiment, à chaque fois que je re-regarde les rediffs, c'est vraiment génial. Et il y a des petites choses où je me dis, mais putain, j'aurais dû mieux gérer ça, j'aurais mieux fait des trucs comme ça, mais après voilà, c'est le fun, hein. Clairement c'est le fun, c'est vraiment la petite session qui me fait plaisir, et surtout que ça me permet un peu de vous montrer du Pokémon pour le coup. C'est vrai que du Pokémon je vous en montre jamais sur la chaîne, et là non, là pour une fois je peux t'en montrer, c'est sympa et ça me fait plaisir. C'est une aventure qui est vraiment exaltante, et vous êtes au cœur du truc parce que vous pouvez choisir les différents noms des Pokémon, donc ça c'est cool. Salut à toi Orozco, salut à toi Benjamin, donc je vois que le temps arrive, les gens arrivent, donc c'est cool. On va commencer le jeu, hein, pour le coup. Surtout que j'ai un énorme mot de passe à marquer, donc c'est l'angoisse. Mais voilà. Alors, attendez. J'ouvre le truc, parce que je dois marquer mon mot de passe, et on est parti. Donc, je joue directement sur le vrai jeu, avec la vraie cartouche. Donc voilà, je veux dire, on l'avait déjà montré la boîte et tout, donc hop, hop. Donc aujourd'hui, pas de triche. Pas de triche du tout, donc ça va être sympathique. Il est pas dur. Mais il est long. Il est long parce que tu dois farmer tout le temps. Tu dois vraiment faire gaffe à tes actions. Et surtout, on va en parler. La dernière fois qu'on s'était vu, il y avait un boss. Il était chiant. Il était tellement chiant. Et je l'ai fait en off. Parce que voilà, c'était beaucoup trop long. Et revenir plusieurs fois là-dessus, non. Pour battre ce fameux boss, donc c'est les deux trucs qui viennent te foncer dessus, il te faut 48 coups. 48 coups à taper sur le boss, évidemment à essayer d'esquiver toutes ses attaques et tout, donc au bout d'un moment j'en avais un peu marre, donc du coup ouais c'était chiant, mais je l'ai fait quand même, donc let's go. Donc on est parti pour marquer le password. Putain, ça m'a pas manqué, hein. Ça clairement ça a pas manqué, encore heureux que ça a bien changé. Alors Q, S, mais ouais le boss c'était 40 coups, je pouvais plus, c'était trop chaud. Surtout que le truc, il te laissait pas de chance, quoi. C'était vraiment, il te fonçait dessus, t'étais mort, quoi. Et c'est trop chaud, quoi. C'est vraiment trop chaud. Et surtout que, bon, au bout d'un moment, de recommencer à chaque fois, c'était vraiment trop, trop chiant. Donc du coup, ouais, j'ai fait ça en off, tranquillou, c'était posé. Ça m'a pris quoi, une petite heure. Une petite heure en tranquillou, posé un soir. Puis voilà, let's go. Là, alors, je continue, hein. Je continue à marquer mon mot de passe qui est... Spigalon, putain. Il est giga long, putain! Alors attends, je suis toujours là, je suis toujours en train de le taper. Ok. J'espère ne pas. Surtout ne pas me tromper, hein. C'est surtout ça, si je me suis trompé dans le mot de passe, je suis obligé de tout le reprendre depuis le début, et ça va être horrible. Ça c'est bon. Putain, j'imagine même pas la gueule des mots de passe. Il y avait encore un système comme ça aujourd'hui, mais le truc il fait 10 pages. Genre un truc comme Skyrim. Dans Skyrim, mon gars, tu serais en train de taper 10 pages de mots de passe, là, juste pour reprendre ta partie. Encore heureux, quoi, ça a bien changé, la techno. Là, t'as joué à découvrir pour les enfants le Marsupilami de Microids. Je sais qu'il est très très bien, c'est un Donkey Kong Country-like. On en avait parlé, hein, à l'époque, quand j'avais fait le truc sur la Wii et tout, et c'était sympa, c'était vachement sympa, et bah du coup, j'attends toujours. Dès que je trouverai le jeu... En promo, bah let's go, on va pouvoir le prendre et on sera bon. Ok, je regarde au niveau du son. Ok, le son ça va. Encore une fois, on est sur de la Master System, c'est en mono, malheureusement, alors que pourtant sur un CRT ça passe en stéréo, mais ça doit être le. Ça doit être comment ça fonctionne l'OSSC. Et voilà. Mais oui, effectivement, le Marsupilami qui est sorti sur la PlayStation 4, 5, 1 et PC et Switch. C'est effectivement un Zelda-like, un Metroid. Attends, j'ai envie de dire tous les noms, un Donkey Kong Country Returns-like, même style, même ambiance, avec des esthétiques assez particulières. Et ça, c'est ouf, c'est vraiment ouf, et je me dis, pourquoi pas?
pourquoi pas le faire et pour une fois que Microïds fait un bon jeu. Des bisous à Microïds, bien sûr. Donc effectivement, c'est un Zelda-like. Hein. C'est pour ça que je me suis planté. J'ai dit Metroid-like. Non, c'est pas un Metroid-like. C'est vraiment un Zelda-like qu'on est en train de jouer très bien en plus, qui est vraiment sympathique, où on incarne un petit jeune homme qui doit partir à l'aventure pour aller évidemment récupérer les différents cristaux qui sont cachés à droite à gauche, pour aller évidemment taper le Golvelius qui est caché dans sa tanière. Alors au niveau de la thune, c'est vrai que j'ai pas regardé au niveau de la thune, je suis à combien. Alors oui, il faut appuyer sur le bouton pause qui se trouve sur la console, donc je suis obligé d'avoir la machine à côté de moi et c'est pour ça que ça va être la galère. Hein. Zelda 1 et 2, effectivement, même le deuxième. C'est vrai que les vues de côté et tout, même les vues de derrière, c'est plutôt sympa. On y joue avec ça, donc il n'y a pas de bouton de pause. Je suis obligé d'aller avec la console, donc il faut pas que je me plante. Hein. Faut pas que j'appuie sur reset, sinon je pleure. Mais ça va. Donc effectivement, c'est ça. C'est que j'ai, pour l'instant, j'ai 11 fioles de vie. J'ai la grosse épée, j'ai le petit bouclier. J'ai récupéré un pendentif en off, donc il me coûtait 10 000 pièces pour avoir une meilleure défense à ce qui paraît. Des bottes pour aller marcher sur l'eau et la bague, j'ai oublié ce que ça faisait. Et j'ai récupéré en tout 5 cristals sur les 7, donc il m'en manque plus que 2. Donc théoriquement, ça devrait aller vite, même si on sait jamais. Hein. Encore une fois, on sait jamais. Ça peut être long, mais bon, j'y crois. Mais sinon, très bon jeu. Hein. Clairement, pour ceux qui connaissent pas Golvelius, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment des qualités. Je me dis, putain, pour le présenter en vidéo, ça va être top. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de reviews de ce jeu-là sur Internet. Je sais qu'il y a, y a DGGX qui en a fait une, qui m'avait même posé la question comment était le jeu en avance et tout. Et un an, merci beaucoup, Patozeo. Putain, le temps passe vite. Sérieusement. Sérieux, ça fait déjà un an que t'es là. Sérieux. Mais merci beaucoup pour cette année, pour le coup. Et j'ai pas de champagne. J'ai pas de champagne avec moi, dommage. Mais mille merci, Patozeo, pour cette fidélité, pour le coup. Ça fait vraiment plaisir. Et déjà un an? Sérieusement? Mais sinon, ouais, ça va nickel. Hein. Clairement, ça va nickel. J'ai mangé une bonne raclette là ce midi. Voilà. Bon, vous savez. C'est pour ça que j'étais un peu en retard, parce que le temps de tout finir et tout... Excusez-moi, il y avait du rab, hein. Il y avait du rab, il fallait terminer. Mais voilà. On est posé. Là, on va terminer Golvelius sur Master System. Alors, c'est chiant. Alors attention, alors pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui n'étaient pas là lors du premier live, Golvelius c'est un peu particulier parce qu'il faut il faut fouiller en fait les environnements pour trouver des items assez particuliers et des trous dans tous les sens avec des trucs rigolos dedans. Donc imaginons que je vais dans celui-là, qu'est-ce qu'il va m'offrir? Bon alors évidemment, bon ça c'est une petite fée qui va te donner des indications, mais t'as des items à récupérer, t'as des potions, t'as des armes, t'as aussi directement des herbes à récupérer qui te permettent d'avoir de la santé supplémentaire, mais... Tu demandes à Obélix pour durable, il te dit quand? Ah putain, ouais, non, mais Obélix, lui, il aurait déjà tout mangé. Mais non, mais bonne raclette, les gars. Ça commence à être la saison. Ça commence à être la saison, et désolé, hein. Fallait impérativement que je termine tout. Bouclier, ça c'est cool. 40 000 d'or, je peux pas l'acheter. Yes. Bon, alors, faut que j'oublie pas qu'il y a un bouclier là, qui va me permettre d'avoir une meilleure défense, donc... Donc let's go, on va fouiller pour avoir une meilleure bourse. Ah, je l'ai mis trop fort évidemment. Mais ça va, j'ai des potions, j'ai tout pour que ça soit bien. J'ai pas de carte, donc là je le fais un peu à l'aveugle et avec mes souvenirs. Mais là c'est une nouvelle zone, hein. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais été là. Donc on va visiter, tout simplement. Ok, ça va. Ok, le truc est là. Remarque, c'était du rôti patate avec sauce roquefort. Bah, c'est très bien, ça. C'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal, une potion, mais 10 000 d'or, j'ai pas assez. Donc, on va taper du gnome. Let's go. Ah, putain, ça y est, le retour des diagonales. Encore une fois, je joue avec la manette originale. Donc, c'est chiant. C'est très, très chiant de jouer comme ça, parce que le truc n'est pas très accurate par rapport à une manette de Mega Drive. Mais voilà, encore une fois, je précise que ma machine, c'est du 50 Hz. Et je joue avec la manette originale parce que bah, c'était comme ça à l'époque. Donc, c'était chiant, c'était pas très précis, mais bah, c'était fait comme ça, quoi. Les vendeurs, 10 000 pièces pour une potion. Tu sais, il y a bien un mec qui met 20 000 piécettes pour un jeu. Bisous, évidemment. Des bisous, mais c'est parce qu'il y en a trop. Patozao, il a demandé plein de jeux. Et toi aussi, t'as demandé plein de jeux. Et on n'a pas encore le temps pour faire tout ça. Toi, t'avais demandé...
Only War et Nuclear Strike. Non, si, non, si, non, non, Soviet Strike. Donc ça vient le mois prochain. Et Oddworld la semaine prochaine. Donc ça va être cool, ça va être vachement cool de faire tout ça et on va se faire plaisir, on va se faire plaisir. Et il y a Mythopia aussi, à Patozao. Ça je l'ai pas oublié, hein. T'inquiète pas, tous les jeux que vous m'avez demandé, de toute façon il y sera listing. Donc on fait ça petit pas par petit pas, puis let's go. Alors nouveau trou où? Voilà, c'est le jeu où tu dois rentrer dans des trous, c'est un peu singulier, mais le jeu est comme ça. The Note Battle with Demon Haphazardly. Haphazardly? De manière hasardeuse? Ou on va dire ça? Ou le démon Haphazardly? Je sais pas comment. J'ai pas une bonne traduction là-dessus. Alors, le jeu est mal traduit, hein. Et, au lieu de password, c'est password. On va pas faire trop attention à ça, c'est encore une fois, c'est des japonais. Hein. L'anglais et le japon, c'était un peu particulier. Il y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient très bien anglais. Mis à part Yuagami, bien sûr. Qui m'a toujours pas répondu, mais bon, j'y crois pas, tu vois. J'y crois absolument pas, mais pourquoi pas. Je suis. Ah, ça, c'est pour de la vie, donc j'en ai pas besoin. Mais c'est de l'or contre de la vie, donc non. Non. On visite, hein. Encore une fois, c'est. Il y a plein de trucs à voir, il y a plein de trucs cachés aussi. Ça doit rapporter beaucoup. Parce que les abeilles. Ah, ok, ça doit rapporter beaucoup. Ah, je repousse maintenant les trucs. Ah, ouais. Ah, ça, c'est cool, ça, par contre. 10 000 d'or pour la Bible. Parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus d'or pour augmenter sûrement à 40 000. Donc, du coup. Eh ben, on va faire mon activité préférée du jeu, on va farmer. Y'a pas le choix. Eh ouais. Ah ouais, c'est fou, mais maintenant je peux. Les projectiles se retournent tout seuls. Ah ouais, bah c'est cool. C'est cool, ça me permet d'éviter tout. Bon, par contre, je me fais quand même dégommer. Bah, de toute façon, après, j'ai de la vie pas loin, donc au cas où. Donc let's go, on va farmer en fait. On va farmer et. Si vous avez un sujet de discussion, n'hésitez pas, c'est le moment, hein, on est là pour ça. Et vu que c'est très très long et très très chiant, c'est ça, à Hazardly, c'est de manière hasardeux ou. J'ai pas de traduction correcte pour ça. Ah là oui, il faut. Non, c'est qu'il faut. On va farmer. On n'a pas le choix en fait, il faut de l'argent. Et quand il faut de l'argent, bah il faut taper des ennemis en boucle pendant 105 ans. C'est aux options de RPG hein, pour le coup. Mais ce n'est pas un RPG. T'as pas de vraie base en mode t'augmentes des niveaux, t'as pas de trucs où il faut faire des choses et tout. Non, là c'est vraiment terre à terre. Après, encore une fois, j'ai du mal à considérer ça comme un RPG. Je sais qu'il y a des gens qui, oui, ils vont me dire oui, mais bon, je sais pas. Faudrait que je vois comment il était vendu au Japon. Très certainement qu'il a été vendu comme un RPG. Parce que c'était l'époque. Et surtout que c'est sorti sur MSX hein, pour le coup. Donc c'est un jeu assez particulier qui a eu un petit portage sur la Master System parce que bah, voilà, le jeu était extrêmement cool. Et voilà. Ou action RPG ça passe bien. Oula, il y a un bug. Ah putain, je peux faire bugger le truc. Ah oh, ouais, je peux faire bugger le truc. Ah ça il l'attendait pas du tout. Par contre le jeu. Bon, par contre il faut, je vais pas trop faire joujou avec ça parce que sinon ça peut être un peu dangereux. C'est jamais. Allez, mourez. Mourez les abeilles. Est-ce que je pense que j'ai assez de thunes. J'en doute. Ah, assez de thunes. Allez, 40 000. Ah putain, il m'en manque une. Ah, il m'en manque une. Ouais, let's go. Bah, tant pis. Tant pis. Donc, c'est déjà pas mal, mais c'est pas assez. Donc, on va visiter. Hein. On va visiter, on va continuer le chemin. Je m'en doutais qu'il allait y avoir un truc derrière l'arbre. Herbe, ça me sert à rien. Parce que les herbes, ça me permet d'avoir, quand je perds toute ma vie, ça me permet de récupérer quelques trucs en plus, mais bof. Bof. Là, c'était la zone où il y avait... Ouais, c'était ça, c'était la zone où il y avait... La potion, je crois. Ah, c'était où il y avait l'émotion. Ok. Donc ça on l'a fait. C'est une forêt, hein. Donc on va se perdre dedans, bien sûr. Ça fait rien si je fais un game over. De toute façon, on va retourner au plus vite. Quoique,
Non, si j'ai de la vie, pas loin. Non, j'ai de la vie, je vais aller à la vie tout de suite. Allez, hop, on va aller chercher de la vie. Ça va me coûter un peu d'argent, mais ça fait rien. De toute façon, je peux pas acheter le bouclier, il me faut 40 000. Donc pour l'instant, je peux pas. Mais on dirait qu'il va avoir... Il va avoir quelque chose pour traverser la forêt, hein. Genre des godasses pour voler ou un truc du genre. Donc ok, c'est bon. C'est bon ou c'est des chars armés avec des fusils en mode Rambo? Bah, il y a des trucs un peu particuliers, hein, pour le coup. Donc là, ça c'est des araignées. Mais les gars d'avant, c'était vraiment des indigènes avec des tomahawks. Mais le jeu, au niveau de ses sprites, il est vraiment singulier. Hein. Tu comprends pas trop ce que c'est. Bah là, bon, je suis passé tout de suite dans le trou, mais tu vas voir le truc, c'est un peu bizarre. I have no business with that. Ah oui, mais elle m'a rien donné. J'ai jamais été... Non, j'ai jamais été là. Non, j'ai... Parce que là, c'est trop bizarre, c'est quoi, ce truc-là? Surtout, ça court très très vite. On dirait des... des bonhommes un peu bizarres. C'est vraiment trop bizarre. Les anges dans ce jeu aiment l'argent, c'est ça, c'est 100%. Mais encore une fois, c'est un jeu assez particulier. T'as le démon qui te donne de la vie contre de l'argent. Puis après, tu as le petit ange qui te donne de la santé contre de l'argent. T'as aussi Winky qui t'offre un password en échange de rien du tout. T'as la vieille qui te donne des... ben voilà, Winkle, pour te donner le password. Donc password, c'est même pas password, encore une fois. Le jeu a été mal traduit, mais bon... Quand soit c'est des japonais, t'as la vieille qui te donne des potions, te donne quasiment tous les items. T'as dans certains trous le donjon avec le boss qui vient évidemment t'affronter. De temps en temps, t'as aussi là un petit bidule, je sais pas, on dirait une petite boule avec qui est toute gentille et tout, qui te donne plein de santé contre une modique somme d'argent. Mais faut-il encore le trouver? Puis là, t'as ça. T'as des chevaliers blancs, t'as des chevaliers rouges, bleus. Ah, c'est ce qu'il me faut. 7000. Ah, c'est pas cher, là, par contre. C'est moins cher qu'avant. Bah, 7000, on va farmer. Farmer, mais les gars-là, ils me font peur. Ils me font peur, là, c'est quoi? Ah, je préfère eux. Je préfère les trucs bleus. Moi, je peux les défoncer plus facilement. Alors, je peux marcher sur l'eau parce que j'ai des godasses aquatiques, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc oui, c'est normal, hein. Il n'y a pas de trucs bizarres... Non, non, il fallait être là au premier live, non, c'est normal. Pas de soucis, vous inquiétez pas, c'est... Tout est normal, c'est juste que... c'est un peu particulier. Bon, par contre, c'est chiant, il n'y a pas de... Il va falloir taper... l'arbre. Encore une fois, c'est bourré de secrets, hein. Le jeu est bourré de secrets, il y a plein de trucs que j'ai dû louper et tout, mais... vous inquiétez pas. Bon, par contre, les trucs bleus sont chiants, j'ai combien de thunes? J'ai assez, ok, on y va. On y va, on va aller récupérer la bourse qui se trouve... Ah non, il faut tuer deux armures. Attends, tuons deux armures. Et meurs, c'est moi qui vais mourir. Ok. C'est direct dans l'action. Ah non, mais voilà, on est direct dans l'action, on est là pour ça et let's go. Donc là, 44 000, c'est bon. Je vais pouvoir maintenant farmer pour pouvoir prendre le bouclier, être bien. Bon, on va pas faire ça. Parce que là, je vais bientôt mourir, donc autant creuser le jeu jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a des tops. C'est vrai, il y a aussi ça. Il y a aussi des petits scorpions de temps en temps. Donc là, non. En tapant là, non. En tapant là... Là, oui. Là, oui, il y a un trou. Allons dans le trou. De la vie. De l'herbe, non. 20 000. Et maintenant, putain, l'herbe, elle coûte de plus en plus cher. Comme les vrais dealers, en fait. Ils commencent avec un truc pas cher, puis après, voilà. Ah, ça, c'est nouveau, ça, ou je m'en souviens pas. Ah non, si, il y en avait sur la plage la dernière fois. Donc, tuons tout, hein. Tuons. Bah, je vais mourir. Ah non, attends, il y a un délire en mode, il faut taper... Ok, il fallait taper l'arbre, mais d'une certaine façon, parce que sinon, ça passe pas. It's better to carry Mea with... With Z, ok. Donc, pas besoin de ça. On va aller au nord. Voyageons, de toute façon, encore une fois, je vais mourir. C'est con, hein. Je vais mourir parce qu'il me reste pas beaucoup. Ah, quoi que, je vais pas mourir. S'il y a le trou qu'il me faut avec le bonhomme que je vous parle, qui peut régène d'un coup la vie, ça serait cool. J'y crois pas, en fait. Il y a toujours un trou, hein. Théoriquement, il y a toujours un trou dans chaque truc.
faut juste le découvrir, juste taper au bon moment, mais encore une fois, je sais pas. Et après, il y a ça aussi, hein. Je veux dire, venez, venez mourir, s'il vous plaît. Ils veulent pas. Le jeu voudra pas. Non. Non, c'est mort, il voudra pas du tout. Bon, bah, laisse tomber. Donc là, je suis sûr que le trou va apparaître. Non, bah, le trou, je sais où il est, il y a le rocher, il est là. Le trou est là. Mais je veux mourir. Non, meurs pas. Ah, je vais peut-être. Non, je vais peut-être survivre. En vrai, je vais peut-être survivre si je fais bien les choses. Vas-y, si on fait bien les choses, on survit. Vas-y, survie, 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 survie. Survie, 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 survie. Je suis mort. Je pensais qu'il y avait un trou, il n'y a pas de trou, malheureusement. Ça fait rien. Hop, on est reparti. Par contre, c'est loin, l'endroit, elle est vraiment très très loin pour y aller, donc on a du chemin, on a un petit chemin à faire. Je suis revenu à combien d'argent? Ah ouais, je suis revenu tout en bas. Sachant que le bouclier, c'est à 40 000. Je sais pas si on fait le bouclier tout de suite, parce que ça va être long, en fait, de farmer tout de suite 40 000 de pièces. Je sais pas. Il y a pas de moyen, il y a pas d'autre moyen pour aller plus vite et tout, c'est vraiment ça. C'est obligé de farmer, taper jusqu'à temps qu'il meure et te donne assez. Après, je sais pas ce qui donne ce qui donne le plus de thunes dans ces environs-là, c'est ouais, c'est les abeils, hein. C'est les abeilles ou les vers de terre. Mais les vers de terre, c'est long. Après, je sais pas combien donnent les souris. Bon, attends, on va voir. On va voir ça. Parce que je sais à peu près où je peux avoir de l'argent vraiment facilement et sans aucun problème. Après, faut que je vois. Faut que je vois est-ce que c'est bien, est-ce que c'est worth it. Je ne sais pas. Mais là, ça va, tranquillou, on avance, on découvre le monde, c'est pas dur. Surtout que ça, on a déjà trouvé pas mal de choses. On a une nouvelle fiole, la Bible pour plus d'argent, deux Bibles même pour plus d'argent. On a eu évidemment des petites herbes, mais ça, on s'en fout complètement. Ouais, c'est ça, c'est qu'on va, on va voir combien donne de thunes un ver de terre. Et après, let's go. On découvre le monde qui veut te tuer. Non, mais le monde veut te tuer à chaque tableau, en fait. À chaque fois que tu traverses un truc, ils veulent te tabasser, ils veulent te voir mort. Et si, on les a vus. Hein. Effectivement, il y avait les trucs rouges et les verts. Ces verts-là, normalement, ils donnent beaucoup de thunes. Donc, attends. Alors, attends. Je suis à combien? Je suis à 2200. Imaginons que je tue un vert. 2200. Un vert, ça me donne 240. Ok, ça me donne 240. Je vais aller tuer une souris. Donc 240 contre... Je crois qu'il y a une souris là. Ah, les souris sont là. 240. Je suis à combien? 2460. Imaginons que je tue une souris. Ah non, c'est plus worth it de tuer des vers de terre. Bon, on va tuer des vers de terre, hein, ça va aller plus vite. Donc let's go. On va farmer un petit peu pour pouvoir acheter tout de suite le bouclier. Comme ça, on est bon. Donc ça va demander du temps. Hein. Ça va demander du temps, mais... Je peux me cacher dans l'eau, comme ça, hop. Ils peuvent mourir plus facilement en allant là. Donc on optimise, hein. On optimise toutes les actions, on optimise tout pour que ça soit bon et qu'on défonce tout. Donc ça devrait aller vite si on se met là comme ça et si on attend un petit peu, mais... Allez, let's go. Mille excuses, hein. Faut farmer. C'est un jeu comme ça, hein. C'est... Quand on te voit, c'est les vieux jeux de l'époque, hein. Pour le coup, ça te prend pas par la main. Faut faire pas mal de choses et tout, et bah let's go. Je sais pas, à l'origine, on ne pouvait pas traverser l'eau. Normalement, on devait pas traverser l'eau, c'est juste que j'ai eu les Aqua Boots. Donc il y a déjà un moment, c'était dans le précédent live qu'on a eu ça. Donc c'est vraiment un item particulier. Sinon, oui, non, tu peux pas marcher sur l'eau. Hein. De base, tu peux pas du tout faire ça, mais si t'avais le bon item et tout, oui, là, tu pouvais. Surtout que ça m'a coûté aussi cher, et j'ai dû faire ça aussi. Tu es du ver de terre en boucle. Bon, moi, tu vois, ça va vite. Je crois qu'on a déjà 20 000. Ah non, seulement 10 000. Merde. Non, tu vois, ça va vite. Ça va vite, c'est juste que... on va aller au plus vite tout de suite à la fin, et non. C'est un bon investissement. En vrai, c'est un très très bon investissement de faire ça. Et... Parce que le bouclier, je pense que c'est le dernier gros item du jeu. Il y aura peut-être... Allez, peut-être un truc supplémentaire, peut-être des nouvelles bottes pour traverser les murs et tout. Ou pourquoi pas directement... Allez, vas-y, peut-être un talisman ou peut-être une arme en plus. Parce que là, on a pourtant la légendaire Ice Sword. Hein. Normalement, on a l'arme la plus forte du jeu, je dis bien théoriquement.
Est-ce la vérité? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas du tout, mais... Ça va vite. Ça va très vite, faut juste que... Je manipule un peu le comportement, et là... Oh, regarde-moi ça, ce massacre. Ça me fait quasiment 1000 à chaque fois, donc ça, c'est cool. Faut juste attendre. Faut juste attendre un petit peu, et on les met tous là en... Allez, venez sur le pont. Venez tous sur le pont. Allez, venez. Venez. Là. Oh, vous mourrez tous. Ça, c'est génial. Hein. Franchement, c'est efficace hein, de faire ça. Allez, mourez. Mourez. Encore heureux que j'ai les bottes pour pouvoir me protéger. Comme ça, je perds aucune, aucune santé. C'est vraiment les trucs qui viennent se tuer directement sur mon épée. Il n'y a pas de problème. Allez, venez. C'est mieux, on dirait l'arrière des voitures futuristes. Ah ouais, effectivement. Après, le... Ou décroissant, hein, aussi. Croissant. Je viens de manger, hein. Je viens de manger et pourtant encore faim, tu vois. Allez, hop. Ah, mais attends, je vais voir que ça. Je vais voir que des croissants pas cuits. Quelle angoisse. Mais quelle angoisse, quoi. Ok, 20 000. Ok, il reste, on est à la moitié. On a la moitié du chemin. Ça va très, très vite. Ça, c'est cool, hein. Parce que franchement, les premières fois où j'ai dû farmer et tout, je me souviens notamment dans le cimetière. C'était chiant. C'était long pour rien. Mais on n'avait pas le choix, c'était soit ça, ou soit soit je me faisais péter le cul, donc bah pas le choix. Mais c'était sympa. Mais n'hésitez pas, si vous avez un sujet de discussion, c'est le moment. Hein. Je veux dire, on farm, donc franchement on a le temps, hein, pour le coup. Ça devra aller vite, en vrai, ça devra aller vite, encore une fois. Comme ça on va pouvoir aller dans la forêt, avoir une meilleure défense, pouvoir faire plus de dingueries. Et récupérer des choses supplémentaires. Parce que là, au niveau de la thune, je vois pas ce qui pourrait être plus cher que ça. Peut-être, allez, les cristaux, et ça, je peux comprendre. Peut-être les potions. Et encore, le trailer de Mario que j'ai vu, ouais, il est pas mal. Il était vraiment pas mal du tout, le film, il a l'air décent. On a une bonne VF, en plus. Enfin, pour l'instant, comme d'habitude. Comme d'habitude, on va voir ce que ça va donner et ce qu'ils vont faire. Mais franchement, ouais, le film, il est plutôt convaincant. Il y a quelques références à droite à gauche, si tu vraiment si tu regardes bien attentivement le trailer, mais aussi directement l'affiche, franchement, il y a des trucs sympas, et ça annonce vraiment du bon. Après, il faut voir, est-ce que le scénario va tenir la route? Ou est-ce que ça va être vraiment un truc pour les enfants assez bateau? Parce que le buzzer, il est quand même vachement terrifiant. Hein. Pour un film pour les enfants, même au niveau du doublage. Hein. Il est vraiment assez convaincant et tout. Mais voilà, c'est encore une fois, je suis curieux. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va être. Je sais pas si je vais le voir au cinéma. C'est con. C'est con que ma nièce est encore trop petite, sinon j'aurais pu la voir. J'aurais pu voir ça avec ma nièce. Mais non, malheureusement, elle est encore trop petite. Je verrai sûrement ça avec ma sœur, bien sûr. Posée, puis on va voir. On va voir, parce que si, franchement, ce soir, je fais un avis sur Urusei Azura. Si ce genre de vidéo vous plaît, bah, let's go. Hein. Moi, je pourrais le faire. Hein. Y a aucun problème, en fait. Y a aucun problème de pouvoir vous présenter des trucs que je regarde et un avis à chaud, ça m'a pas demandé beaucoup de travail. Hein. Clairement, ça m'a demandé une après-midi et let's go, quoi. Ça va être plus sérieux. Franchement, moi, j'ai l'impression que ça va être sérieux, en fait. Ça va être pas un truc trop bon enfant, vraiment un truc trop familial, on va dire. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner et let's go. Et c'est beau. En tout cas, putain, qu'est-ce que c'est beau. Même je suis en train d'y penser, même l'animation elle était vachement propre de ce qu'on a vu. Encore une fois, on a vu que 2 minutes à tout casser, donc l'animation comme ça elle a l'air vachement propre. Mais c'est Illumination, donc forcément il y a des talents hein, derrière, il y a des gros talents et du budget. Hein. Il y a du budget, hein. Je veux dire, c'est Nintendo qui est derrière. Hein. En espérant que le film cartonne. Si le film cartonne et que Nintendo est très content du résultat, c'est sûr et certain qu'on aura un Zelda. Mais vraiment, à 2 milliards de pourcents qu'on va avoir Zelda juste derrière. Et par contre, ça va être un banger. Hein. Clairement, Zelda en film d'animation, ça va être trop trop cool. Et ça va être beau. Vachement beau. Donc hop, c'est bon. On a le bouclier, maintenant c'est bon. On devrait évidemment faire des gros dégâts et surtout nous protéger pas mal de choses. Pour l'instant, je vois pas trop est-ce que ça y a du changement ou pas. Par contre, la musique a changé. Ça, c'est cool. Donc, on y va, on continue. On essaye de surtout faire gaffe
d'aller jusqu'au bout du truc. Que je me souviens d'un endroit où on aurait pu récupérer un item, mais je l'ai pas eu. Ça c'est bon, donc ça c'est bon. Là c'était où il y avait la Bible, donc ok, pas de problème. Aïe, non, il faut toujours très très mal. Il faut toujours très très mal les chevaliers, donc ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon, parce que je me souviens pas des... Je me souviens pas des souris comme ça, des souris blanches. Donc ça c'est bon. Alors c'est pas les souris qui vont ouvrir le truc. Ok, on y va. Là on a quoi? On a... The Hanzer Rise, Hold the Woman. Ok, il y a une vieille... Pas loin, il y a une vieille femme. Ok. Donc est-ce que c'est là? Non. Non. Faut tuer les... Ok, fallait tuer les machins. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, 8000. On va refarmer, visiblement, pas le choix. Les potions, je prends pas de risque, je les prends tout de suite. Hein. Autant farmer tout de suite pour avoir assez d'argent et surtout la santé à fond. Donc ça, ok, pas de problème. Par contre, 8000, c'est quand même un certain coût, on va pas se mentir. On va pas se mentir que c'est un certain coût. Mais ouais, franchement, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner la vie à chaud de ce soir. Est-ce que les gens vont trouver ça sympa? Est-ce que ça va être cool? Très curieux. Très curieux, et si ça fonctionne, ouais, y a pas de problème pour faire d'autres vidéos là-dessus. Et je sais pas si je vais faire tout de suite les détectives Conan en film, parce que bon, bah, je les ai encore en tête et je pourrais t'en parler en long, en large et en travers. Tellement je les ai adorés et tellement... Bah, c'était incroyable, pour le coup, c'était vraiment ouf. C'était vraiment des très bons films d'action avec des trucs sympas. Donc je sais pas. Curieux, donc c'est à 18h ce soir, de toute façon on sera en live. Il y a de fortes chances que je sois encore en live pour le truc. Donc je pourrais pas soutenir la sortie tout de suite directement en postant partout, directement sur Twitter et tout. Mais voilà. Très curieux. Et très curieux de savoir la suite de Urusei Azura. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont vraiment tout changer ou est-ce qu'ils vont garder l'humour classique à l'ancienne? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et j'ai peur en fait qu'ils changent tout, c'est ça le problème. J'ai trop peur qu'ils changent tout et que ça soit pas aussi bien qu'à l'époque, donc je sais pas trop, mais je touche du bois en fait, je touche totalement du bois pour que ça soit bien. Non, mais enfin, on verra, de toute façon on est qu'au premier épisode, hein. Donc le prochain ce sera jeudi 15h, donc vivement. Alors il y a rien ici, ah non, s'il y a quelque chose ici, j'allais dire, il y a pas rien ici, c'est un peu bizarre. Take care not to become lost on the path. Ok, d'accord. Attention, on ne peut pas te perdre. D'accord. Parce que là, on va aller en dessous. On va aller en dessous pour aller dans la rivière. Donc là, non. Oh, rivière, alors. On va à rivière, hein. Let's go. Let's go dans la rivière. La population humaine dans ce jeu, il n'y a que des vieilles. En mode, non, il y a que des vieilles femmes, que des petites fées en juste corps, et il y a une princesse. Ah si, il y a une princesse de temps en temps, mais... Ah non, là, c'est que des vieilles femmes, c'est que des gens un peu particuliers. Et il y a des petites fées aussi, une petite fée et un démon. Ça, c'est vraiment un jeu de heroic fantasy de l'époque, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais bon, encore une fois... I draw the short several frames in the front of the bridge, that... Spend a pound time in the front of the bridge. Il y avait un pont à côté. Il y avait un pont. Montre plusieurs fois l'épée. Attends. Là? Putain. Ok. Secret. C'est donjon ou pas? Ok. Give this ring to one of my peers. I beg there, ok. Donne cette bague à quelqu'un de... Ah, mais si! Ah, si! Ah, si! Je vois c'est quoi, c'est la dame de tout à l'heure où je me suis dit, bah, elle a rien à vendre ici. Non, non, il faut aller là, il faut lui donner la bague. Attends, on va lui donner la bague. Let's go. Petite quête annexe. Ah, peut-être qu'elle va me filer un truc craqué. Ou rien du tout. Ou rien du tout, et j'aurais dégoûté. Non, non, si. Si c'est une quête annexe, et si on me demande de faire ça, ça doit être... Ça doit être craqué. T'en y va. On y va, c'est pas loin.
Mais là, ouais, t'as vu qu'il faut bien lire les dialogues et bien comprendre ce qu'il faut faire. Parce que ça te donne tellement d'indices et des trucs super craqués, donc obligé de farmer, obligé de regarder à droite à gauche et une fois que ça c'est fait, c'est bon. Donc c'est ça. If you... I can't remember, but try this. Ah non, c'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? J'ai toujours la bague avec moi? Je sais pas si j'ai toujours la bague avec moi. Ah merde! Ah merde, j'ai une bague et on me l'a... J'ai pas compris. J'ai pas compris, je pensais qu'il fallait lui donner... Visiblement non. Bon, je vais me soigner. Je joue à côté. Ah, bizarre. Ok, veux-tu soigner? Oui, je veux me soigner. 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 Ok, je suis soigné. Et on peut partir. On est bon. On est vachement bon. Je réfléchis à... Il y a peut-être quelques endroits où je pourrais récupérer encore des fioles et tout. Mais j'ai pas les bons items. J'ai clairement pas les bons items, notamment dans le cimetière. Je suis sûr et certain que j'ai oublié des trucs. Mais c'est un peu trop chaud pour moi à ce moment-là. J'avais pas beaucoup de santé. Je me faisais évidemment mais pénétrer dans tous les sens. C'était vraiment l'angoisse. Mais bon. Donc là, ok. Ok, donc j'ai récupéré une bague que je n'ai pas compris. Si, il a dit... Donne... Attends, je vais aller relire le dialogue, hein, mais... C'est ça, elle m'a dit, donne-la à quelqu'un. Dans mon esprit, c'était ça. Il fallait lui donner à cette personne-là pour que let's go, ça soit ça. Ok. Et c'est là, elle m'a dit... Elle va me dire quoi, la dame? Ah, I have noticed to sell here. Ah, mais non, mais... Mais si! Si, parce que j'ai donné la bague à la dame... Là, à l'instant, on est d'accord. On est d'accord que je lui ai donné ma bague. Et elle a été contente avec ça. Je suis pas fou. Attends, je suis pas fou. Ah si, je suis fou, mais... Peut-être qu'il y avait un délire. Il y avait un délire que j'ai pas compris et... Ou j'ai mal lu. Je sais pas. Je ne sais pas, c'est trop bizarre. En Mandogor, on a fait des trucs. On a fait des trucs, on a tout défoncé. Ok, il y a un trou, allons dans le trou. Ah, le petit démon, mais je... Ah, elle me donne de la thune et... Non, elle vole pas toute ma thune. Ok, donc ça me servait à rien, ça me donnait pas beaucoup de thunes. C'est pas très worth it. On y va. Continuons vers le nord. Et après, on ira au sud. Alors, trou. Pas trou. Trou. Pas trou. Trou. Pas trou. Trou. Fallait taper l'arbre, bien sûr. If your heart near death, visit Randar. Ok. Je sais pas si qui Randar, mais ok. Pourquoi pas. Ok, la nouvelle zone, ça doit être proche d'un donjon. Ah, il y a des petits fantômes maintenant. Ah, il y a des portes fantômes que je ne peux pas tuer. Ok. Aïe. Aïe. Ils font mal, hein. Les fantômes, c'est un truc en moins. Donc, ouille. Ouille. Tu vas voir, c'est encore un délire en mode, il faut taper le poton pour que ça marche. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. On va dans le trou. No fighter, I will give you a final sword for 50 000! Ah oui, non, il y a encore une épée. Bon, j'ai pas assez. 50 000, j'ai clairement pas assez. Ok, il y a encore une épée derrière. Bon, on va essayer de trouver la Bible. Pour avoir cette sublime épée, là, qui me paraît très chouette. Ok. Donc là, maintenant, c'est que des fantômes. C'est un peu particulier, c'est que des fantômes. Y a pas de truc à l'arbre, y a un trou là, y a pas de trou. Des trucs que je peux tuer s'il vous plaît parce que c'est chaud là. Ok. Non, les trucs ils prennent plusieurs coups, c'est trop chiant. Une nouvelle bible pour avoir l'épée. Non. Cranky cave in next to river somewhere. Ok. Et près de la rivière. Ok, y a une rivière pas loin et il serait là. Ok. Pas de problème. Ah, le retour des cochons. On va dire des hérissons blancs. C'est bon, c'est mort.
Donc là, je suis sûr et certain qu'il va avoir le trou, 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 mais je vais mourir. Ah non, c'est bon, je suis pas mort. Je suis presque mort. Et c'était pas ça. Ah. Ah, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Évidemment que je suis mort. On continue. C'est loin en plus, c'est vachement loin. Et j'ai combien de thunes sur moi là? Massacre des mais c'est ça, hein, c'est qu'on va faire un massacre, on n'a pas le choix en fait, donc let's go. Par contre, c'est loin, hein. C'est vachement loin où on doit aller maintenant. Ça serait bien, ouais, des godasses qui permettent de traverser la forêt. Comme ça, je pourrais aller plus vite, mais... Par contre, ok, il y a une grosse épée qu'on peut récupérer, mais il me faut 50 000 d'or, donc pour l'instant, non. Non, 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 non. Je rappelle que je fais ça sans Solus, hein. Je fais ça sans Solus, sans rien, sans savoir où il faut aller, ce qu'il faut faire et tout, donc... c'est l'aventure. C'est l'aventure avec un grand A. Bien sûr. Qu'on y va. Continuons. On a le temps, hein. Clairement, là, le temps de faire le chemin et tout. Enfin, c'est méga loin. C'est méga loin en plus. Après, je sais pas du tout. Oh, si, on m'a dit que le prochain boss, il est près de la rivière. Ça, oui, ok. Ça, j'ai bien compris. Par contre, de l'autre côté, je sais pas. Je sais pas s'il y avait une autre rivière dans l'autre sens où j'allais. Ou est-ce que c'était pas au sud? Je vais peut-être d'abord faire le sud, puis après le nord, comme j'ai pu le faire là à l'instant. Comme ça va me permettre de bien voir, est-ce que j'ai loupé des machins? Est-ce qu'il y a des trucs en plus? Est-ce qu'il y a des machins, évidemment, qu'on peut faire gaffe? Alors, hop, j'ai oublié de couper ça. Ça me permet d'avoir un peu plus de... Un peu moins de ralentissement, parce que je voyais qu'il y avait des ralentissements un petit peu au niveau de l'affichage. Ça va. Puisque, ouais, Google est allumé. Ok. On y va! On va aller jusqu'au truc. Mais c'est loin, c'est tellement loin. C'est con que je peux pas avoir un moyen de transport un peu plus efficace que ça. Non, là, c'est... T'y vas à pied, hein. T'y vas à pied jusqu'au bout quasiment de la map, hein, pour le coup. Mais il y a plein... Et encore une fois, il y a plein de secrets qu'on n'a pas dû les trouver parce que j'ai pas fait gaffe ou parce que j'ai pas tapé au bon endroit. Il y a fortement moyen que c'est ça, mais encore une fois, sans savoir exactement et... Et oui, et B, mais oui, la map, elle est gigantesque. Nous, on est qu'à la plage, hein, et là, on va tout au nord, hein, donc, ouais, tu te doutes bien, quoi, là. C'est long, c'est très, très long, et... Ah ouais, il y a du chemin à faire, donc on y va, hein. Pas le choix, hein. C'est vrai que je me dis, j'espère qu'il y a des godasses pour traverser la forêt, parce que s'il n'y a pas de godasses pour traverser la forêt, on n'est pas dans la merde, hein. Et c'est chiant, hein, de toujours faire ça, de toujours aller aussi loin que ça pour se faire péter le cul, hein, disons-le clairement. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Mais au moins on avance. Ah, pas de truc. Mais c'est ça, c'est chiant, c'est bien relou, il te fonce bien dessus. Ça va. On est revenu quasiment au point de départ. Ah, évidemment, le truc qui apparaît pile en face de toi. Donc allons-y. Ok. Donc là, je vais aller au sud avant d'aller au nord. Donc comme ça va me permettre de bien fouiller la zone. Ah, je peux pas y aller là. Ah ouais, je peux pas y aller là. Attends, là il y avait un chemin. Ah, si si, il y a moyen où en fait qu'il y a des godasses parce qu'il y aurait pas un chemin comme ça. C'est pas possible autrement. Pourquoi il donnerait un chemin avec rien du tout? Un peu bizarre. Bizarre cette histoire, mais on y va. Ça on l'a fait. Il commence à avoir les fantômes de merde qui me foncent dessus et qui me font perdre un truc de vie, donc c'est chaud. Je voudrais bien savoir où est la vie, surtout. Je vais aller au nord. Je vais évidemment faire gaffe aux trucs comme ça. Cette zone là, non, je l'avais pas faite. Donc on va tout tuer. Tuons la faune et la flore, qu'est-ce qu'il y a là? De la vie. De la vie, comme ça je peux farmer. As you found the legendary sword? Oui, on sait où aller. On sait où aller, mais j'ai pas assez. Je n'ai pas assez pour faire quoi que ce soit. Alors. Ok, les top. Alors, on va tuer les top. C'est top. Loul. Je vais essayer de taper... Encore une fois, dans le doute... Dans le doute que ça soit un rocher ou un truc comme ça, le jeu m'a montré que il y a moyen en fait. Il y a moyen que ça soit ça et
qu'il faut faire gaffe à tout. Ah, je suis en plein dessus. Je suis en plein dessus. Vie. Ok, Bible. Pour 50 000 d'or, je peux avoir l'épée. Ok, on va farmer juste après. Donc là, je vais faire un tour. Si je meurs, on ira chercher l'épée. Donc pour l'instant, on va voir ce qu'il y a. Fouillons la zone, puis après, on va farmer. J'ai trouvé les TP l'outil, mais comme il y avait un petit pépin, ouais, non, c'était un peu cher pour moi. I see a wrap of a magical mirror with reflect invisible demons. Non, bah, merci de me l'apprendre. On va aller au sud. Allons au sud. Oui, je l'ai fait, ça, cet endroit. Non, oui, cet endroit-là, je l'ai fait. J'ai un doute. Non, si, je l'ai fait. Si, j'ai fait cette zone-là. Là, je l'ai pas fait. Donc là, c'est quoi? Oh, mes amis les vers de terre. Oh, mes amis les vers de terre, je vous aime beaucoup. Venez me voir. Vous allez me faire plein de thunes. C'est le moment de faire de l'argent. Donc là, il y a quoi? S'il y a un moyen de soigner, let's go. Pour 15 000 d'or. Eh ben, c'est bon. Eh ben, alors déjà, on va farmer ça. Allez, venez mes amis les vers de terre. Venez mourir, allez, let's go, c'est parti pour farmer. Oh, allez, le farm facile. Ah non, c'est pas le farm facile, parce qu'il peut te taper derrière. Quoique, en vrai, ça va. C'est des vers de terre, ça Non, c'est des vers, ça a l'air d'être des vers de terre, hein, ou des croissants sur pattes. Je sais pas, mais ça a l'air d'être des gros vers de terre, mais... Ok, 15 000 d'or, ok, pas de problème. Et venez, vous êtes mort. Et venez vers moi maintenant. Venez par là. Venez. Ok. Je précise que je suis obligé de faire ça à chaque fois que je donne un coup d'épée. Oui, c'est ce genre de jeu. C'est ce genre de jeu où t'es obligé de bourrer le bouton pour taper. Allez, let's go. Vous bloquez pas, venez, allez, venez, ça me donne plein de thunes. Donc on va farmer, hein, tranquillou. Je crois que j'ai assez de thunes pour au moins la fiole, ça me permet d'avoir assez. Non, même pas encore. Ok. Ouais, ça va largement. Non, je vais passer par le bas, je vais réafficher ça pour que j'ai tous les verres qui arrivent là. Comme ça, let's go. Alors toi, Alexander, comment ça va? T'arrives pile pour un petit Golvelius, tranquillou. On farme, on avance bien, c'est propre. Je suis content parce que j'ai récupéré beaucoup de choses. Donc le meilleur bouclier, je vais avoir bientôt la meilleure épée, une nouvelle fiole. On est vachement bien, hein. Même si encore une fois c'est long, c'est vachement long pour très peu de choses finalement. Mais après, je serais bien. C'est ça, je me dis, c'est vraiment un mal pour un bien. C'est ok, tu farmes, mais derrière, tu vas être bien pour une grosse partie du jeu. Donc, let's go. Vas-y, on va prendre ça. Je suis un peu curieux de savoir ce qu'il y a juste en dessous. Donc, excusez-moi, je vais juste faire ça. Juste voir, il y a quoi. Parce que là, en plus, il y a une rivière. Donc, ça veut dire qu'il y aura... Il y a sûrement moyen qu'il y a des secrets et tout. Ah, donjon. Ah, donc là, il y a un boss. Ah bah, boss. Visiblement, boss, pas le choix. Donc, let's go. Pas le choix, let's go. Moi, ça me dérange pas, mais bah bon. Et on va aller au-dessus. Non, on va pas aller au-dessus. Ok. Normalement, les donjons, c'est facile. Hein. Les donjons, c'est ultra facile. Faut juste faire gaffe à tout. Ok. Ok, on saute. Ah, attends. Ok. Ah, je m'attendais à un boss, évidemment, à un demi-boss comme ça. Et ils ont un style très Wonderboyen, hein, pour le coup, les serpents. C'est vraiment terrible. Tu sais, les yeux bien ronds et tout, c'est rigolo. Mais il y a moyen, hein. Il y a moyen qu'ils ont travaillé dessus. Hein. Les gars qui ont fait Wonder Boy 3, ils ont travaillé un petit peu sur ce jeu-là en amont. Wonder Boy 3 est arrivé plus tard, hein, pour le coup. Aïe.
Aïe. Aïe, dégage. Allez, meurs. Meurs, meurs. Il meurt pas. Le truc increvable, allez. Ah, je me suis dit, putain, il voudra pas. Hein. Ah, c'est bon. Ok, ok. 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 Je pense que de la nostalgie, c'est-à-dire. C'est un sentiment bien, c'est un sentiment très sympathique. Après, faut pas se laisser submerger par la nostalgie, parce que c'est un peu... C'est comme ça qu'après, tu dis n'importe quoi, ou tu as des choses un peu... ton avis est faussé par tes sentiments. Mais sinon, c'est bien, la nostalgie. C'est très très bien, il faut en avoir, en fait. Faut en avoir pour les choses que t'as aimées autrefois. Le donjon est bien long. Ah, non, attends, c'est pas... Attends. Je me suis foiré. Non, je me suis pas foiré, hein. Ah si, je me suis foiré. Non, je me suis pas foiré, attends. Ah si, je me suis foiré. Non, quand... Ah si, je me suis foiré. Il fallait activer le machin, il y avait un bloc pour refaire descendre le truc, j'ai pas fait gaffe et je me suis foiré. Mais sinon, voilà, après, effectivement, la nostalgie, c'est un long sujet, hein. Pour en parler très longtemps. Mais bon. Alors, attendez, je me concentre un peu. C'est ça que je veux faire gaffe. Taper ce truc-là, j'ai pas fait gaffe, encore une fois. J'essaye d'avancer, j'essaye de faire attention, évidemment, aux différents coups. Parce qu'encore une fois, vous avez vu que bloqué comme ça, tu peux plus rien faire. Tu peux pas revenir en arrière, donc t'es obligé de... bien faire gaffe à des actions. Évidemment, je suis obligé de me rebastonner avec lui. Attends, j'espère tellement que le truc il est facile et qu'il est pas trop chiant. Parce que, encore une fois, le boss il peut être vénère. Hein. Il peut être vénère comme l'autre truc de tout à l'heure. Hein. Mais bon, théoriquement, ça devrait bien faire. Je viens théoriquement. Hein. Encore une fois, entre ce qui est dit et ce qui est fait. Allez, meurs. Allez, meurs. Il voudra pas mourir. Meurs. Allez, meurs. Il est increvable. Increvable, le truc. Allez. Non, mais le truc, je suis complètement dessus, mais pas... C'est bon. Après, ça dépend le contexte. Ouais, après, ça dépend, en fait, de beaucoup de choses, en fait. Ça dépend de beaucoup de choses et... surtout le sujet. Moi, pour moi, c'est surtout le sujet. Parce que la nostalgie, c'est bien, hein, c'est sympa, mais... apparemment, c'est un peu chaud, hein. Ah, regarde, et je suis fait le con, fallait pas activer ça. Et voilà, donc il faut pas activer, ok, faut activer que certains trucs. Donc ça, je savais pas, ça fait rien, donc on y retourne. Ok, on est bon. Ah mais par contre, putain, encore le serpent de merde là, mais c'est trop chiant, ça dure 1000 ans en plus. Ils font pas mal hein, les serpents, hein, mais c'est un peu l'angoisse. Aïe! Okay. On y retourne. Donc, pas le premier truc, faut pas taper dessus, faut taper sur le truc d'après. Ça, non. Oh, je prie pour un boss facile. Parce que, encore une fois, si c'est comme le boss de la dernière fois, là, qui était trop chiant, qui allait dans tous les sens et qui n'arrêtait pas, ça va être l'horreur. Hein. Ça va être clairement l'horreur. Allez, retour du serpent, ça va être chaud. Et pire, c'est que c'est long, c'est méga long pour rien. Regarde le truc, je suis dessus, je bourre le bouton, il ne meurt pas, quoi. Elle meurt. Ah bah ça y est, enfin. On y retourne. Allez, let's go. Alors là, attention. Non. On ne tape pas là. Non, ça on ne tape pas. On y va. Ok, pas de problème. Là, on ne tape pas. Alors attention, serpent. Ok. Et serpent. C'est deux versions de la Master System. Ouais, j'ai la Master System 1 et la Master System 2 à la maison. La Master System 2 en boîte, en plus. On me l'a offert. Hein. Il y a quelqu'un qui me l'a offert, le Master System 2 en boîte. Parce qu'il aimait beaucoup mes vidéos, j'étais très surpris. Et ça fait plaisir, tu vois, c'est vraiment touchant, tu vois. Elle m'a dit, tu vas en savoir faire un bon usage, tu vas le savoir bien l'utiliser et tout, c'est très sympathique.
Vénère, là, le serpent, par rapport à avant. Wesh, wesh, il me dégage en plus. Eh, putain, ta mère, le serpent, là. Oh! Tu fais comment pour mettre pause? Bah, j'appuie sur le bouton start de la console, tout simplement, qui est juste à côté. Je vais pas montrer la console là, en jeu, parce qu'on sait jamais si elle plante, hein, encore une fois. C'est une vieille machine avec une cartouche que je n'ai pas nettoyée du tout, donc... Putain, mais tu crèves quand? Eh, t'es trop chiant. Eh, c'est horriblement chiant. C'est horriblement dur. C'est horriblement dur. Ah, je préférais le serpent d'avant. Oh, bah, de toute façon, on est passé. Regarde, on est passé en force. Fallait pas faire ça, mais bon. Au moins, c'est passé. Au moins, ça va passer. Et c'est passé. Bon, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais ça fait rien parce que j'ai vraiment galéré sur ce boss-là. Parce que là, il te trouve, c'est fini. T'as quelle angoisse, quoi. Oh, putain de serpent encore, quoi. Par contre, je vais pas avoir assez de vie. Hein. Je vais pas avoir assez de vie pour tout faire, donc ça va être chaud. Hein. Bah, je suis bloqué. Fallait descendre. Fallait descendre et je savais pas. Let's go! Allez, on recommence! Le fun! Le fun, mes amis, omniprésent, bien sûr. Je vais devoir recommencer tout, revenir tout au tout bout du truc et. Sur la 2, il se trouve le bouton. Il y a qu'un bouton de poser, c'est tout. Sinon, c'est un switch classique, comme à l'ancienne, directement sur la. Sur la 2. Sur la première, non, c'est juste un bouton à côté du bouton reset. C'est pour ça qu'il faut que je fasse gaffe à ne pas appuyer sur le bouton reset. Parce que si on appuie sur le bouton reset, on recommence tout. Et je n'ai pas envie de tout recommencer. Parce que c'est long. C'est très très long. C'est très fastidieux. C'est pas gentil. Et le retour du serpent de merde. Bon, note à moi-même. Si je recommence tout, on bypass le serpent. On attend qu'il saute et on va au-dessus. Parce que vraiment, il m'a bourré le cul, quoi, le truc d'avant. C'était l'angoisse, quoi. Allez, meurs. Allez, meurs, s'il te plaît. Meurs le plus vite possible. Meurs le plus vite possible. Il veut pas mourir. Ok, c'est battu. Ok. Lightbox est pété. C'est pas une lightbox pété, c'est juste que... Le truc est très très chiant, il y a plein de vie et c'est horrible, quoi. Donc ça, ok. Aïe, je vais mourir. Je vais recommencer tout. On va pas faire ça. Là, on va par là. Alors, il faut juste, ouais, faut juste faire un coup. Parce que, ouais, c'est blindé de serpents. Donc là, ok. 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 Là, pas de problème. Là, pas de problème. C'est là qu'il va falloir taper. Exactement là. Ok. Donc là... Oh. Je bypass. Parce que je prends pas de risque, c'est trop compliqué. Ok. Je bypass, au moins je suis passé. Tranquillou. Là, le passage là est un peu chiant, faut faire un petit saut, mais c'est technique. Hein. C'est vraiment le tout petit saut au moment où tu commences à prendre de l'élan. Mais ça va bien. Là, maintenant on tombe. C'est marrant, le serpent est tombé en même temps que le scrolling. C'est qu'un détail. Hein. Ok. Putain de jeu de ces morts. Allez, on recommence. Parce que loule, c'était pas assez marrant. Allez, on recommence. Allez, t'as pas tapé dessus. Ah putain, c'est chiant. C'est trop chiant. Mais ça me permet d'avoir de la vie. Hein. Ça me permet d'avoir de la vie, de retrouver de la santé et tout, sans problème. Enfin, sans problème, avec juste un combat titanesque contre un putain de serpent qui dure 1000 ans. Mais ça fait rien, donc... commence à connaître, hein. Commence à connaître la section, pas de problème. Juste, ouais, c'est juste un poil long pour rien. Là, on va arriver au serpent. Allez, serpent, le retour. Attention. Ok.
J'essaie encore une fois d'économiser ma vie et tout, hein, mais pas trop moins d'économiser de la vie là-dessus, sur ce boss-là, bien chiant. Parce qu'il te balance vraiment ces petits serpents, et évidemment, le temps que ça arrive sur toi. Allez, meurs. Allez. Ok. Donc là, ça me permet d'avoir de la vie, pas de problème. Ok, on est bon. Donc là, alors attention, on reprend depuis le début. Là, on peut taper. Oh, là, on tape pas. On avance. Ok. On va arriver au... Non, le serpent bypass après. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Pas de problème. Là, maintenant, on va arriver au truc qu'il faut taper. Je crois, oui. Là, il faut taper. On avance. Serpent bypassé. Alors, attention. On colle l'écran. Ok, on colle. Là, ça fait rien. J'ai perdu un peu de vie, mais ça passe. Ok, ça a disparu. Maintenant, on fait ça. C'est bon, ça a passé. Serpent, je crois. Oui, serpent. Serpent. Là, on tombe dans le trou. J'ai dit, on tombe dans le trou. On ne tape pas. Serpent. Ok, c'est passé. Putain, j'ai flippé. Hein. Tous les endroits, maintenant, je me dis, est-ce qu'il faut taper? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Non, ça va. Allez, on arrive au boss. Ok, boss serpent. Ça va, boss serpent comme ça, ça va. Parce que l'autre, il était vénère. Hein. Clairement, il était vénère avec ses boules de feu dans tous les sens. Je pense qu'il fallait... Il y a moyen qu'il fallait le bypasser, parce que franchement, vu comment c'était et tout, certain qu'en fait, il fallait passer à travers. Vraiment pas faire gaffe et tout. Moi, j'ai la moitié de ma vie, je sais pas ce qu'il va avoir après, donc... En espérant qu'il va pas avoir des trucs un peu trop vénères. Par contre, le donjon est très très long. Vas-y, il dure 1000 ans. Ça va, y'a rien. Et... Ah, putain de serpent, mais... C'est trop chiant, t'arrives, y'a un serpent tout de suite. Ok. Donc là, non. Ah, putain. Ok, lui, par contre, faut le tuer. Oh, là. Le joueur français. Eh, on est bon ou on n'est pas, hein. J'ai eu de la chance surtout. En fait, il était bien placé. J'avais juste à bourrer sa tête et c'était bon. Donc, ok. Ça pourrait se finir là? Parce que ça dure longtemps, le donjon. Ah bah, c'est fini. Allez, boss. Allez, boss facile. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il balance un truc comme ça. Est-ce que je peux... Non, on peut pas. On peut pas faire ça. Ok. Aïe. Non, ça va, ces boules d'énergie ne font... Oh, putain, par contre, lui, il fait très très mal. Il fait très mal. Il fait très très mal, le boss. Je vais mourir dans tous les cas. Dommage. Le boss, il est pas dur. Il est clairement pas dur, mais le temps d'y aller et tout, c'est vachement long. On va récupérer, je pense, la plus grosse épée. Comme ça, on est bon. Vous faisiez Hadouken insulte vateuse. Ouais, non, le truc, il était vénère. Mais ça fait rien. Ce qui s'est passé. Encore une fois, on sait où il est. On sait où est le boss de la zone, il n'y a pas de problème. Là, on va farmer. On va farmer pour de la thune. Et on va avoir la meilleure épée. Parce qu'avoir la meilleure épée, ça va me permettre de mieux tuer les serpents. Plus derrière, de mieux passer le passage. Et certainement aussi de mieux défoncer le boss, pour le coup.
Il me paraît pas dur, hein. Il me paraît vraiment pas dur, c'est juste que j'étais mal équipé et j'étais un peu... Ma bite et mon couteau. En plus, sans la meilleure arme, donc ça handicap déjà quand même pas mal. Mais m'a l'air pas dur, franchement, tu te mettais dans un coin, c'était bon, t'avais juste à taper, ça passait. Mais bon, ça fait rien. Ça fait rien, là c'est... On va farmer. Les vers de terre. Toujours les vers de terre. C'est vraiment l'endroit pratique et merde. Je m'en fous. Au moins on sait où est le boss. Mon sixième cristal, il est là, pas de problème. Pas de problème. Comme ça me permettrait d'avoir le prochain boss en vue. Mais tout le donjon était quand même vachement particulier. De toute façon, on sait ce qu'il faut faire, mais juste c'était vachement long pour pas grand chose. Donc on va farmer. J'ai combien de thunes avec moi là? J'ai 4000, il me faut 50 000. Je pense le maximum évidemment du truc, mais let's go pour le coup. Ça va être long, hein. Ça va être long, 50 000. Non, en vrai, ça va pas être si long que ça, mais... Ah, c'est très redondant, hein, de tuer des vers de terre en boucle, jusqu'à temps que ça passe, mais... On fait comme on peut. Donc les vers de terre, c'est juste en dessous. On va y aller, on va aux vers de terre. Enfin, on va aux vers de terre, franchement... Quelle angoisse, quoi. Allez, venez vers moi. Allez, venez. On y va, c'est parti. C'est parti pour avoir 50 000 et avoir la meilleure épée du jeu. Et je vais quand même peut-être fouiller un peu plus la zone. Il y a moyen, hein. Il y a moyen qu'il y ait des trucs un peu plus particuliers et mieux. Genre plus de potions. Des potions, j'aimerais bien avoir toutes les potions quasiment. Mais n'hésitez pas, si vous avez des conseils et tout, si vous avez déjà fait le jeu, n'hésitez pas à souffler, hein, de temps en temps. Si vous avez des petits conseils à me donner ou des trucs... Si vous connaissez le jeu, évidemment, là... Si vous connaissez pas le jeu, n'allez pas voir une soluce. Ne vous spoilez pas, bien sûr. On est là pour le spectacle, on est là pour un petit peu montrer le skill. J'ai 40 000. J'ai 40 000 encore à faire. Après, voilà. Encore une fois, c'est pas spécialement compliqué. C'est juste un peu long, tu vois. Mais je suppose que le dernier donjon va être comme ça aussi. Hein. Ça va être vraiment un truc... pédestre évidemment en vue de derrière et après en vue de côté comme Zelda 2 à tous les coups. Donc à voir. Allez, meurs le ver de terre. Tu peux mourir, oui. Let's go, on continue. Je tiens à préciser, c'est que c'est le monstre qui me donne le plus d'or et l'instant où je peux faire le plus de kills en fait, donc autant profiter, hein, parce que franchement ça va vite, hein, de faire de l'or ici, sur des vers de terre, qui sont quasiment inoffensifs, hein, mais juste... Oh putain, je me dis, avec la meilleure épée, je pourrais les défoncer en un coup, ça va me permettre de gagner encore plus de thunes rapidement, et je pourrais acheter de l'herbe potentiellement, je pourrais acheter de l'herbe avec l'argent évidemment, dans le jeu, hein, je rappelle, ne fumez pas les enfants. C'est pas bien de fumer. J'ai jamais fumé de ma vie, en vrai. Jamais eu envie, jamais tenté. Jamais vraiment proposé non plus. Donc ça va. Puis même, moi, non, c'est pour avoir une santé de merde après, au secours, quoi. Plus ça coûte cher. Et t'es pas dans un meilleur état après. Surtout avec certaines drogues, donc autant... autant ne pas prendre ça. Alors excusez-moi, c'était l'instant Ozaki qui se pose des questions, évidemment, sur la vie. C'est mieux que le live de mercredi, on se posait des questions sur la mort, ça c'était terrible, mais bon, c'était vraiment terrible. C'est super séduceur aussi, qu'on m'a vivement recommandé de faire. Dédicace à Namo, évidemment, qui n'est pas là, mais Namo, pas de problème, hein, pour le super séduceur sur PC, ça va être drôle. Super séduceur, j'aurais tellement de trucs à dire et... On va rigoler, hein. Je pense qu'on va vachement rigoler parce que bon, il y a des passages ouf, on va dire. Je vais raconter des trucs évidemment vrais, évidemment, sur ma petite vie, donc ça va être particulier. Ok, presque 30 000, ça va, on y va. Allez, déjà presque 30 000,
Il y a déjà presque une heure et demie de live. On avait quand même déjà beaucoup de choses en une heure et demie, je trouve. Même si, ouais, il va rester un cristal, plus quelques petites choses à faire à droite à gauche. Parce que là, ouais, il reste deux donjons, hein. Je crois que c'est ça. Hein. J'ai déjà oublié. Est-ce que c'est pas 6, hein. C'est bien les 7 cristals hein, qu'il faut pour le Golvelius. J'ai un énorme doute. Parce que je ne sais plus. Je ne sais plus du tout si c'est 6 ou 7. Normalement, c'est 7, hein. Je crois. J'ai un souvenir. Je ne sais plus du tout. De toute façon, si c'est l'avant-dernier donjon, pourquoi pas, je veux dire. Mais il va rester beaucoup de choses à faire. Genre, toute une partie du truc, on l'a pas fait. Genre, toute la rivière. La rivière, on l'a pas traversée. Peut-être on va se faire ça. Avant d'aller dans le donjon pour le revisiter une nouvelle fois, on va peut-être faire une petite revisite du truc. Hein. Non, ouais, c'est 7. C'est les 7 boules de cristal, évidemment. Vu comment c'est positionné et tout, non, c'est ça. Comme dans Dragon Ball. Ou comme dans Tintin. Ou comme dans beaucoup de mythologies, mais juste... pourquoi pas. Ça aussi, hein, les Tintins, ça fait... Faudrait que je fasse Tintin Objectif Aventure sur PlayStation. Un petit jeu tranquille, c'est posé comme ça, ça pourrait être bien. Et on va pouvoir parler de Tintin, donc ça pourrait être génial. Excusez-moi, je suis en train de faire mon planning à moi aussi, hein. Je suis en train de faire mon planning de live en même temps. Non, ça pourrait être génial, c'est un petit jeu comme ça, tranquillou, posé. Donc voilà, c'est facile, ça dure pas très longtemps, ça dure une petite après-midi. Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après, encore une fois, ouais, c'est... Ah, je sais pas. Par rapport au vrai Tintin de l'époque, très dur sur Super Nintendo et tout, je sais pas. Encore quelques vers de terre et on est bon. Et venez. Venez. Hop, mourez. En plus, je viens d'y penser, mais ça me donne presque plus que... Parce que à chaque fois, il y a toujours 5 vers de terre. 5 fois 240, ça fait combien? Ça fait... 1020, je crois. 1200? Non, 1200, c'est pas mal. 1200 à quasiment... 20 secondes, c'est plutôt cool. Il me reste plus grand chose. Let's go. Allez, mourir. On est presque bon. On va pouvoir aller chercher la grosse épée. Et après, on va visiter. Je pense qu'on va visiter un petit peu pour essayer de récupérer quelques items à droite à gauche. Les petites choses que j'ai peut-être loupées, évidemment, avant d'aller au donjon. Qui, encore une fois, n'est pas spécialement compliqué, hein, juste que... J'avais pas la meilleure épée pour faire le boss, donc forcément, ça, c'est pas pratique. Et j'ai les 50 000. Ok, let's go! On est bon, on y va. Donc, Legendary Sword, nous voilà. Ça va être un peu long, encore une fois, la carte, elle est gigantesque. C'est tellement long à faire, mais voilà, pas le choix. Je veux dire, on est parti, hein, on est parti. Je sais pas si t'as une carte détaillée du jeu avec chaque endroit où t'as un truc et tout dans le trou et tout. Je pense qu'il doit avoir sur internet. Hein. Encore une fois, j'ai pas regardé les solutions. Juste rapidement regarder le long play pour savoir à peu près combien d'heures ça dure. Donc ça a duré théoriquement 3 heures. Mais comme j'ai pu dire dans le premier live, c'est vu que c'est... ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu et que je l'ai pas en tête. On va dire que ça va faire 6-8 heures comme ça, let's go. Ah, il y a des cartes bien détaillées, je m'en doutais. Je m'en doutais parce que je me suis dit, c'est quand même chelou, toi. Un jeu comme ça, il n'y a pas de cartes détaillées et tout. Il y a moyen. Hein. Surtout pour des solutions et des workthroughs, théoriquement, ouais, c'est ça. Je suppose sur GameFAQ déjà. Sur GameFAQ, tu devrais avoir une carte. SMS Power, je pense pas. Parce que SMS Power, c'est plus du factuel sur les jeux plutôt que. Allez, on va faire une solution complète. Même si t'as des trucs intéressants, notamment pour Phantasy Star, t'avais pas mal de maps. Ça m'a aidé, hein. Franchement, ça m'a aidé par moments quand j'étais bloqué, quand je me suis rendu compte que ma carte ne fonctionnait pas, et j'étais là, ah, ça ne fonctionne pas, donc du coup, bah, pas le choix, on va un peu creuser. Attends, si c'est ça. Attends, c'était où. Attends, je sais plus. C'était dans le trou là? Non,
C'est, fallait vraiment tuer des gens. On va tuer des gens, hein. Faut pas que je meure. Ouais, non, c'est bon. Si je mourais avec toute mon argent, au secours, quoi. SS Bower, il y a une carte, ah ouais. Bah, comme quoi, bah, mea culpa. Allez, let's go. This world will make the best use of this strong. No behalf. La musique a changé. Je sais pas, je peux pas les tuer, hein, ça. Je peux pas tuer du tout les fantômes, c'est con. Après, c'est des fantômes. Tu peux pas tuer un fantôme avec une épée. Mais maintenant, on a les meilleures armes, on a absolument tout ce qu'il faut pour défoncer les boss. Donc, let's go. Là, par là, c'est le fameux... Voilà, on peut pas. On peut pas y aller. Et c'est là où je me dis, non, c'est sûr et certain qu'il y a des bots pour traverser. Parce que c'est bizarre, ils te mettent une route sans rien ni rien. Relou comme truc. Donc là, non, je vais pas faire ça, je vais plutôt faire le tour. Donc là, voilà, visiblement, non. Parce que là, je sais qu'il y a le boss. Pas de problème. Et là, il y a toute une nouvelle forêt. Là, il y a un machin supplémentaire. Et... On va peut-être trouver le prochain boss, en vrai. Visitons l'endroit, visitons le truc. Il y a beaucoup de rochers, donc je suppose que c'est là où il va avoir évidemment tous les trucs à récupérer. Notamment de l'herbe, à combien? À 30 000... Non mais l'herbe, elle coûte trop cher. 30 000 l'herbe, putain, bah, j'espère qu'elle est bonne, à ce prix-là. Donc là, non. Là, sûrement cuit. Il y a des petits trucs comme ça, il y a des petits... Ah, c'est chiant, c'est trop chiant de arrêter de me foncer dessus. Donc là, non. Il y a forcément un trou, hein. Encore une fois, il y a forcément un trou dans cette zone-là. Faut juste que j'arrive à tuer les machins. Et de la vie, il n'y en a pas du tout, hein. J'ai pas vu de la vie depuis tout à l'heure, c'est trop particulier, hein. 30 000 pour de la drogue, ouais, non, ça fait cher, hein. Ça fait cher payer l'herbe. Taper dans tous les sens pour juste pour ça. If you go south from here, you must be really quiet. Don't even breathe. Ok. Si vous allez au sud, ça va être assez silencieux. Bizarre, non? Ah, non, non, non. Ah, si. Il y a quoi là-dedans? Allons-y. Une autre Bible? Pour 5 ans. Je prends, même si. Bizarre, non? Là, par contre, ouais, y a un rocher. Je vais aller au rocher. Par contre, ouais, ils font très mal, hein. J'ai beau avoir le meilleur bouclier du jeu, ils font très très mal les trucs et... c'est chaud. C'est vachement chaud. La vie, s'il vous plaît, de la vie. Il y a quoi là-dedans? The fortune telling of a whole woman is very accurate. Putain, tout ça pour ça. Tout ça pour... Ok, merci beaucoup, biscuit chinois ambulant. Ok, on va aller voir la madame. Mais il n'y a pas de la santé. Genre, il n'y a pas un bonhomme de santé. Général, j'arrêtais pas d'en croiser de la dernière fois, et là, non, que dalle. Bizarre, non? Enfin, je sais pas. Donc là, il n'y en a pas. Aïe. Là, comme par hasard, ça va être de l'autre côté. À tous les coups. Les trucs qui font mal, les trucs qui font très mal, on va éviter. Il y a moyen qu'un truc... Oh, les abeilles. Les abeilles, ça, c'est tranquille. Je peux vite les dégommer. Oh, putain, comme par hasard. Comme par hasard, là, par contre... Putain, c'est chiant. Oh, mourez. Qui veut faire le tour. Qui croisement, il y a quoi, là? Il y a ça. Là, il y a un trou. Ah, il y a un trou. Ah non, je peux pas aller au trou. Donc je vais faire le tour. Oh non, il y a des godasses pour traverser les... Il y a des godasses pour traverser le truc. Obligé, là, le truc, de nulle part, tu peux pas y aller, sinon. Allez, mourez. Okay. Va dans le trou, merci. Il y a quoi dans le trou? Bible. This Bible, il veut pour 10 000 d'or. Bah, je voudrais bien le prendre, mais c'est, ça coûte cher. Je sais pas comment on fait.
Donc là, je peux pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'avancer pour essayer de trouver de la vie, mais ça pue, hein. Ça pue pour trouver de la vie. Là, il y a rien. Là, il y a forcément rien parce que il y a des godasses pour. Il faut que je les trouve. Là, il y a quoi? Ah, vas-y, de la vie. Give this ring to one of my peers. I beg. J'ai pas compris ça. Mais ça sert à quoi? Donne cette bague à un de mes pères. Et après, est-ce que c'est la dame de tout à l'heure? La dame de tout à l'heure qui voulait aussi une bague. Par contre, c'est loin là? Non, 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 c'est pas si loin. En vrai, c'est pas si loin que ça. C'est risqué, vu la vie que j'ai, c'est très risqué d'y aller, donc. Vas-y, on va survivre. On va survivre en vrai. On va pas survivre. On va pas survivre, ça m'étonnerait. Vu la santé que j'ai, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Allez, survie, gars. Non, c'est mort, c'est complètement mort. Vu où on est, non, c'est mort. C'est mort. Et c'est dommage. C'est totalement dommage. Mais je sais pas si je garde. Est-ce que je garde la bague? Je sais pas si je garde la bague. J'ai gardé la bague. Ok, donne cette bague à un de mes pères. Je vais essayer de donner la bague à la dame du lac. Encore une fois, je ne sais pas où on va. C'est. Allez, let's go. L'aventure avec un grand A, encore une fois. Mais visiblement, on peut quand même aller. On peut aller quand même taper le boss, hein, sans problème. Hein. Mais c'est ça. Le truc, c'est que c'est long, en fait. C'est vachement long pour pas grand chose. Donc, je sais pas. J'hésite. J'hésite parce que je peux le faire. C'est jouable. C'est vachement jouable. Mais après, je me dis. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut voir. Donc, on peut explorer. Hein. On peut explorer sans problème. Surtout que ça me permet d'avoir de l'argent, des nouveaux équipements, des nouvelles potions. Le prochain item, donc les fameuses godasses que je suis très curieux de récupérer. Parce que franchement, je suis sûr et certain qu'il y a des trucs craqués, genre déjà des fioles. Peut-être une nouvelle arme ou peut-être potentiellement de la meilleure défense. Parce que là, la défense, ça pue, hein. Je me fais dégommer. Hein. Je me fais dégommer, c'est un peu chiant. Mais bon, on va voir. Donc, let's go. C'est par là. C'est par là. Donc, la bague, je vais la donner. Ouais, effectivement, la dame du lac qui m'a donné aussi sa bague. Donc, très certainement, qu'en lui donnant la bague, elle va sûrement me donner. Elle va sûrement me donner un item. Je ne sais pas. On va voir. On va voir c'est quoi l'utilité de cette bague. Il me faut 10 000 d'argent pour que j'ai la meilleure Bible. Oui, non, si j'allais dire, est-ce qu'on pouvait passer. On pouvait passer sur le côté. Parce que là, il faut aller tout en dessous, il faut faire plein de machins et tout, c'est un peu chiant. Si on pouvait passer sur le côté, ça m'arrangerait bien. Je pense qu'on va faire ça. Pour visiter. Aïe! Allez, avance. Ok. Ça, c'est bon. Visitons. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, ouïe, ouïe, ouïe. Non, c'est bon. Ça passe, maintenant on y va. Les petites souris sont chiantes. Est-ce qu'ils vont tout? Tuons-les, ça me fait quand même de la thune, mine de rien. Je sais pas si ça, au niveau des vers de terre, est-ce que ça passe bien? J'ai pas testé. Bon, là, visiblement, ça fait bobo. Hein. L'épée fait vraiment très très mal. Après, encore une fois, je sais pas si. Je sais pas si il y a Warfeet contre le boss, c'est ça qui me perturbe le plus. Donc là, non, il faut pas lui donner, à elle. Je vais essayer de lui donner la bague à la dame là. Donner justement la fameuse bague. Hop. Imaginons que je vais là et que je donne. Ah ah ah, I have nothing to sell. J'ai encore la bague. J'ai encore la bague avec moi. Donne-le à un de mes pères. Après, je sais pas si c'est la dame de tout à l'heure, ça le truc. Ça, encore une fois, je sais pas, c'est la grande interrogation, c'est que j'ai une bague, mais.
Est-ce que je les dégomme? Je les dégomme même pas deux coups. Alors que pourtant, je suis avec, je rappelle, Legendary Sword. Hein. Bah, Legendary Sword de loin, hein. Clairement. N'arrive même pas à tuer les chevaliers, quoi, au secours. On visite, on continue à visiter, continuons à aller voir des choses. Je vais effectivement faire ça. Je vais effectivement farfouiller encore la zone pour dire d'avoir le plus de potions, le plus de d'items supplémentaires, notamment les godasses. Visiblement qui va être supplémentaire. Donc on sait que le boss est là. Pas de problème, le boss il est là. Aucun problème. On va aller au nord que je n'ai pas fait. Je crois que je n'ai pas fait le nord. Welcome to the Hades Forest. It is huge. Don't be lost. Donc, pas de problème. Ok, donc c'est vraiment une nouvelle zone. Nouvelle zone. Donc là, non. Ah, il y a des nouveaux ennemis, visiblement. J'ai pas vu. Ah si, je les ai vus dans le cimetière. J'ai rien dit. Je les ai vus dans le cimetière, c'est vrai. Aïe. Aïe. Oh putain, il m'enlève plein de vie. Et ils prennent plein de coups. Eh, sérieusement, Legendary Sword, le meilleur équipement et tout, et il me dégomme. What the fuck? Bon, là, évidemment, je sais où elle est la zone. Voilà, effectivement. Ok. Non, on n'a pas vu. Alors, je vais aller de l'autre côté. Alors, attends. Je fais zone par zone. Encore une fois, je prends mon temps pour bien fouiller, pour bien trouver des items. Let's go. Ok. Et la zone elle est où? Okay. Ça, faut taper un endroit précis, c'est ça? Faut tuer? Non, faut taper le rocher. Il faut taper le rocher. Faut taper le rocher par en dessous? Non, faut pas taper le rocher par en dessous, c'est pas possible. Donc là, et pas de truc, rien du tout. Que chi, que nenni. Ah par contre, il y a un lac là. Ah bah trop bien, attends. Tuons tout ça, il y a peut-être un moyen que je trouve un passage secret. Allez, passage secret. Non. Faut taper un arbre. Faut pas taper un arbre. Pas d'arbre. Ok. Bon, il n'y a rien du tout. Allons dans le lac. Je suis dans le lac. Non, voici, il y a bien des chaussures à avoir. Hein. Je reconfirme une nouvelle fois, il y a bien des chaussures à avoir et ça va me permettre d'accéder à des nouvelles zones. Donc là, on est au sud. J'y étais, hein, par là, j'y étais 100%. Là, je peux pas y aller parce que j'ai pas les chaussures. Là. Aïe. Ça fait très très mal. Genre, il y a rien là. Genre, il y a rien du tout. Il y a pas d'accès. Mais regarde que tous les trucs qu'il faut activer. Regarde, mais tous les trucs qu'il faut activer, il faut des chaussures spéciales. Je les ai pas, mais je les ai pas, les godas, c'est trop chiant. Il y a plein de trucs, ça a l'air super cool, bah tu peux pas y aller parce que vous n'avez pas les bonnes chaussures. Ah, vivement que les chaussures. Ah putain, ils veulent pas mourir. Ok, vous voulez pas mourir. Et là, le truc est là. Moi, ça serait bien de la vie, en fait. Vraiment, un endroit où j'aurais de la vie, je pourrais revenir tranquillement et tout. Ça serait cool. Just a bit favor now, do it, go on. Ok, on va continuer, y a pas de problème, on continue, hein. On continue. Oula, y a eu un bug, là. Oh, c'est moi ou ça, si ça a bugué, hein. Ouais, si ça a bugué, Ah oh, oui, ça a 100% bugué. Mais c'est bien un trou. Y a quoi dans le trou? Y a de l'herbe. À 15 000... Non mais laisse tomber, 15 000 l'herbe c'est trop cher, et je suis mort. J'ai pas fait gaffe à ma vie, et bah je suis mort. Je suis 100% mort. Oh non mais, c'est trop chiant, attends, on va essayer de survivre, on essaye de survivre le maximum possible. En essayant de trouver une zone où on peut se régénérer. Laisse tomber, y'a que des araignées. Vas-y, de la vie, s'il te plaît, de la vie. If you are now in the peak collection, you... Ok, mais je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie, est-ce que tu peux m'en donner, le jeu?
Ah non, les fantômes, ils me touchent, je suis mort. La panique, hein. De la vie. Oh, de la vie! Oh, c'est bon! Pour 150... Oh là là! Oh! C'est trop bien, par contre. Allez, let's go. 150 d'or pour ça. Let's go! Allez, c'est bon. C'est bon, on peut souffler maintenant. On peut souffler. On peut continuer à fouiller. On peut continuer à fouiller. Essayer de trouver les trucs, hein. Encore une fois. C'était la panique, hein. C'était la panique pendant quelques secondes. Là, le temps de se dire, ok, faut de la vie impérativement, mais non, ça passe. Can you hear the princess voice? She calling for help quickly now. Ok. Pas de problème. Je sais que la princesse appelle mon aide, mais je peux pas faire ce qu'on veut. Hein. Le petit bleu, mon ami, 150 pièces d'or. C'est pas cher en plus, 150 pièces d'or. Clairement, c'est pas cher du tout. Oh putain, évidemment, on peut faire tout le tour. Évidemment, il faut faire tout le tour, sinon ce serait pas marrant, évidemment. Ce serait pas marrant, les louls. Les godasses. Est-ce que tu peux me filer les godasses? Ça serait cool. Juste pour traverser tous les murs, pour traverser tout, tout, tout. Mais bon. Amazing, you are skilled to get this far. You are almost at the end of the quest. Je suis proche de la fin. Oui, je sais ça, que je suis proche de la fin, mais... Les chaussures? Les chaussures, s'il vous plaît. Je veux ça. Je ne veux que ça, maintenant. The path ahead in the... Ok, avec... D'accord. Il faut le Legendary Sword. Ah, on revient au cimetière. Ah, cool. Bon, j'ai toujours pas les chaussures, par contre. Donc là, non. Là, c'est pour revenir au cimetière. Ça, c'est cool. C'est bien à savoir. En vrai, c'est très, très bien à savoir parce que ça va me permettre d'aller au plus vite. Note à moi-même, ok, le cimetière est pas loin. Comme tout le cimetière, bah oui, effectivement, c'est vrai aussi que le cimetière est vraiment pas loin dans la vie de chacun, mais bon, on va pas penser à ça. Oh non, là c'est la... Oh non, ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Sérieusement? Est-ce qu'il y a un trou? Je cherche un trou. Je cherche un trou pour me loger dedans. Non, il n'y en a pas. Visiblement, il n'y en a pas. Bon. Donc là, il y a un trou pour... je ne sais plus quoi. J'ai oublié. Donc là, ok. Ah non, si c'est le trou pour te dire t'es bientôt à la fin, continue. Continue ce que tu fais. Donc là, il n'y a rien. Là... Je sais plus si... Ah non, c'est pour se soigner. Là, c'est pour se soigner. Là, il n'y a rien. Souvenir. Souvenir, il n'y a rien du tout. Donc là, on va aller au... On va aller de ce côté-là. Salut à toi, Chrono Trigger. Comment ça va? Visiblement, ça va très très bien avec un grand bonjour. Mes salutations très distinguées, bien sûr. Allons dans le trou. In return... You hasn't brought the in return, I shall divine where Golvilus is hiding. I see, a dead tree behind the two rocks, the right one is cracked. That is whole. Attends, elle vient de filer la position de Golvilus là? Les deux rochers avec un... Mais je sais où c'est en fait le truc. Les deux rochers où il y a le machin, mais je sais 100% où c'est en fait. C'est dans la grande plaine et tout. Il y a une grande plaine avec pas mal de trucs. Je sais où est l'entrée de Golvelius. Ok. Ok. D'accord. Et donc la bague, ça me permet d'avoir des indices. Ah non, ça sert à rien du tout. Elle m'a pris la bague. Donc ok. Donc imaginons que je retourne là. Est-ce qu'elle veut me dire où est l'entrée de Golvelius? You haven't brought the boomerang in return. I showed even where Golvius is hiding. I see a dead tree. Ok, je sais où c'est pour le coup. On n'est pas là pour faire ça tout de suite. Parce qu'il me reste encore des machins à faire. Ah, ça c'est trop chiant. C'est trop chiant. Ça te bute ta vie quoi. C'est trop relou quoi. Mais bon, on y va. A few true bravery. Merci, je suis un vrai warrior, effectivement, même si le warrior
Bah, il s'en prend plein le cul depuis tout à l'heure et c'est trop chiant. Alors, les fantômes, ok, le retour des fantômes. Je suppose que c'est dans le rocher, c'est dans quel rocher? Je vais mourir. Oh, regarde, regarde que c'est là, juste en l'endroit où je peux pas. Mais j'ai pas les godasses. Je vais mourir, je suis mort. Je suis mort. Ok, game over, ça fait rien, on reprend. Sinon, j'espère que ça va, Chrono Trigger, j'ai vu tes messages la dernière fois. Et c'est vrai que la dernière fois, t'étais pas là au live de Pokémon. Donc tu reprends pour Golvelius. Je sais pas si t'étais là dans la première session. Je sais plus du tout. Des bisous. Des bisous. On va progresser tranquillou. De toute façon, encore une fois, c'est un live posé. Hein. Vraiment un petit live posé sur Golvelius. C'est sympa, c'est cool. Ça va un peu dans tous les sens. Encore une fois, c'est assez titanesque. Mais voilà. Et t'étais là la dernière fois. Nice. Donc tu vas voir pour la suite. Et t'étais là pour Pokémon? Alors c'était qui est arrivé en retard sur Pokémon? Qui était vraiment... C'était Julia? Je sais plus. Ah oui, non, si. Ouais, non, si, t'étais là pour Pokémon. T'étais là pour Pokémon, mais... Ah, ça doit être Julia qui était arrivé en retard, qui a vu qu'une petite partie. Ouais, Golvelius, c'est un... Action, aventure, avec une once de RPG très sympa. Vraiment très sympathique, mais par contre, ça va un peu dans tous les sens. Ça va vraiment un peu dans tous les sens. Encore une fois, je suis un peu paumé. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas où on va. Tout ce que je sais... Alors, je sais où est un boss. On est sur Master System. On est vraiment sur Master System, encore une fois, avec la vraie manette d'époque et tout, donc on est bon. Mais juste, putain, attends, on va où? Donc c'est vrai hardware et tout, un bon petit jeu sympathique qui ressemble beaucoup à du Zelda-like. Il y a des passages qui sont cool. Par contre, voilà, on est vraiment sur la fin, hein. Il me reste pas grand-chose. Il me reste juste à aller trouver deux cristaux pour réveiller le Golvelius, et c'est bon, c'est fini. Mais c'est chaud parce que le boss où on peut aller, il me bute sans aucun problème. Et l'endroit où je dois y aller... Là, pour les godasses, je ne sais pas où il est. Donc du coup, je fais le tour. Mais il est bien, il est vachement bien, il est très très long comme jeu, pour le coup. Alors, les longs plays te dit genre 3-4 heures. En vrai, c'est un peu plus. En vrai, c'est un peu plus que ça, pour le coup. Mais c'est bien, c'est vachement bien pour ce que c'est. C'est très très cool. Ah putain, c'est pas là. Comment ça, c'est pas là? Mais je peux pas... Les fantômes, je les tue pas. Hein. On est d'accord que les fantômes... sont imbutables. Parce que là, je peux rien faire. Ok, je peux rien faire là, je peux rien faire là. Oh, regarde que c'est un truc caché, ça, avec un truc mystère caché là, juste là. Ah, je peux pas y aller, je peux pas y aller, je suis en train de me faire défoncer. Je suis bloqué. Nice. Nice, bloqué. C'est pas là qu'il faut aller. Je ne sais pas où il faut aller. C'est génial. Bah, on va aller tuer le boss, hein, pour le coup. Pas le choix. Elle me dit, tu n'as pas retourné la bague en retour. J'ai pas la bague avec moi. Je sais plus où aller la bague. Parce que je sais qu'il y a une dame qui m'a filé une bague tout en bas, mais alors où? J'ai déjà oublié. Enfin, pourtant, j'ai une bonne mémoire, hein, mais là... le gros problème du jeu, c'est que ça va dans tous les sens. Ça va en haut, en bas, à gauche, à droite. Pas trop de souvenirs des trucs. Ah, attends. Si tu as le miroir, tu vas au nord. Je n'ai pas le miroir. Je n'ai pas le miroir, donc je peux pas aller au nord. Ok. Ok, un indice. L'indice, pas forcément très utile et pas forcément très compréhensible, mais... pourquoi pas. Donc, miroir, ok. Dit d'aller au nord, mais je n'ai pas le miroir. Donc, pour l'instant, on va visiter. Il y avait quoi, là? Oui, il y avait ça. Est-ce que je peux tuer tout ça? Ok, il y a un trou. Allons dans le trou. Je vais essayer de me soigner, là. C'est pas loin, le soin, mais faut y aller. What are the best boots you canst meet, Heidi? Je le sais que j'ai pas les meilleures bottes et je sais pas où elles sont, tes godasses là. Ah putain, c'est chiant. C'est trop chiant.
Il y a plein d'endroits où tu peux aller, mais maintenant, il faut pas ça. C'est un peu chiant. Je vais mourir. Je vais mourir. Non, je vais pas mourir. Non, je vais pas mourir. Le soin est là. Le soin est là. Ça n'a pas l'air facile. Bah, en fait, c'est un labyrinthe. C'est un putain de labyrinthe qui va dans tous les sens et bah me v'là paumé en fait. Me v'là paumé en train de me dire, ok, je cherche des chaussures et je sais pas où elles sont. Je sais pas du tout où elles sont. Est-ce que cet endroit-là on a été ou pas? Il y avait quoi là? Non, on n'a pas été là. Je crois pas qu'on a été dans cet endroit-là. J'ai un doute, j'ai un énorme doute. Parce que la forêt se ressemblait tout. Non, franchement, c'est toi qui aimes bien les RPG et tout, tu devrais trouver ton compte avec celui-ci. Vraiment, hein. Tu devrais trouver ton compte et avoir du plaisir. Surtout que c'est assez épique. Il y a vraiment des boss qui sont assez titanesques et qui te proposent quand même un sacré gameplay. C'est vraiment cool. Dans cet endroit-là. Ah si, je l'ai fait cet endroit-là. Si, je l'ai fait. Mais. Ah si, attends. Il y avait un endroit où je pouvais avoir une Bible. Donc on va aller chercher cet endroit, ce truc-là. Il est tout au sud. Au sud de la forêt. Ah, donc let's go, on va au sud. On va au sud. Là, il va avoir des têtes. Ce qu'on pourrait passer, mais je n'ai pas l'équipement pour. Il me faut les godasses, encore une fois que je les ai pas. Ok. Ça, je sais pas si je les ai tués. Putain, c'est ça, ça sacré labyrinthe. Hein. Pas tenté là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, il y a des trucs avec des patterns à la con comme ça, c'est trop chiant. Vous pouvez venir mourir? Vous venez mourir. Non? Ça pas de mourir en plus. Ah, j'ai pas fait le trou là. J'ai pas fait du tout ce trou là. Hades Cave is on the Highland. Je le sais, mais je n'ai pas les godasses. C'est trop chiant. Ils me demandent tous les chaussures. Je n'ai pas les chaussures. C'est trop terrible. C'est trop terrible, mais bon, on fait comme on peut, hein. On fait comme on peut pour le coup. Alors attendez, on m'envoie un message. Qui c'est qui m'envoie un message encore? Nanana. Mais ça, je m'en fous. Je m'en fous. Ah, ils sont chiants. Alors attends. C'est terrible, hein. Surtout quand tu cherches un item comme ça pendant des heures et des heures, c'est trop terrible. Mais bon, on fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. Ok. Ok, on va envoyer des machins et tout. Ok. Alors, on reprend. Là, ok. Est-ce qu'il fallait... Non, je viens de là. Je viens de là. Je viens 100% de là. On va aller au nord. On fait le tour. On va faire le tour. Donc là, on a eu un conseil. Donc le conseil, c'est... Le méchant se trouve sur l'île. Oui, je sais. Là, je sais plus ce qu'il y avait dans le rocher, donc on y va. Hein. Il me fallait 10 000 d'or pour de souvenir avoir l'upgrade. Je crois que c'est là. Non, ça s'énerve. À 30 000, on va pas prendre l'herbe, ça coûte un peu trop cher. Donc là, non. Non. Il y avait rien là. Je crois qu'il y avait rien. Non, si, non, il n'y avait rien. Je crois qu'il n'y avait rien du tout ici. Ah si, il y avait un truc. Alors attends, il y a quoi? If you go south from here, you'll be quiet, don't even breath, ok? D'accord. Faut farmer. Oui, non, en plus, il faut farmer. Oui, non, il faut farmer pendant des heures, là. Il faut farmer pour essayer d'avoir le maximum de thunes et avoir aussi les items. Donc on n'a pas le choix. Ah, I have enough to sell, ok. De toute façon, j'ai les 10 000. J'ai les 10 000 qui m'ont été demandés. Moi aussi, je farme des piécettes maintenant. Mais c'est plus long. Et plus chiant que sur un live tranquillou, en train de regarder un troubadour du net, en train de faire des trucs. Il y avait les. Ça, je me souviens des abeilles. Ah oui, non, le truc est au-dessus. Le truc en dessous. Je me perds moi-même. Donc là, ok, non, c'est par là. C'est par là qu'il faut aller. Là, le trou, c'est pour les godasses. Toujours pas les godasses, je sais qu'il faut des godasses, mais je les ai pas. Donc là, ok.
Là. Là. Il y a un trou là. Mais pour rentrer dans le trou, il faut que je tue des abeilles. Allez, venez mourir. Venez mourir, s'il vous plaît. Dépêchez-vous pour mourir. Ok. Je peux aller dans le trou. Donc là, normalement, c'est 10 000 piécettes pour... Ok, ça, je peux. Il faut 10 000 d'or. Ok, let's go. 64 000 grand max. Ah ouais. Donc, ok, ça, c'est bon, c'est fait. On avance. Chaque petit pas m'approche de la fin. Donc ça, c'est bon. On va aller au sud. Allons au sud. Parce que je sais qu'il y a des endroits que je peux pas aller parce que j'ai pas les godasses. Genre là. Si j'avais les godasses, je pourrais y aller et tout, mais là... Malheureusement, je sais pas. Donc c'est trop chiant. Donc là, non. Là, je sais plus c'était quoi. Ah, nothing to sell. Ok. C'était pas là où on peut avoir la bague? Je sais plus. Je sais qu'il y avait une bague là et tout, loul. Tu vois qu'en FR, il y a une traduction en émulation. Je pense qu'il doit y avoir une traduction FR. Forte chance même. Parce que ça reste un gros jeu. Hein. C'est vraiment un gros jeu de la Master System, donc il y a des fortes chances qu'il doit être traduit et tout. Boots, attends, tu veux free. Ils sont où tes godasses? Je le sais, c'est trop chiant. Oui, oui, effectivement, il y a des godasses. Oui, je sais, c'est terrible. Le pire, c'est qu'ils te le disent, hein. Lou, là, regarde, il y a ça et tout. Oui, oui. Oui, oui, je sais, mais... Ouais, sérieusement. Sérieusement, vous allez tous me dire le truc et tout, mais... Le pire, c'est que je ne sais pas du tout où c'est, hein. J'en sais absolument rien où c'est, et il n'y a rien qui m'indique l'endroit, en fait. Je sais même pas si c'est là. Je suis là depuis tout à l'heure, mais je sais même pas si c'est bien là qu'il faut aller. Hein. Parce que là, de toute façon, en plus, je suis bloqué. Parce que il me faut, dans l'endroit, il me faut tout le temps les godasses. Donc ça, laisse tomber, en fait. Laisse tomber, c'est pas là. Alors, attends, on va ressortir... On va ressortir de là, je vais retourner dans la zone principale de tout à l'heure. Peut-être que c'est là, hein. Peut-être que c'est... J'ai juste pas vu le truc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un passage secret ici? Un autre... genre une potion, genre une bible, genre... je sais pas moi, un truc utile. Juste un truc utile, ça serait bien. Parce que là, on est perdu, hein. On est vachement perdu. C'est un peu terrible. C'est un peu terrible, mais on fait comme... On fait comme on peut, hein, pour le coup. Après, ce que moi, je comprends pas, c'est comment ça fonctionne. Parce qu'au niveau de la... Au niveau de la map... J'ai pas la map sous les yeux, c'est le problème, c'est que... Il y a beaucoup... Il y a tellement de trucs à voir, il y a tellement de trucs qui vont dans tous les sens que c'est un peu... Parce que là, on peut retourner en arrière, ok. Je vais aller où? Est-ce que j'ai fait le nord? Non, si, j'ai fait le nord. Donc là, c'est pas là. C'est pas possible que ça soit là, donc... Attends, je vais mettre à l'abri, là, il y a le boss. Est-ce qu'on fait le boss? Est-ce que je réfléchis? Chaque objet est obligatoire pour finir le jeu. Oui, oui, t'es obligé d'avoir tous les objets du jeu pour pouvoir le faire le truc et tout, mais... Le problème, c'est que je sais pas où ils sont, ces godasses. Là, il y a le boss. Ok. Donc, si là, il y a le boss. Imaginons que... Bah, je vais le faire, le boss. Hein. J'ai pas le choix. Je vais faire le boss. Bon, d'abord, je vais me soigner. D'abord, je vais me soigner parce que sinon, ça va être l'angoisse. Donc, bah, si je vais faire une nouvelle fois le tour. J'ai peut-être loupé un truc, hein. Donc t'es obligé d'avoir tous les items, rechercher tout du jeu. Donc t'as pas le choix, hein. T'as clairement pas le choix. Mais juste c'est très très long. Typiquement le genre de jeu que tu mettrais des mois à le finir. Mais là je fais sans soluce en fait. Je fais sans soluce. Donc je sais pas si on va mettre des mois à le finir. Non, normalement on l'a fini aujourd'hui. Mais non, on l'a fini aujourd'hui. Juste c'est long, c'est très long, c'est très fastidieux. C'est... Encore une fois, c'est ta... T'as pas de carte du tout. T'as pas de carte du tout et faut te repérer avec avec à peu près ce que tu vois. Donc c'est chaud.
c'est pas là du tout qu'il faut aller, mais ça fait rien. Ça fait rien. Surtout, c'est où sont les godasses? Où sont les godasses? C'est surtout ça que je me dis. Ah non, 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 le soin est à côté. Le soin est à côté. Je suis sûr que c'est dans le... Tu sais, le haut, en haut à gauche, il y avait des fantômes et tout que j'arrivais pas à tuer. Je suis sûr qu'il faut tuer un fantôme et tout. Le truc étant que les fantômes, ils sont... invulnérables, hein. Attends, il y a des fantômes... Attends, il y a des fantômes là. On va voir si c'est vraiment invulnérable ou pas. Donc là, je me soigne. Vas-y, on se soigne. Vas-y, let's go, ça c'est bon. Maintenant, je vais essayer de buter un fantôme. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut les tuer? Je suis pas sûr qu'on peut les tuer. Ou ils prennent vraiment beaucoup trop de coups. Je dirais pas. Hein. Non, ils meurent pas. Hein. C'est ça, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Je ne sais pas s'ils meurent. Non. Ça a l'air pas en fait. Ça, non, il meurt pas. C'est pas possible, il meurt pas du tout. J'ai peut-être pas le bon item. Hein. Ou il faut un charme. Peut-être un talisman ou un pendentif. J'en sais rien en fait. J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, ouais, c'est pas. On peut pas tuer les fantômes. On peut pas tuer les fantômes, pas de problème. Ok. On va aller tuer le boss. Ah putain, je suis en train de me faire dégommer le cul. Allez, j'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Juste enfui. Juste, j'ai déjà... Bon, allez, laisse tomber. On va aller se re-soigner. C'est terrible. C'est terrible. J'ai pas... Encore une fois, je sais pas où il faut aller, en fait. Je sais pas où, du tout où il faut aller. Il y a peut-être un objet précis. Oui, non, il y a peut-être un objet précis que je n'ai pas, mais... Me v'là bien frec, comme on dit, hein. Je sais pas c'est quoi. Alors, Randar, ok, file-moi toute ma vie. Pas de problème. Donc les fantômes, je peux pas les tuer. Je vais aller effectivement affronter le boss. Donc le boss me paraissait pas forcément très très dur. Un peu pervers, mais ça va. Donc c'était par là. C'est un putain de labyrinthe, hein, le jeu. C'est un putain de labyrinthe bien chiant. Ah, si je reprends la rivière, normalement c'est bon. Faut que j'arrive à reprendre la rivière. Donc reprenons la rivière. Let's go. Donc là, en reprenant la rivière, je devrais retrouver mon chemin pour la sortie. Donc là, ok. Ok. Et là, normalement... Ok, c'est bien ça. Alors, on a l'entrée. On a l'entrée de la forêt. Et là, le boss est là. Le boss est juste dans le rocher, là. Let's go. Let's go, et par contre, on fait gaffe. Donc on fait gaffe parce que tout à l'heure c'était bien chiant et je me suis paumé. Donc normalement avec l'épée légendaire ça devrait bien le faire. Eh bien ça devrait bien le faire, théoriquement. Hein. Là let's go. Donc oui effectivement, si tu connais pas le jeu, t'as plusieurs phases comme ça, directement à pied et tout. Tu peux avancer, explorer, comme Zelda 2 en fait, finalement. Mais c'est pas Zelda 2 toi. Parce que le jeu est quand même largement plus fun que Zelda 2. Zelda 2, t'as des passages qui sont tellement relous. Des endroits où tu fais... Pff, vraiment, faut vraiment faire ça pour passer, quoi. Bah, notamment sur la fin, avec quelques sorts assez particuliers, quand t'arrives dans le désert, principalement. Après, ça reste sympa, Zelda 2, je dis pas le contraire, hein, mais... en fait, c'est surtout t'as des passages pas fun. Et des moments, c'est un peu bizarre ce que tu dois faire. Mais après, voilà, ça reste... sacré titre de chez Nintendo et pas un si mauvais jeu que les gens veulent le faire croire, hein, pour le coup. Et voilà, là, il faut... Attention, faut pas taper là. Ok, on avance. Ouais, il va avoir le boss, le deuxième boss serpent dans 2 secondes. Ok. On saute. Ok. Ok. Ah! Ouais, les passages dans les forêts, même dans les cavernes et tout, t'es obligé d'avoir le bon item pour passer et tout, c'est trop trop chiant. Après voilà, c'est Zelda, hein, c'est Zelda 2 et chacun verra midi à sa porte. Moi j'aime bien, mais des passages un peu chiants, hein. Un peu chiant taxe, mais bon. Ça va. Par contre, il faut tuer toutes les petites boules d'énergie parce que sinon c'est bien relou.
Ça s'est passé, ok. Attention, il va y avoir le fameux passage. Ok, c'est passé. Alors, serpent, je crois. Ouais, serpent, ça, je me souvenais. Ok. Ah si, serpent aussi. Ok. Et là, on avance. Ok. Non, tape pas. J'ai failli taper, il fallait pas taper. Serpent. 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 Aïe. Ok. Donc là, on fait ça comme ça. Un saut comme ça pour passer. On va voir l'autre serpent, qui est un peu chiant. Non, pas lui. C'est pas lui. Il y en a un autre qui te balance vraiment des boules de feu dans tous les sens. C'est vraiment l'angoisse. Donc ça sera pas lui. Ça sera celui d'après. Il faut juste être devant lui, puis bourrer le bouton d'action. Et ça me fait de la vie. Ça me fait de la vie, hein. Ça me fait de la vie, les petites boules. Donc prenons les boules. Sans avoir les boules, bien sûr. MDR, lol. Blague, humour. Retrouvez-moi. Théâtre Sébastopol tous les soirs, bien sûr. Oui, on peut passer. On peut passer. Oui, non, on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là. Après. Ok. Faut que je me rappelle de tout. Oui, c'est là. C'est là, puis... Ok, nickel. C'est passé nickel. Vraiment comme papa dans maman. Aucun problème, faut vraiment être devant lui, puis... voilà, tu bourres le bouton. Tu bourres le bouton. N'hésite pas à boire un coup, Benjamin, bien sûr. N'oubliez pas de boire un coup, c'est très important. Je vais boire aussi, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que... Je vais d'abord affronter un putain de boss, puis après on va voir ça. Donc let's go, boss. Théoriquement, c'est pas dur. Attends. Oh non, c'est pas dur. C'est de la bite. C'est 100% de la bite. C'est 100% de la bite. Il faut juste... Oh, c'est bidon. C'est trop simple. C'est méga simple. C'est méga simple. C'est méga simple. Attends. Faut que j'arrive à avoir le bon pattern. Faut que j'arrive à avoir le bon timing. Aïe. Ah! Ok. Ça le bute un peu. Ok. 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 Aïe. Je suis bloqué. Non, c'est bidon. C'est trop simple. C'est trop simple. Faut juste te mettre au milieu, dès qu'il arrive, faut mettre ton épée. Aïe. Aïe. Et... Mais putain, mais tu utilises ton épée, c'est fini. C'est gagné. C'était simple. C'était trop simple. C'était beaucoup trop simple. Il fallait juste savoir comment ça fonctionnait, puis c'était bon. Nice! C'est gagné. Merci. Merci pour le GG. Franchement, c'était bidon. Il fallait juste savoir que ton épée, t'as juste appuyé sur le bouton 1, comme ça, pouf, pour que ça le défonce tout seul. T'as besoin de rien faire. Mais il faut le savoir, ça, tu vois. Il faut vraiment le savoir, sinon, laisse tomber. Donc, on va aller chercher le cristal, tout simplement, qui doit être caché quelque part. Deux rochers sous un arbre mort. Il est là. Le gold value, c'est là. Précisément. Mais je peux pas l'avoir parce que j'ai pas les cristaux. Par contre, ça va être un peu terrible. Où est le cristal? Ça aussi, hein, faut chercher après le... T'as battu le boss, c'est bien, GG, mais il faut aussi trouver le... Par toi-même, où est caché le cristal? Ça, c'est chiant, par contre, c'est trop chiant. On a fini le truc, mais non, il va falloir que tu trouves où est caché le machin. Loul. Sûrement l'entrée. Il y a fortement moyen que ça soit l'entrée, mais c'est bon. If you found the legendary sword, ouais, on l'a récupéré, et on est bien, et on va revenir sur nos pas, pour essayer de trouver l'endroit où est le cristal,
Certainement pas loin. Ah ben si, regarde, elle est juste là, juste à côté. Regarde. Même pas. Ah, même pas. Ah merde. C'est pas là. Ah bon. J'aurais franchement cru que c'était là. Parce que ça s'ouvre tout seul, hein. L'endroit s'ouvre tout seul, faut pas le chercher et tout. Normalement, c'est pouf, c'est ouvert. Alors faut-il encore le trouver? Donc là, c'est pas là. Pas là. On va aller partout. Re à toi. On a battu le boss, hein, Benjamin. Sans problème. Comme papa dans maman. Mais vraiment bidon. C'était même très étonnant que ce soit aussi simple que ça. Est-ce que j'étais par là? J'étais là-bas? Donc ça s'est ouvert là, ça doit être là l'entrée pour Crystal. Allez, le cristal est là. Revoyeur, I sell the crystal for 30 000 d'or. Let's go. Protect Zeph carefully, bien sûr. Et ça m'en fait un sixième. Ok. Ok, il m'en manque plus qu'un. Et c'est bon. Maintenant... En fait, il bougeait pas trop. En fait, le truc, c'était... Je me suis mis au milieu, je mettais un coup d'épée, et en fait, il n'arrêtait pas de passer où il y avait l'épée, et puis il mourait bêtement, en fait. Mais par contre, il faisait quand même vachement mal, et bah, j'avais peur, je vais pas te mentir que j'avais un peu peur, et c'était pas forcément très rassurant pour moi, mais bon, moi, c'est passé. C'est passé, nickel, maintenant, il me manque plus une Bible, je pense. Ça doit sûrement aller jusqu'à 70 000, plus les godasses, et une fois que j'aurai les godasses... Bah on sera bon, mais le problème étant que bah je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas du tout où c'est. Et bah voilà, c'est un peu chaud patate et c'est un petit peu chiant. Après, je ne sais pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Je vais retourner à l'endroit, essayer de voir est-ce qu'on peut avoir des trucs et tout. Ah, mon bouton est coincé. Ok, mon bouton est décoincé. Donc on y va, on va refouiller la zone pour la millième fois, parce que loul, c'était très trop drôle. Allez, on y va, on y retourne. Mais j'ai au moins on avance. On avance, on est bon. Après, attends, il me faut quoi là maintenant? On m'a parlé de plusieurs choses. On m'a parlé d'un miroir, on m'a parlé des godasses, on m'a parlé de... Le boss se trouve sur l'île, donc ça oui, j'ai compris. On m'a parlé de... J'essaye de rassembler tous mes indices que j'ai. Hein. J'avais une bague. On m'a donné l'endroit où se trouvait Golvelius exactement. Il faut des bottes de meilleure qualité. Ouais, non, c'est ça. Moi, je peux marcher que sur l'eau pour l'instant. Peut-être le miroir contre les fantômes en vrai. Parce que, avec un truc genre tu reflètes la lumière du soleil sur eux et pouf, ça les effraie. C'est peut-être ça qu'il faut chercher, hein. Peut-être un miroir. Hein. Donc bah c'est parti pour le miroir. C'est parti pour rechercher un miroir, je pense que ça doit être ça. Hein. Ça doit être d'abord le miroir et après les godasses. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être le truc, il faut le trouver. Attends, bah, c'est ça. Objectif miroir. Où se trouve le miroir? Attends, c'est ça la grande question. C'est y part. En gros, je vais faire. On va refaire toutes les zones. On va refaire toutes les zones. Donc là non. Est-ce qu'il y avait un truc là? Ah si, non. On va faire ça. Parce qu'au sud, au sud-ouest, il y a une grotte où tu peux aller avec les... En fait, il me faut des chaussures partout, en fait. Sur l'île, il y a le boss. Sur le truc-là, il y a des grottes supplémentaires avec sûrement des bonus dedans. Mais après... Après, je sais pas, moi, c'est... Grand mystère. Là, je sais pas. Je sais absolument pas si c'est là. Après, n'hésitez pas, si vous... Je réfléchis où ça pourrait être, parce qu'il y a plein d'endroits effectivement au sud où on a vu des grottes et tout. Après, je
sais pas où ça peut être. Je sais pas où ça peut être. C'est ça qui est chiant. Il y avait quoi au-dessus? Je sais pas. Attends, ouais, c'est ça. On va faire zone par zone. Il y a pas le choix. Pas le choix, on va faire zone par zone. Donc c'est parti pour celui-là. Non, peut-être celui-là d'abord. Non, alors celui-là d'abord. Le gars indécis. Alors, non, attends. On va faire celui-là d'abord. Let's go. C'est quoi l'endroit? Est-ce qu'il faut taper un ennemi? Un rocher? Un machin? Mais c'est ça, il faut trouver un miroir. Visiblement, il n'y a pas de zone. Non, si, c'est forcément, il y a une zone. Mais elle est où la zone? Faut l'activer, faut l'activer d'une certaine façon, taper sur un arbre, taper sur... Ça c'est chiant, hein. C'est taper sur les arbres, c'est vraiment le truc un peu tiré par les cheveux, mais pas le choix, le jeu est comme ça. Attends, là y'a quoi? Donc là non. Putain, y'a quoi là? Putain, pile le truc qu'il fallait. Ok, c'est ça. Putain, mais regarde le nombre de fois où j'ai tapé sur le rocher. J'ai au moins tapé 10 fois sur le rocher. C'est pas logique. C'est clairement pas logique. Mais non, ok. Bah oui, je le prends. With this, the invisible become visible. Ah. Fear nothing ahead. Ah, l'invisible est visible. Donc ça veut dire que les fantômes sont visibles maintenant. C'est pas là. C'est ça? C'est que les fantômes sont visibles maintenant, donc ça veut dire que le truc tout en haut à gauche, je peux le trouver maintenant. C'est, allez, un petit pas déjà. Putain, j'ai bien fait de fouiller tout, de me dire, ok, maintenant on en a marre, on va fouiller toutes les pièces. Enfin, ça va. On y va, c'est juste que c'est chiant, c'est vraiment chiant. Donc là, ça veut dire... que les fantômes qui sont là, on va les voir ou pas? Ah oui, c'est la mort. Ok, on les voit et maintenant on peut les tuer. Ah, par contre, ils mettent de 20 milliards de... Oh, on peut les tuer. Oh, ok, c'est bon. Ok, c'est bon, ça c'est génial. Nice, ça c'est très très bien pour moi. Donc, on va au nord. On va au nord parce qu'il y avait des fantômes là-bas. Donc maintenant, dès qu'on voit des fantômes, on les tabasse. On s'en fout, c'est quoi? On les tabasse. Bon, évidemment, on fait gaffe à tout, hein, mais juste, putain. Ok, alors, je vais quand même faire toutes les zones. Hein. Je suis parano, je vais devenir parano, hein, mais juste. Y a quoi là? Can viewers, Princess Voice. Ok. Donc là, y a quoi? Parce que, là, je commence à avoir à peu près l'idée de à quoi elle ressemble la zone entière. Donc là, ok, y avait ça. Il peut y avoir qu'un trou, hein. Un trou par zone, c'est pas plus que ça. Théoriquement, hein. Je dis bien théoriquement, mais normalement c'est ça. Donc ok. Ok. Là c'était pour te dire, t'es bientôt proche de la fin. Si je me souviens bien. T'es bon. C'est quand même un jeu de fou, hein. Le truc qui te demande de taper dans un arbre, attention, cet arbre là bien précis, mais il faut donner 50 coups pour que ça fonctionne. Regarde, au bout d'un moment il va avoir un accès ou il va avoir un truc secret. Même pas, bon. On peut pas tout avoir dans la vie, on peut pas tout avoir, bref. Là on va dans le trou, il y a quoi dans le trou? Ok, c'était pour le démon. Let me bring of five power for a few gold in return. Non. Don't waste my time, buddy. Ok. Donc là, non. Là, c'est pour de l'or. J'en veux pas, de l'or. Je veux les chaussures. Les chaussures. Je veux aller dans un magasin. Hein. Pour aller plus vite, je vais dans un magasin de chaussures et pouf, let's go. Ok, donc là, ça c'est bon. Là, il y a ça, mais on le sait. Après, je réfléchis, hein, les endroits où il y avait des fantômes, où il y avait des trucs un peu cachés et tout. Je réfléchis. Donc ça, c'est chiant, ça prend plein de coups. Attends, on va les éviter.
On va les éviter parce que ça prend plein de coups, c'est horrible. Ok, on va passer par là. On va passer par là. Aïe. Eh bien, attends. Ah oui, j'allais dire, oui, c'est vrai. Il faut que je fouille. Fouille, Val. Fouille. Là, if you ask the magic mirror, oui, je l'ai. Va au nord. Ok, va au nord. Maintenant, le jeu me dit va au nord. J'ai l'item. J'ai l'item qu'il faut. Il faut que j'aille au nord. Allons au nord. Bon, il y a un trou. Allons dans le trou. If you ask the... Ah, mais c'est peut-être elle. Ah, mais c'est de vieil anglais. Tu m'as rapporté l'anneau en retour, je vais deviner où il est caché. Non, ça doit être ça. Ok, c'est peut-être ça le délire en mode... l'anneau et de la vieille. Ok, d'accord. Loul. Ok. Donc là, il n'y avait rien. Je me souviens... C'était là. Là où il y avait des... Ok. Là, il y avait des fantômes. Ok, il y a moyen qu'il y a quelque chose de caché. Je vais peut-être aussi mourir. Accessoirement. Ok, un en moins. Deux en moins. Putain, mais ils m'ont dégommé, quoi. Faut y aller avec toute la vie, c'est ça? C'est il veut y aller avec toute sa vie pour pas se faire dégommer? Bon, on va faire ça, hein. S'il veut faire ça, let's go, hein. Mais, putain, c'est chiant. C'est trop chiant. Ok. Par contre, là, il va falloir farmer, hein. Si ça sent le truc qui coûte très très cher. En espérant qu'il me faut... Putain, j'espère que c'est pas... Il faut pas notre bible. Hein. Genre, Loul, il faut 70 000. Le dernier truc de bible et tout, mais là, ça va être horrible. Hein. De fouiller partout pour retrouver toutes les bibles. Théoriquement, j'ai tout pris. Hein. J'ai pas d'endroit où je me suis loupé et tout, hein, mais... à voir. En tout cas, là, ouais, on est bon, on est parti pour... pour l'ultime affrontement, quasiment. Hein. On est presque à la fin. Hein. On est presque à la fin du jeu. Y'a quoi là-dedans? Welcome to the graveyard. Ok, d'accord, pas de problème. Je vais faire le tour, en vrai, de la zone. Vas-y, on a le temps. De toute façon, on n'est pas loin. On n'est pas loin, donc on va faire un petit tour. Ça va vite. Franchement, au cas où que j'aurais loupé un item, au cas où que j'aurais loupé une potion et tout, ça arrive, hein, que j'ai loupé une potion et tout. Ok, le truc est là. Ok, le truc est là. J'aurais dû aller tout de suite au truc. Ah, la petite fée. Allez, le retour de la petite fée, let's go. Ok, on est full. On est full. Donc là, on a quoi? Là, on a du vide. Est-ce qu'avec les godasses, on pourrait traverser le vide? Tiens, par exemple. Par pure curiosité, par exemple. Ça serait bien. Ah, I have no fit to sell, ok. Donc ça, c'est bon. Ah, je suis sûr qu'avec les godasses, on pourra traverser les précipices et tout. Ah là, on joue à de la Master System. Je vous trahis pas, messieurs, c'est... ma réputation est là. Bon, on aime bien, franchement, on aime beaucoup jouer à la Master System, et c'est cool, tu vois. C'est le genre de jeu, encore une fois... pas souvent mis en avant sur YouTube, alors que pourtant il y a des choses à dire. A great sword can be found. Non, ça je sais. Pas de problème. Ah si, non, si, il y a moyen. Il y a tellement moyen que tu vois le trou, je le traverse avec les godasses et tout. Parce que là, je sais qu'il y avait. Genre un petit îlot caché et tout. On dirait qu'il y a moyen qu'il y ait quelque chose. Donc là, rien à vendre. Quand on fait tout le cimetière, hein. Tout le cimetière est fait, on a tout visité. Là, il y avait d'ailleurs le donjon. Fallait taper un endroit précis pour activer ce truc-là. Est-ce qu'on peut y aller? On peut plus y aller, hein. Ah si, on peut y aller. Mais il n'y a rien dedans, donc ça sert à rien. Ça, on l'a fait. Excusez-moi, hein, je fais le tour. Je récupère tout ce que j'avais pas pu prendre la dernière fois. Alors, la petite squelette... Les petits squelettes, vous allez tous mourir, vous êtes tous morts, ok. Dans le doute, évidemment, dans le doute. Donc ça, c'est à THT, ok. La zone est faite. Continuons. Ok. Là, il y avait, de souvenir, je crois qu'il y avait la tombe du gars. Là, il y a quoi? Et là, il y a un endroit où on va y aller. Arrête de me suivre.
Merci. Ok, allons-y. If you stockcast certain grave, bachelor cave shall open. Ok, ça, je le sais. On l'a vu, je l'ai fait à l'instant. Donc ça, c'était l'indice pour aller dans le donjon. Mourez, mourez tous, s'il vous plaît, arrêtez de me suivre. D'accord. Et Orozco, on l'avait vu tout à l'heure, il était là au début. Et il surveille silencieusement dans l'ombre, guettant chaque occasion, évidemment, pour dire coucou. Bisous. C'était pas là? Oui, c'était là. C'était. Non, c'était pas là. Il y avait un endroit pour récupérer le truc. Ah non, c'était là pour avoir l'épée. C'était là pour avoir l'épée, mais on l'a eu tout à l'heure. Tout à l'heure, bah la dernière fois dans le dernier live. Donc là. Ok. Donc c'est un mal pour un bien hein, qu'on fait là. C'est vraiment prendre du temps pour fouiller toutes les zones, pour faire gaffe à ce que je n'ai pas oublié, évidemment, une Bible ou quoi que ce soit. Mais théoriquement, c'est bon, hein. J'ai bien théoriquement, on a tout fouillé, on a tout eu, y a pas de problème. Didn't you see anything interesting? Ben oui, j'ai vu des trucs intéressants, mais faut-il encore les avoir, tu vois les. Là, regarde, c'est sûr et certain qu'il y a un truc à avoir là-bas. Parce qu'un trou comme ça et tout, avec un crâne au milieu, c'est certain que c'est une zone secrète. Le problème étant que je n'ai toujours pas Elphamos Ogodas. C'est chiant, hein. C'est très chiant hein, quand t'as pas le bon item et tout. T'es obligé de te fouiller, hein, de fouiller à droite à gauche, de perdre du temps, de. T'allais à droite à gauche pour dire de faire quoi que ce soit. Il y avait quoi là? Et tu vois que c'est dans un endroit bidon que ça va se cacher le truc. C'est pas vrai, it's Perius, why of the Legendary Sword? Je l'ai, c'est bon. J'ai déjà l'épée, j'ai déjà le bouclier, j'ai tout, tout, tout. De bon, je vais me soigner, bien sûr, parce que c'est chiant. Ok. Alors, soigne-nous, Randar et tout, let's go. Ok. On voit aussi des notifications sur la chaîne. Rappel, ce soir, il y a une petite vidéo sur le reboot de Ranma 1/2, hein. Ranma 1/2, de Russie Azure. Je me suis trompé de série. Non, c'est pas la bonne série, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas la bonne série. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Vous n'avez rien entendu. Ranma 1/2. J'aimerais bien Ranma 1/2 aussi, un remake. Par contre, le truc que j'accepterai pas, c'est Maison et Coucou. Par contre, là, Maison et Coucou, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas Maison et Coucou, ne touchez pas à Maison et Coucou. Le truc est très très bien. Vous avez fait une série live, c'était catastrophique. Mais alors franchement, ouais, s'ils font ça, je vais pleurer. Hein. Je vais vraiment pleurer. Il y avait un truc là ou pas? Je sais plus s'il y avait un machin. Ah, si, un secret. Enfin, un secret. Allons-y. Ah, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. J'ai pas le. J'ai pas les codes. J'en ai marre. J'en ai marre! Mais il y a tellement de trucs sympas qui peuvent être cool, mais je peux pas. J'ai pas les godasses, donc. Trop chiant. Bon, ouais, ce soir, Urusei Yasura, donc Lamu. J'ai revu le premier épisode de Lamu en VF, hein, hier. Plus jamais. Plus jamais de ma vie. C'est de la merde. C'est tellement de la merde. Et c'est vraiment la punition, quoi. L'horreur, quoi. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont me dire: Ouais, mais non, mais c'était nostalgique, j'étais très content de regarder ça à l'époque. Putain, mon gars, mais c'était un massacre, quoi. Juste la voix de Lamu, elle m'énerve. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser chez moi rien qu'en l'entendant. Mais après, encore une fois, c'était l'époque et. Je crois que c'est toi, Chrono, qui m'avait dit oui, mais Brigitte Lecordier avait dit que il faisait un effort et tout. Oui, peut-être, potentiellement, mais là, non. S'il te plaît, il y a des trucs, en fait, ils auraient pas dû sortir en VF. Il y a des trucs, franchement, ça aurait jamais dû sortir en VF. Urusei Yasura s'en fait partie. Parce que franchement, Urusei Yasura, y a plein de jeux de mots incompréhensibles, des trucs, mais ça veut rien dire en fait. Mais aujourd'hui, je regarde un bon souvenir. Ça, c'est très bien. Hein. C'est vraiment super bien à regarder Urusei Yasura en VO. Si tu regardes en VO, tu vas prendre un énorme plaisir qu'en VF ou oh ouh là là, ouh là 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 là. Ah, ça pue, hein. Ah là, vraiment, le truc fait à l'arrache. C'est sans saveur, c'est mal fait.
Après, voilà, je suis un puriste. Hein. Clairement, là, tu pourras pas m'empêcher de penser que la VO est largement meilleure que la VF sur le coup. Mais bon. On pourra en parler longtemps. Mille excuses pour le Hatchoum. Mais après, voilà, c'était notre époque. Hein. Je me doute que en ce temps-là, tu pouvais pas faire attention à ce que est-ce que c'était bien respecté la VF et tout, la VO plutôt. Mais merci beaucoup et mille excuses hein, si vous ça a été un peu trop fort. Oh, quelle angoisse et quelle angoisse quoi, plus jamais hein. Vraiment plus jamais je voudrais voir un épisode de Lamu en VF. Après, pourquoi pas, hein, en punition si je triche lors d'un Master System Challenge. Donc là, pas aujourd'hui, parce que bon, bah voilà, je suis un pro gamer, évidemment, on joue très très bien et sans tricher sur la vraie console et sans Solus. Putain, c'est increvable en plus, hein, c'est bien crevable hein, leur truc. C'est genre pas là, genre c'est pas là. Mais c'est chiant les trucs comme ça cachés! Putain! Les godasses! Les godasses! Les godasses! The Spine Boots se cost dans le 70. Mais non! Les godasses elles sont là! Putain, les godasses! 70 000 d'or! Et voilà! Et bah je suis coincé! Comment on fait? Comment je fais? Je sais pas où elle est. Je sais absolument pas où. Je sais pas où sont les bibles. Hein. Parce que là, je dois en fait retrouver toutes les bibles qui me manquent. C'est même pas Farming Simulator. Là, c'est à la recherche de la bible perdue. Parce que les godasses, on sait où ils sont. Ok, les godasses sont bien en haut. Pas de problème. Ok. Par contre, c'est... Putain, il fallait fouiller. Hein. Fallait vraiment le chercher, le truc. Et encore une fois, c'est pété. Et c'est encore un truc, il faut taper 10 fois l'arbre dans un... Mais c'est pas bien fait quoi. Bah fouiller hein, allez, let's go, je vais retourner dans la forêt d'avant parce qu'on a fait déjà toute la zone. Donc c'est pas là. C'est clairement pas là parce qu'il nous faut les chaussures. Une fois que j'aurai les godasses, qu'est-ce que je vais faire comme truc? Je vais pouvoir aller n'importe où, fouiller dans tous les sens. Pouvoir en plus traverser tous les murs sans me dire oh là là, je vais crever. Bon bah c'est parti hein. On va peut-être en cours de chemin on va trouver des potions hein. Là ça va être trop long, on va perdre du temps. Hein. Et ça fait combien 2 heures presque et demie de live. Eh bah les gars, c'est parti pour 4 heures. C'est parti pour 4 heures de galère. Donc c'est pas là, parce qu'il faut dans cette zone là il faut tout le temps les chaussures. Donc là c'est pas possible que ça soit là. On va retourner en arrière, on va faire toutes les zones, une à une. Et c'est parti. Le fun évidemment à son paroxysme. Ça manquait bien sûr. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas besoin en fait d'aller très très loin, parce que une fois que j'aurai mes 70 000 d'or, je sais où il faut aller. Oh, ça va être chiant. Non, ça va être trop chiant. Ça va être trop chiant de fouiller la zone pour trouver. Oh, non, non. Si, je viens d'avoir une illumination. Il y a des fantômes ici. Putain, c'est bon. Oh putain que c'est bon. Ok, non, c'est bon. Oh, c'est bon. Il y a moyen qu'on fasse vite. Il y a moyen qu'on fasse vite et bien. Il y avait des fantômes ici. Donc ça veut dire que la bourse, elle se trouve là. À tous les coups, elle se trouve là. Parce qu'avant, j'avais pas le truc. J'avais pas le miroir. Donc ça veut dire que c'est là. Oh, j'aimerais que la bourse, elle soit là, juste à côté. Juste à taper dans un endroit. Pouf, elle est là. Elle te dit, c'est juste 100 d'or. Puis là, let's go. Ok. Ok. C'est particulier, hein. Clairement là, on va fouiller pour avoir un truc dehors, quoi, mais au secours. Mais une fois que ça c'est fait, encore une fois, c'est fini, quoi, on va pouvoir prendre les godasses. Je fouille toute la zone, ultra rapidement, je vais dans le cimetière, parce que j'ai vu qu'effectivement, il devait avoir sûrement une petite fiole cachée. Puis après, c'est bon. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, là. Attends, vas-y, on va quand même regarder par curiosité. Par curiosité, il y a quoi? Peut-être là. I love snow clouds, crunch crunch. Ah oui, c'est ce truc là que j'avais dit, mais moi j'aurais dit clink clink plutôt que crunch crunch. C'est crunch pour moi, c'est croquer.
Alors que Kling Kling, c'est clin d'œil. Mais bon, chacun verra midi à sa porte sur la traduction. Oh là, en plus, le cimetière, je vais pouvoir tellement balader et tout. Oh non, en vrai, il faut tellement les chaussures. Les chaussures, c'est tellement la vie, en fait. Les chaussures, c'est la vie. Bah, ces chaussures-là, en tout cas, c'est la vie. Mais c'est Clatax, quoi. Le truc, il faut taper 10 fois dans un endroit bien caché et tout. Allez, il y a un endroit caché, on y va. Le cimetière, c'est sûr et certain, on a tout fait. On a fait toutes les zones, tous les endroits et tout. Il y a rien. T'as au moins deux grottes. 3 grottes à faire. Moi, même 4 grottes à faire. Parce que sur l'île se cache le dernier boss. T'as un endroit au sud, t'as un endroit à l'est, t'as un endroit dans le cimetière. Et certainement un autre endroit que j'ai pas vu. Et je me suis pas dit, tiens, genre entre les deux. Genre t'as peut-être une grotte de cachet. Donc nice. Donc on a vraiment beaucoup de choses à faire avec les chaussures. 5 grottes. Je m'en souvenir d'une dernière. D'une dernière qui était là où j'avais tapé, il y avait un petit bout de forêt en plus. Donc il y a sûrement un truc là aussi. Donc on est... Et franchement, les chaussures, il me faut les chaussures. On avance. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a avancé. C'était très chiant, c'était très long, mais au moins on avance. C'est bien ça. Moi, vous pourrez dire, lors de la review, il l'a fait en entier. Il s'est décarcassé pour tout faire et c'est beau. Après, un peu au premier Zelda où il fallait cramer... toute la forêt, bah ouais, non mais c'est ça, hein, je veux dire, c'est sympa, mais c'est des mécaniques d'époque, hein. C'est vraiment très daté de taper n'importe où pour trouver un secret. Alors c'est chiant, certes, mais c'est bien, tu vois, il y a vraiment du style, il y a vraiment un charme indéniable. On est en 88, hein, je veux dire, Zelda 1, il date de 86, hein, donc franchement ça va. Hein. Donc fouillons, est-ce qu'il y avait des fantômes là? Il y avait quoi là? Il y avait des petits cochons. Tuons les cochons. Alors on sait que le Golvelius est caché l'arbre mort. Donc ça doit être pas loin. Ok. Y a rien. Genre y a pas de secret là. Genre sérieusement y a pas de secret. Ah ouais, y a pas de secret. Ah ouais. J'aurais cru. Donc là, il y a des fantômes. J'essaie de tuer les fantômes. Au moins un fantôme. C'est peut-être ça, hein. Encore une fois, c'est peut-être un truc, une histoire de fantôme. Ok. Oh, je vais déjà mourir. Je vais déjà mourir, sérieusement. Non, alors on va éviter. Donc là, non. Là... Il y aurait pas moyen qu'un secret, genre un truc caché, genre un machin. Si, est sûr et certain qu'il y a un mystère. Mais regarde, c'est pourri aussi de taper dans le vide comme un idiot pendant 105 ans sur un truc qu'on sait pas c'est quoi. C'est chaud là. Ah bah ça va être chaud hein. On va devoir fouiller, taper tous les objets, taper tous les endroits, essayer de trouver tout. Mais encore une fois, les fantômes te font très très mal pour le coup, c'est quand même une vie entière et tout, donc c'est chaud patate, c'est vraiment chaud patate. Donc là on a quoi? Je sais pas si c'est là, c'est ça le truc. Après, j'ai peut-être oublié un truc dans le marécage, hein. Il y avait moyen que dans le marécage, la dernière fois, j'avais peut-être loupé un truc. Parce que j'ai eu les chaussures et peut-être dans le... Ah, peut-être là. What's your witch reflect invisible? Et on l'a vu tout à l'heure et j'ai pas fait gaffe à ce dialogue. J'avais pas fait gaffe du tout à ce dialogue-là. Je réfléchis après à tous les endroits où on peut... Ouais, dans les marécages, il y a peut-être un moyen d'avoir le truc et... Je rappelle, on fait ça sans Solus, hein, donc... Et n'ayant pas de map du tout... Bah c'est chaud, en fait, c'est trop chaud, parce que tu sais pas où il faut aller et tu sais pas ce qu'il faut faire, donc... Un peu chiant. Ah, il y avait quoi ici? Attends, il y avait quoi? Attends, il y avait quoi ici? Il y avait rien là? Attends.
Non, si, 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 non, non, il y avait la Shward. Il y avait la Shward, on l'avait eu. Donc là, non. Ah, il va rager. Non, mais Hooper, là, sur un jeu comme ça, il va péter un câble. On te dit rien, on te dit juste, il faut faire ça, point, puis... où faut aller, on sait pas, mais on y va. Hein. On y va, et let's go. Là, on va plutôt aller vers le marécage. Encore une fois, marécage, taper dans les endroits... peut-être là. Encore une fois, tout est mal fait, tout est mal branlé. Là, je crois que je l'ai eu, hein. Je crois que je l'avais eu, ça. Donc ça, je l'avais eu. Sauf que le coup où il va taper 50 fois un rocher... Ouais, non, mais là, le truc des rochers, c'était chaud, hein. Le truc, il faut taper 50 fois un rocher juste pour faire apparaître un truc... non merci, tu vois. Non merci, mais après, voilà, pas le choix. Eh, c'est terrible. Je vais devoir fouiller tout le jeu pour trouver une bourse. Non, ça, c'est bon. Ou peut-être, peut-être dans l'eau, hein. Il y avait aussi tout l'eau que j'ai pas... je me souviens pas d'avoir fait. Ah, c'est con qu'on peut pas... est-ce que j'avais fait le nord? Je fouille, hein. Je fouille. Je sais que cette zone-là, on l'a fait ultra rapidement. Après, c'est... Ouais, non, sinon, c'est le marécage. On va dans les marécages... Regarde la zone, elle se ressemble tellement aussi avec le reste. Merde. Elle se ressemble tellement avec le reste, donc c'est vraiment terrible, quoi. Bon, marécage. On va aller au marécage. Let's go. C'est terrible. On est bloqué sur un truc un peu pourri, mais... parce que j'ai pas la... Il manque une bourse. Il manque une bourse et je ne sais pas où elle est. Alors, ce qui me rassure, c'est que dans tous les cas, c'est que la bourse, si elle est là, c'est qu'elle va pas coûter très cher. Je vais aller faire toute la zone, de toute façon. Donc là, il n'y a rien. En fait, c'est parti, il faut faire toutes les zones. Let's go. Parce que je veux pas me casser le cul, le début, ça s'est fait. Parce que ça, on pouvait casser les... je pouvais pas casser les blocs au début. Let's go. Je vais peut-être trouver des potions. Zizk, relique au désert. Ok. Donc ça, ok. Là, ouais. Donc, encore une fois, il y a moyen que je trouve des potions en cours de route. Donc ça va être cool. Peut-être des trucs que j'avais loupé lors du dernier live et je n'ai pas vu. Ok. I wish crunch. Ah putain, le crunch. Ah, c'est peut-être qu'elle a trop chaud et peut-être que c'est ça le crunch. Je sais pas du tout. Là, c'est Randar. Ça, je me souviens que c'était Randar qui se trouvait vraiment pas loin. Je trouve que c'est là. Je crois que c'est ça. Là, c'est Randar, donc il n'y a pas de problème. Ok, ça c'est bon, je l'avais en tête. On va continuer. Continuons. Là, il n'y a rien. Non, je crois que c'est de l'autre côté. Ah non, c'est là. Alors là, il y a quoi? Oui, je sais qu'il faut taper les blocs. Ok. C'est chiant, hein. C'est chiant quand tu sais pas où il faut aller. Surtout que c'est un item pourri, hein. C'est un item tout pourri que je l'ai pas et... C'est chiant. Je crois que là, c'était un cristal. Là, c'était 100% le cristal, je crois. Et parce que c'est pour avoir plus de PV. Oui, c'est ça. C'est 100%. Tu vois que j'en ai manque 4. Sûrement qu'il y en a 2 à récupérer avec les godasses. Puis après, ça va vite. Alors, ça, c'est fait aussi. Puis après, ouais, ça sera... Putain, ça va être ça. Ça va être tout ce qui va être... tout le marécage, puis après ouais, ça va être tout l'océan, quoi. C'est terrible, hein, quand c'est comme ça, c'est vraiment terrible et tout.
Et surtout, t'es obligé de taper les rochers, quoi. Là, il y avait quoi, là? Ah, il y avait peut-être moyen qu'il y avait un... Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que ça se soit. Ok. Aïe. Non, je crois que c'était l'herbe, là. Je crois que c'était l'herbe qu'il y avait là, ici, et je la prenais pour dire de... Ouais, c'est ça. Je crois que c'est de l'herbe, là. Je crois que c'est de l'herbe, là, et c'est pas intéressant. Ouais, voilà, c'est de l'herbe pour seulement 1000 d'or, mais non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Bah ouais, ça va être ça. Ça va être direct dans le marécage. Bah, let's go. Let's go, le cimetière, on a tout fait. On a fait tout le cimetière, il n'y avait rien dedans. Donc, let's go pour le marécage. Ah, maintenant, avec les chaussures, je vais pouvoir en plus aller au plus vite. Donc, les chaussures d'eau. Parce que c'est vrai que c'était l'endroit où il fallait faire pas mal de choses à droite à gauche avec ça. Donc là c'est terrible. Hein. On va devoir faire toute la map, quoi. Jusqu'au bout pour faire tous les trous du jeu, quoi. Donc ça, c'est le password. Et non, ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout. Là, on va aller effectivement au marécage. On y est. Presque. Presque. Juste après. Donc là, je sais plus, je crois que c'est pour de la vie. C'est Randar. Ok, c'est Randar. Et on soigne, parce que bon, on y va. Monsieur qui dirait, mais Monsieur Sega, là. Franchement, mais... Moi, il n'y a pas de Monsieur Sega. Monsieur Sega, rappelle, c'est moi-même. Donc, on y va. Bon, est-ce qu'il y a un truc, là? Ah, regarde, peut-être là. Peut-être avec les verres et tout... Les verres font toujours aussi mal, par contre. Bon, alors, il n'y a rien là. Ok. Ok. C'est chiant. C'est trop chiant. Non, attends. On va y aller. Donc là, il y a un trou. Là, il y a le marécage. On est dans le marécage. Let's go. Marécage. On va d'abord faire la zone à droite entièrement, puis après la zone à gauche. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des serpents. Il y a un trou. Je te jure, regarde, je vais faire tous les tours trous du monde et ça va être le dernier trou pour trouver. Unigast, oui, je sais qu'il faut les godasses d'eau pour aller battre le boss qui se trouvait au centre de l'île. Ça, oui, je sais, pas de problème. Donc là... Là, je crois que c'est là. Non, c'est en dessous. Évidemment que c'est en dessous. Donc là, c'est juste un conseil. Là, il faut tuer des grenouilles. Taper un rocher. Ça va aller. Taper le rocher. Non. Et surtout, il n'y a pas de potions. C'est bizarre, toi. Ou les potions sont vraiment bien cachées. Hein. Les dernières potions qui me manquent, franchement, ouais, ça doit être sacrément bien caché. Hey, how you doing? Get it, dude. Ok, pas de problème, ça, on est bon. On y va. En tout cas, on est résistant. Hein. Putain, on est bien résistant à tout, quasiment. Mais bon. Chier. Donc là, c'est pour... ça, je me souviens que c'était le petit démon. Ça, c'était 100% le petit démon. Peut-être moyen qu'un truc là. Après, à côté, c'est pas ça. C'est pas possible que ça soit ça. Parce que c'était pour voir la... Ah, pour avoir le... Pour avoir un anneau. Je l'ai récupéré, donc c'est pas là. C'est pas là. Je vais aller au nord. Après, je vois, encore une fois, je vois pas où j'aurais pu oublier un truc, en fait. Je vois pas du tout où ça pourrait être. Peut-être... Attends, deux secondes. Parce que toute cette zone-là, il n'y a plus rien. C'est sûr et certain qu'il n'y a plus rien. Après... Il y a tout l'océan, mais l'océan, je l'ai fait. Hein. Tout l'océan, je l'avais fait, hein, je crois. Donc ça, c'est bon.
Ça c'est bon. Ah! Attends, attends, zone. Allons dans la zone. Thank you for killing Phoebus. Oui, je l'ai tué, ça ok, pas de problème. Donc là, toute la gauche, je l'ai fait. C'est sûr et certain que je l'ai fait. Dans l'océan? Corvoz, ça me paraît bizarre, l'océan, j'ai tout fait pourtant. Hein. J'ai fait tout l'océan, j'avais tout vu et tout, mais bon bah tant pis, hein, let's go, on va tout refaire. Sinon, bah messieurs, ça va être le moment où je vais vous demander conseil, bien sûr, pour aller voir une map et me dire à peu près où ça pourrait se trouver. C'est chiant, demander conseil pour la map et tout. Là non, y a rien. Encore une fois, c'est pourri. Y a des endroits, il faut taper 10 fois un endroit, mais c'est pourri. Ok. Oh, une potion. Bah ouais, je prends la potion. Bah nice. Ah bah une potion en plus. Bon, ça c'est cool. Donc j'ai pas fait tout le truc. Ok. Donc y a moyen que j'ai pas tout. Y a moyen que y a des trucs supplémentaires à trouver. Bah du coup, let's go. Il y a moyen qu'il y ait des secrets. Bah ça va être galère. Hein. Alors Annie, ok, ça c'est fait. Non mais c'est comprendre ma galère là maintenant, c'est juste... On fait case par case le jeu entier pour trouver un putain de truc pourri en plus. C'est même pas le truc ultra précieux et ultra important, mais juste... T'es obligé de le faire pour trouver... Le dernier upgrade d'or que t'as perdu. Ça non. Puis après, là dans le centre, y a rien. Dans le centre, y a rien, c'est sûr et certain. Ça, y a rien. Akena Kamori Tango Noir, très très bien, 87, juste après Desire en 86. Qui est très classe, hein, vraiment, c'est l'époque de Akina Nakamori très mature, très différente par rapport aux idoles de cette époque-là. Et vraiment très très classe, elle a vraiment un énorme style, hein, un énorme flow qui est vraiment incroyable et j'aime beaucoup, hein, évidemment, j'aime beaucoup Akina. Continue. Toujours pas. Toujours pas après. Au-dessus. On va faire zone par zone, hein. Mais oui, franchement, ouais, j'aime bien Tango Noir, qui est vraiment très classe, qui a vraiment un charme vraiment indéniable et tout, mais... Pour en parler longtemps. Là, ouais, non, là, je suis en mission, trouver la putain de bourse de merde. Putain, c'est chaud, mais c'est tellement chaud, un truc pourri comme ça, en plus. Oui. Ah, c'est satisfaisant. Ah, c'est satisfaisant. Enfin. Enfin. Yes. Allez, let's go. C'est bon. C'est bon. On l'a trouvé. Il a fallu faire toute la map. Mais c'est bon, on l'a trouvé. Et maintenant, on va farmer. Oui, madame, je veux votre Bible. Généralement, quand je vois les Illuminati et les témoins de Jéhovah, je leur dis non, mais là... Ah ouais, let's go. Je veux votre livre, s'il vous plaît. Je veux apprendre votre culture. Et maintenant, on va tuer des vers de terre. Allez, on va tuer des vers de terre pendant 1000 ans. Je pleure si la console s'arrête ou qu'il y a un bug. Mais vraiment, je pleure de toutes mes larmes. Quoique après, je sais où c'est maintenant, donc... Ah non, franchement, oh, non, attends, deux secondes. C'est... Non, Winkle, il est au-dessus. Je vais aller voir un password, vous m'excuserez, hein, mais je vais devenir parano. Imagine les gamins de l'époque, ils devaient faire mettre des mois et tout. Bah non, mais ouais, mais moi... Mais je fais quoi, là? Je fais quoi? Je passe des heures pour trouver une putain de bible, quoi, mais... Au moins, c'est fait, tu vois, j'ai trouvé... J'ai fait toutes les zones du jeu, mais au moins, c'est fait. Mon bouton pause est complètement coincé. Attendez. Hein. Je débloque mon bouton pause. Voilà. Ok.
Mais voilà, ouais, le pauvre gamin, quoi. Les pauvres gamins qui devaient galérer et tout à trouver l'endroit et tout. Et t'as très peu d'indices, hein, en vrai. T'as extrêmement peu d'indices qui te disent alors il faut aller là, il faut faire ça et tout. Eh, en vrai, non. En vrai, attends, vous allez dire que je suis parano, hein. Je vais aller chercher un passeport. Vous m'excuserez, hein. Je suis parano, mais. J'ai passé tellement d'heures dessus, là, tout ça pour ça, donc excusez-moi. Je vais chercher un password. Voilà, merci, j'ai un password. J'ai un password, excusez-moi, je suis parano. C'est bon. Je le prends même en double, en triple, en quadruple. C'est bon, c'est fait. On peut y aller. On va maintenant farmer l'or. Donc maintenant, je peux faire des bêtises. Je peux appuyer sur reset et tout, mais let's go. Excusez-moi, je suis parano, hein. Je suis parano. Une petite coupure de courant, là. Ou le jeu qui freeze, tu sais, ça c'est aussi génial. C'est aussi génial, ça fond dans la bouche de devoir tout recommencer et tout, mais bon. Allez, venez m'affronter. On est bien. C'est pas comme si tu avais un... On sait jamais, hein. Et je joue legit, c'est mon password, c'est ma partie, j'y vais comme ça. Un seul mot, is. Oh putain, is. Ah, je m'en souviendrai à vie, hein. Le is, ma tête, quand j'ai vu la partie se supprimer, alors qu'au matin, ça allait bien, j'avais même farmé et tout, j'étais là, bon, tranquille, on va pouvoir bien progresser. Et bah putain, le sauvegarde, il se supprime, let's go, bah... Ça fait peur, hein. Mais là, non, c'est vraiment des passwords, donc ça me va. Même si c'est très très long à écrire, ça me va. Ok, moitié de chemin. On y va. Mais de la haine, vraiment la haine, et ben, je l'ai jamais refait. Il faudra un jour que je me remette dedans, en fait, tout simplement. C'est un bon jeu, hein, sur Master System. C'est vraiment un très très bon jeu. Très long, très conséquent, beaucoup moins... épique, je trouve que ce petit Golvelius, en vrai. Parce que c'est très terre-à-terre, hein, Is. C'est très terre-à-terre, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce que tu dois faire et tout. Ou tu dois aller, plutôt. Même si t'as un truc un peu perché, notamment avec l'épée qui se trouve sous l'arbre de la vie. Mais ça va. Oula. Oula. Ok, arrête. Quand je me disais que j'ai eu peur maintenant, ma console qui... Le bouton pause était coincé. Et j'ai pas vu le nombre d'argent par contre. Le bouton pause était coincé et la console a dit « Ok, d'accord, je fonctionne comme ça. Ok. » Putain. La panique. Ma console qui fait pause toute seule maintenant, au secours. Bon, moi, le bouton pause, il fonctionne. On est sûr qu'il fonctionne, mais ouais, le bouton poussoir est bloqué. Enfin, à moitié bloqué. Va falloir que je la démonte. Ah non, bah après c'est une vieille console, hein. Je l'ai jamais démontée, je l'ai jamais fait quelques réparations dessus. C'est increvable, hein. Vraiment la Master System, elle est increvable, quoi. Et ça fait plaisir, tu vois, ça fait plaisir de voir des machines comme ça vivre des années plus tard et être encore excellentes, quoi. Bon, je vais devoir évidemment appuyer dans pas longtemps, et ensuite tout ça. On doit être bientôt 70 000, là, on doit être, allez, vas-y, au moins 50 000. Mourir. Okay. Là, on a combien? T'en es même pas à 50 000. Okay. Allez! C'est bon. C'est bon, ouais, c'est juste le bouton, il a un poil coincé. C'est chiant. Mais ça va. Tout comme la NES, hein, j'ai toujours la mienne d'époque, elle fonctionne. Ouais, non, mais moi, ma Game Boy Color, qui est juste à côté de moi, que je pourrais évidemment choper là si je tends juste le bras. Ma Game Boy Color, que j'ai là depuis maintenant des années, elle est tombée très très haut. Elle a moitié cramée. Le lecteur a commencé à prendre feu et tout, il y a des années de ça. Et c'était vraiment l'enfer, mais juste, elle fonctionne nickel. Nickel de chez nickel, et comme au premier jour. Il y a peut-être le son qui commence à grésiller vraiment très fort, mais sinon... C'est imbutable, c'est imbutable. Mais je suis content, tu vois, j'ai gardé ma Game Boy de quand j'étais petit, et
Même ma PlayStation à côté. Par contre, ma PlayStation, non, elle a subi quelques modifications au niveau du lecteur. Parce que, bon, bah voilà, j'ai joué avec pendant des années, pour le coup. Mais c'est ma PlayStation, je sais que c'est la mienne, et je la reconnais parce que dans le port cartouche, t'as un sticker, c'est tout, pour te dire qu'elle a été modifiée. Donc j'arrive à la reconnaître comme ça. Mais faudrait que je lui fasse une petite parque. Mais bon. Je sais que c'est la mienne. Je sais qu'en la voyant que c'est ma mienne d'époque. Celle avec laquelle j'ai joué pendant des années. Celle avec laquelle j'ai grandi. Et que j'aime particulièrement. Que j'aime particulièrement. Après voilà, je me doute que... c'est pas forcément le genre de pièce incroyable mais vrai. Ça aurait été mieux avec la boîte et tout, mais c'est déjà pas mal, tu vois. C'est déjà pas mal de voir tout ça, et let's go. Alors oui, je dois être mon stick, parce que là, pour l'instant... c'est chiant. Allez, venez, voilà, venez. Voilà, ils viennent vers moi, puis... Ok. C'est trop chiant quand le truc ne veut pas. Allez, venez. C'est le moment où je regrette qu'il n'y avait pas des boutons, des rapid fire à l'époque, hein, pour le coup. Donc je suis presque bon, il me reste pas grand chose. Encore quelques vers de terre à tuer et ça sera fini quasiment, je pense, pour la thune en fait. Parce qu'il va me rester quoi? Il va me rester peut-être 2-3 trucs à récupérer et encore. Re à toi Alexander, t'arrives pile quasiment pour la fin. Il me reste un peu de farm, quelques trucs à faire et puis après, let's go, on est parti pour la fin. Même, j'y pense aussi la Mega Drive que j'ai à la maison. Elle est aussi dans ma famille depuis très longtemps en vrai. Celle d'un de mes oncles qui me l'avait donné, qui l'avait donné en fait donné à ma sœur et que j'ai récupéré moi pour ma consommation perso. Bah, elle est toujours là, hein. Elle fonctionne toujours autant. Alors il y a certains jeux qui commencent à galérer, mais étonnant, tu vois, le hardware incroyable. Ok, je suis max. Je suis full. Alors je suis obligé de forcer le bouton un petit peu parce que c'est chiant. Ok, on est bon. On y va. On va aller chercher Alpha Mosso. Tu les as en loose ou en boîte? Toujours en loose, mes consoles. J'ai très peu de consoles en boîte, en vrai. J'ai quoi? J'ai ma Wii U, une PlayStation 2, une GameCube, une Saturn, une Master System 2, 3 Wii, voire même 4 Wii, ma Switch, ma PlayStation 4. De regarder, hein, excusez-moi. J'ai des DSi XL. J'ai une DSi évidemment en édition limitée, la maison du style. Je sais que vous me l'enviez tous. J'ai le pack Mario Kart sur la DS. Après, je regarde tout autour, évidemment. J'ai dit Saturne ou pas? Je crois avoir dit Saturne. J'ai une Saturne. J'ai aussi une PlayStation 2 Slim en boîte. Une PlayStation 3 en boîte. Enfin, j'ai une PlayStation, j'ai une boîte de PlayStation 3 avec une PlayStation 3 qui ne fonctionne pas dedans. Une FAT en plus. Console de merde, bien sûr. Je déteste la PlayStation 3, je l'ai toujours dit, hein, mais je le répète encore une fois. Après, je crois que c'est tout. Hein. Ah, deux jeux. Là, le Golvelius, je l'ai en boîte. Hein, il est là. Là, Golvelius en boîte, sans notice par contre, mais elle est là, elle est présente, elle est palpable, je l'aime d'un amour infini, avec en plus sa languette et tout, mais manque, ouais, juste effectivement la languette et let's go. Tu peux faire plus les jeux 360? Alors, je vais rappeler l'histoire de la PlayStation 3, on m'a cassé les couilles avec un jeu qui s'appelait Call of Duty, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler de Call of Duty, on m'a cassé les couilles avec ce jeu-là pendant des années. Mais c'était tout le temps, ouais, achète-toi une PlayStation 3, comme ça on joue à Call of et tout. Ça m'a énervé. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aurai jamais de PlayStation 3, j'y jouerai jamais. Tant pis. Et bah voilà, j'ai jamais eu de PlayStation 3. Alors si, j'en ai eu une qui ne fonctionne pas, mais... suite, évidemment, à des gens très, 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 très chiants.
je n'ai jamais eu de PlayStation 3. Alors que pourtant, je sais que c'est une bonne console, hein, qui avait des jeux de folie, des trucs cool et tout, mais non, non. Allez vous faire foutre. Vous m'avez cassé les couilles avec la PlayStation 3 et votre Call of Duty. J'en aurai jamais. Ah, oh, putain, évidemment, on va te mettre bien les têtes reloues qui font très mal. Alors attention, il faut taper. Et Loul, il faut taper 50 fois l'arbre pour que ça fonctionne. Non, c'est vraiment ça qu'il faut faire? Non, attends. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Attends. J'ai pas compris. C'est bien là qu'il faut taper, on est d'accord? Ah non, attends, c'est peut-être... Ah non, c'est peut-être... Non, 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 c'est l'arbre en dessous. Non, c'est pas là. Si, c'est là. On est d'accord que c'est là. Il fallait tuer... J'ai fait comment? J'ai fait comment? J'ai fait comment tout à l'heure? Je sais plus. Je sais plus comment j'ai fait. Je vais mourir. Eh, sachez que si je meurs, je suis obligé de refarmer, hein. Oh, j'ai peur. J'ai eu la peur de ma vie. Non, c'est bon. Oh, les godasses. Oh, oh, les godasses. J'ai jamais vu une paire aussi belle de chaussures de ma vie. Ah, oh, mais attends, je m'en fous de mourir. Tuez-moi, si vous voulez. Et maintenant, je peux traverser tout. Oh, je peux traverser même ça. Oh, là, 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 là. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. Oh, je peux même survivre. Si je suis trop fort, je peux survivre. Non, je suis pas fort. Non, je suis pas fort du tout. Je suis pas fort du tout et je suis encerclé. Attends, je suis encerclé, merde. Attends. Je suis mort. Dommage. Non, je suis pas fort du tout, t'as vu, donc c'est terrible. C'est le Call of Duty que j'ai fait sur PlayStation 2. Moi, j'ai fait... en Call of Duty, j'ai fait... comment il s'appelle ? Modern Warfare 2, parce que tout le monde m'a cassé les couilles avec ce jeu, et Black Ops. J'ai fait World at War, que j'avais adoré, par contre. Il était vraiment très, très cool. Après, j'avais fait les premiers sur GameCube. Vraiment, les premiers sur GameCube, ils étaient oufissimes. Le débarquement en Normandie, après avec Medal of Honor bien sûr, j'en ai quelques-uns hein, de Medal of Honor. Je crois qu'il y a une amie en plus qui va me filer une notice, je crois c'est dans mon fameux lot qu'elle me doit m'envoyer depuis genre 1000 ans. Des bisous évidemment si elle passe par ici, je lui ai dit, t'as le temps de m'envoyer tout ça. Mais il y a quand même des trucs ouf, notamment je sais qu'il y a, Resident Evil, Deadly Silence évidemment qui se trouve là-dedans. Donc j'ai très très hâte qu'elle m'envoie... qu'elle m'envoie ce colis, comme ça je vais pouvoir jouer à Resident Evil. Après, ouais, en FPS, j'en ai pas fait énormément, hein, pour le coup. Vous imaginez, franchement, je suis en train de border, en voyant que je peux traverser les murs maintenant et tout. Oh là là, oh là là. C'est indécent, c'est indécent. Maintenant, je peux tout faire. Il y a quoi? This patent will be protected free from harm. 25 000. Est-ce qu'on est à ce point-là, maintenant? Qu'est-ce que 25 000, franchement? Allez, on va aller voir les vers de terre encore. Le gars, il passe sa vie à taper des vers de terre, là. Mais oui, mais bon, voilà, pas le choix. Parce que 25 000 pour un pendentif qui m'a l'air vachement sympa, pourquoi pas? Je l'ai fait sur Wii, acheté à 14h, revendu à 17h, fini. Bah, ouais, hein, je veux dire, il est court, mais il est sympa, tu vois. C'est quand même un bon Call of, tu vois. Pour une fois que je dis un bon Call of, c'est rare. C'était un peu en dessous, je crois. Allez, c'est reparti pour les vers de terre. Allez, let's go. Let's go, les vers de terre. Là, il y avait un truc aussi. Ça, j'avais tapé l'arbre dans ce sens-là. Je sais plus dans quel sens. Je crois que c'était ça. Où il fallait taper les corbeaux. Ouais, il fallait taper les corbeaux. Mais par contre, traverser la forêt comme ça... Oh, l'extase. J'en peux plus. La Bible, pour 8000. Oula, oula, ça pue. Oula, ça pue. S'il te propose une Bible supplémentaire, c'est que ça veut dire qu'il y a un truc encore plus gros que ça. Là, par contre, il y a le donjon. En vrai, de vrai. Si on allait au donjon... Parce que si je vais au donjon, je vais pouvoir avoir de la thune. Je vais avoir max de thune d'un coup, je pourrais tout acheter. Allez, let's go, on va dans le donjon. On va faire le boss.
Comme ça, let's go, je vais avoir max de thunes, je pourrais tout faire. Moi, je jouais pas au multi sur la Wii. Non, mais moi, j'ai joué au multi sur la Wii sur Black Ops. Et c'était sympa. Mais je préférais GoldenEye. GoldenEye sur la Wii. Oh, quel banger, quel jeu, quoi. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer, quoi. C'était trop cool. Mais vraiment beaucoup trop cool pour ce que c'était. Je suis même étonné que les gens le détestent autant, alors que pourtant, il a plein de qualités, hein, ce petit GoldenEye sur la Wii. En plus de proposer une sacrée aventure. Je suis perdu. Et regarde, c'était pas allé au milieu. Fallait pas aller au milieu. Regarde, dans 2 secondes, je suis bloqué. Non, mais ça va. J'ai rien dit. Je vais aller à droite. Même si ça pue à droite. Oh non, c'était le bon chemin. Ok, nice. Alors, j'espère que le boss, il est facile. Hein. Genre un petit boss tranquille, faut juste le taper et boum, et meurt. Ou un truc avec des patterns bidons, comme tout à l'heure. Ça serait génial. Après, le multi de Call of Duty sur la Wii, c'était pas une dinguerie, hein, clairement. Surtout que ça se jouait avec du motion gaming et... Oh putain, le motion gaming à Call of Duty... Ah, ça piquait, hein. Ah, ça piquait sa mère, hein. Mais après, tu pouvais toujours utiliser notamment la manette classique, qui est juste en face de moi, que je pourrais la choper, mais faut que j'avance. Je suis concentré. Mais après, voilà. Chacun verra midi à sa porte, en vrai. Je pourrais la choper, mais non, on va éviter. On va éviter, je suis en train d'avancer. J'ai bien aimé, hein, quand même, les Call of Duty sur la Wii. Ça reste sympa, malgré tout ce que tu peux en penser. Et malgré, évidemment, les joueurs de consoles modernes, hein, je veux dire, les consoles modernes. Putain, c'est plus moderne depuis 15 ans, Val, donc les consoles... Je vais même pas dire actuelle, je vais dire la génération PlayStation 3, Xbox... Ah merde! Avant on disait toujours, oh, les consoles actuelles, c'est plus actuel du tout! Oh, c'est horrible! C'est horrible! Je me sens vieux! Je me sens vieux! Ah, c'est. Ça va faire. Ça va me traumatiser, hein! Me dire que c'est fini, je peux plus dire que la PlayStation 3 et tout, c'est actuel? Non, c'est plus actuel du tout! FPS, j'aimais bien. Time Splitter, j'ai jamais apprécié, je t'avoue. Vraiment, ça m'a. C'est sans plus. C'est vraiment le truc, ok. Ça va dans tous les sens, c'est rigolo, mais après. Bof. J'étais beaucoup plus en FPS sur de cette génération-là. 13. J'en ai déjà beaucoup parlé de 13. J'ai pleuré, évidemment, quand j'ai vu le remake de 13 qui est pourri. Mais. Voilà. T'es vieux, Harry. Ah non, mais là, ouais, je suis vieux. Hein. Si je suis pour te dire que la PlayStation 3 et tout, c'est plus actuel. Eh, hey Blanca, de Street Fighter, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout? C'est tout? Oh, c'est de la merde ce qu'il fait! Ah, il me poursuit après. Ok. Est-ce que les bulles, je peux les tuer? Non, les bulles, je peux pas les tuer. Ok, balance des bulles avec sa tête. Non, me dis pas que le boss, c'est ça. Ok, aïe. Aïe, 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 arrête-toi. Mais il me poursuit. Aïe, je fais le con. Il est bidon. Il est très, très simple. Aïe. Aïe. Mon sprite, il est pourri. Mon mindbox, elle est pourrie. Il est battu. Dans 2 secondes. J'ai battu. Non, il était totalement bidon. C'était quoi ce boss de merde? C'est quoi ce boss de merde? Il était nul. Il était tout pourri. Il était tout pourri, le boss. Il était tout pourri. C'est quoi ça? Mais what the fuck? Mais what the fuck? Il était... Non, mais c'est terrible. Le boss, il était nul. Il était nul. Mais c'est terrible. Oh, putain. Ah, mais... Ah, des boss comme ça, j'en veux tous les jours. Hein. J'espère que le boss final, il est comme ça. Parce que franchement... Ah putain, je suis déçu. Je suis déçu. Le boss, il était pourri. En fait, fallait juste avancer vers lui, puis... Bah tu bourres, quoi. Ah, c'était nul. C'était nul. Bon, moi, c'est fait. Voilà, j'ai fait mon fanfaron. Mais bon, moi, c'est battu.
Alors, ok, je prends. Là maintenant, je fais le tour de moi-même et je vais en avant pour récupérer tout. Absolument tout. Tout ce que je vois. Je vais être kleptomane maintenant. Parce que Ah non, j'ai pas encore tous les cristaux. Il manque le dernier cristal, puis après, je pourrai aller battre Golvelius dans sa taverne. Dans sa caverne. Dans sa taverne. Pourquoi pas, on sait jamais. Peut-être en train de boire un coup, en train de nous attendre et tout, mais. Non, évidemment que non. Ah, le GoldenEye sur la PlayStation 2 était génial. Oh, je sais qu'il y a des gens qui sont là, oui, mais non, il était pas bien par rapport, évidemment, à l'épisode 64 et tout. Non, je le trouvais plutôt décent. Tu pouvais utiliser plein d'armes supplémentaires, t'avais des gadgets et tout, et franchement, pas trop mal, hein, pour le coup. Avec une chope de bière, oh non, mais c'est ça. You will keep thy wounds slight, go for bravely. Alors, est-ce que ça me donne plus de santé? Ah, il manque un cristal? Non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Non, c'est... Ok. C'est les 7 ou 8? Parce qu'on dirait que j'ai besoin de 8 boules de cristal. Mais j'ai tout battu. J'ai fait tout le jeu, là. J'ai fait tout le jeu. Il reste plus rien. À moins qu'il y ait encore une cachette. Il y a un boss supplémentaire. Que je n'ai pas vu. C'est possible. Bon, Bombardier de Russie, je l'ai sur PlayStation 2. Je l'ai juste à côté. Je m'en suis même rendu compte que je l'avais. Je me suis dit, tiens, j'ai ça chez moi. Ouais, si, je suis là. Jamais fait. Peut-être un boss caché. Il y a moyen qu'il y ait un boss caché. Parce que là, on a les chaussures. Et on peut aller partout. Donc, moyen qu'il y a quelque chose de caché. Non, si, on l'avait fait. Non, non, on l'avait fait. Qui tout double? J'ai bien aimé aussi en James Bond sur la GameCube, encore une fois. J'ai beaucoup joué à la GameCube, évidemment, au jeu James Bond. Mais après, voilà, de plus en plus des jeux PlayStation 2. Il y avait une grotte par là. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est pas fait. On y va. Anything or nothing. Peut-être le titre que j'ai aussi hein, en tête, mais c'est peut-être ça. Il me manque deux potions. Si je les ai tous. Ok. Donc là, non. Il y avait une grotte de l'autre côté. Tout au fond. On va tout au fond. Là, il y avait une grotte, on l'a vu. Ah ben non, putain, mais je suis con. J'ai pas pris le cristal de la zone. Quickly, kill Golvelius and save the princess. Mais je m'en fous de ça, je m'en fous. On n'a pas pris... C'est pour ça... Non, c'est bon. Il me manque un cristal parce que j'ai pas récupéré le cristal de la zone. C'est juste ça. Par contre, où est l'endroit pour le récupérer? Shayna, où il est? Et on va fouiller, hein, pour le coup, pas le choix. Pas le choix. Encore une fois, le truc s'active tout seul. C'est un trou... qui apparaît tout seul, sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Donc, où es-tu, petit trou? Montre-toi. Tu vois que je vais vraiment faire toute la map jusqu'au dernier moment. Non, c'est là, non, ça, on l'avait déjà fait. Quoique, je vais quand même y aller, mais c'est pour le truc de Golvelus se cache là, oui, on le sait. Ok. Donnez-nous un vrai indice. Il est où le dernier cristal? Où est le dernier cristal du truc? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas récupéré. Donc c'est pas là. Ah, et j'aurais fait tout le tour. J'aurais fait vraiment tout le tour du truc. Je suis jusqu'au bout pour trouver... Putain, il est où? Ah! C'est là. C'est forcément là. Ok. Il te faut... Allez, c'est parti pour du farm. C'est parti pour du farm. Let's go. Ça va être long en plus. Ça va être vachement long. Les corbeaux, ils donnent que dalle. Non, en vrai, ça va. Ça devrait aller vite. Ok, let's go. Après, ouais, c'est beaucoup de farm, mais on a fini. Hein. Là, c'est vrai, il reste plus rien, hein, je rappelle. Dernier cristal, après on pourra aller
battre Golvelius dans sa caverne. Ou pourquoi pas sa taverne, je sais pas comment, à quoi ressemble l'endroit. Il reste pas grand chose. Ça va me permettre d'accéder à l'endroit. Donc l'arbre mort et la cachette où se trouve le fameux Golvelius. Ok. C'est où, je sais c'est où. Je sais exactement où c'est. Parce qu'il y a un arbre mort, il y a qu'un seul endroit où c'est, ça peut être là. Mais je suppose qu'il faut impérativement, tu dois avoir tous les cristaux pour dire d'entrer. Théoriquement, là, c'est bon. Je dis bien théoriquement, là, c'est bon. Ok, c'est bon. Hop. Right. Let's go. Et maintenant, on a tout. Les 8 boules de cristal, tous les items. Il manque 2 potions, mais ça fait rien. Je pense que ça va pas trop être pénalisant pour la suite. Mais voilà, let's go! Donc on y va. On va aller à la caverne de Golvelius. Désormais, les boss finaux devront être dans une taverne. Enfin, ça serait rigolo, tu vois. Mais il y a des jeux comme ça de d'ivrogne. Des jeux où t'as quand même beaucoup d'alcool dedans. Bah, déjà, beaucoup de jeux d'arcade. Le truc de palais avec la cantine. T'as évidemment aussi directement dans Monkey Island. T'as aussi Total Passage. Et voilà! Il y a le truc cool, Monsieur Julian, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? On joue à un jeu qui est sorti sur MSX et on est sur Master System. T'arrives sur la fin. On a fini le jeu là dans quelques instants, je vais au boss final et c'est fait. Mais bisous. Effectivement, le jeu est sorti sur MSX dans une version un peu plus moindre. Parce qu'évidemment, bah voilà, je veux dire, ils ont fait avec les moyens du bord, mais. Pourquoi pas? C'est Master System, monsieur. Master System. Il est juste là. Magnifique. Très bien. Pouce rouge. Tu peux pas pouce rouger sur, sur Twitch. Mais tu peux pouce rouger la rediffusion la prochaine fois. On aime bien. Regarde, c'est cool. Le jeu est génial en plus. Je suis en train de... Non, c'est pas là. Non, c'est en dessous. Non, c'est en dessous. C'est en dessous. Puis faut aller en dessous. À gauche. Si on est bon. Tu finis le jeu? Oui, non, mais le jeu, on l'a fini. Le jeu, on l'a fini, là, dans quelques minutes, là, de temps que... Le temps que je vais à la fin, là, on y va. On y va. Faut juste que j'arrive à retrouver mon chemin. Où est le... Ah, ici, c'est là. Vas-y, ici, c'est là. Ils ont dit... qu'il y avait deux... Il y avait deux rochers. C'est pas là? En fait, je me perds avec les chaussures. Je traverse tellement le tout que... Je sais pas où c'est. Je l'ai fini en 8 heures, grosso modo. À vue de nez, à vue ce qu'on a fait. Si je compare un petit peu les chiffres qu'on a eu sur la rediff... Attends... Si, c'était là où il y avait un arbre et tout. Attends. C'est où? Attendez, hein, je suis perdu. Non, alors il y a ça. Ah non, c'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est là. L'arbre mort avec deux rochers devant, il y en a un qui s'effrite. Ok. On est bon. C'est parti! Ah, t'as pas fait d'une traite? Non, je l'ai pas fait d'une traite. Clairement, je l'ai pas fait d'une traite parce que le jeu, il est assez long. Il y a vraiment des passages un peu compliqués. Et surtout, il y a des boss dans tous les sens. Donc, c'est un peu chaud patate, mais on y va. J'aurais pu le finir en... Si vraiment, je le connaissais par cœur sur le bout des doigts et je savais où il fallait aller. En vrai, en une journée, c'est fini. Hein. C'est parce que là, on a fait le con et parce qu'on savait pas où il fallait aller. On a dû rechercher... des chaussures dans un endroit et c'était trop chiant, mais après voilà, si je l'aurais connu sur le bout des doigts et tout en amont, potentiellement qu'on l'avait fini plus tôt. Donc là c'est vraiment la zone finale, ça se voit, c'est tout rouge, plus la musique elle est beaucoup plus épique au bout d'un moment, ok. Je sais pas si t'as... Ah je sais plus si t'as fait ces passages là dans la version MSX, parce que là, tout le truc avec la carte et tout, oui.
Mais alors, ce passage-là en vue de côté, de vue de dos, j'ai un énorme doute. Les sprites ressemblent beaucoup à des Wonder Boy. Je sais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis sûr et certain qu'ils ont travaillé dessus. Au moins quelqu'un du staff de Wonder Boy 3 a travaillé dessus. C'est sûr et certain, parce que vu comment c'est aussi rond, c'est pas possible autrement. Donc faudrait que je fouille, faudrait qu'on regarde le staff crédit, tout simplement. S'ils ont les noms originaux, s'ils n'ont pas les noms originaux, je suis pas dans la merde. On y va, de toute façon, on y va à la fin, on y est, reste plus grand chose. Ah, par contre, les serpents dans toutes les boîtes, c'est chiant. On y va. On y va, on y va, on y va. Par contre, les serpents rouges sur fond rouge, faut éviter, hein. Oh, putain, évidemment, faut tomber. Ok. Ça va, c'est pas dur. Je sais pas si t'as un truc... Non, je pense pas que t'as un truc pédestre après ça. Je suppose que non, mais... Y a moyen, hein. Y a moyen qu'il y ait un truc après. Et oui, là, le boss serpent, c'est 100% du Wonder Boy. La façon dont c'est fait, le sprite aussi rond que ça, plus les yeux, y a tout qui te fait penser que c'est Wonder Boy. Donc y a moyen qu'il y a l'équipe qui a travaillé dessus. Au moins, le character designer a travaillé dessus. Parce que de toute façon, les meilleures équipes de la Master System travaillaient toujours sur les vraiment les gros titres de la machine. Et putain, allez, t'es bloqué, on recommence. On recommence, voilà, je me suis bloqué. Ça c'est chiant. Ok. Ah attends, je peux le buter facilement comme ça. Ah oui, je peux le buter facilement comme ça. Aïe. Alors là, ouais, les hitbox sont pétés, hein. Je veux dire, le truc... Je suis même pas sûr que je le... Est-ce que je le touche vraiment, là? Non, je suis en train de le frôler, en fait. Il faut le... Voilà. Ah non, c'était bon. En fait, non, c'est bon. C'était bon, il fallait juste que je persiste un petit peu. Ok. C'est trop chiant. Les serpents dans tous les sens, c'est trop chiant. C'est trop chiant, on attend de partout. Ok. Ok. Je rappelle aussi, hein, le gars qui a fait Alex Kidd a travaillé aussi sur Phantasy Star, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et même Yuji Naka a travaillé sur Phantasy Star, donc tu vois, c'est vraiment... le monde est petit, hein, le monde est vachement petit, et sur Master System, ouais, on mettait vraiment le meilleur des meilleurs. Hein. Clairement, on s'emmerdait pas à avoir des gens complètement différents, non, c'était vraiment la meilleure équipe pour les meilleurs jeux, et le reste... Bah les pouilles, on va dire les pouilles. Ah, c'est triste, hein, mais les jeux un peu moins hype. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des cyber shinobi pas ouf. Mais bon, c'est l'histoire de la Master System et c'est triste. Et alors attention. Je sais plus qu'est-ce qui se passait. Pourquoi je suis pas passé? Il y avait un bloc, il fallait sauter sur le bloc, c'est ça? Je sais plus. Ah c'est ça. Ok c'est ça, il y avait un bloc, il fallait sauter sur le bloc et j'ai pas fait gaffe. Ah sinon ça va? Vous allez bien? C'est bon. Ok, fallait passer au-dessus, d'accord. Fallait passer au-dessus mais je le savais pas. C'est du block and retry. Ah bah là, ouais, c'est 100% du block and retry. Hein. Là, c'est clairement le truc. Faut le savoir. Hein. Faut le savoir où tu vas, il faut savoir où tu passes et... Bah, tu peux te faire bloquer. Regarde là. Regarde, tu vas avoir un trou à la fin et que je vais pas pouvoir passer parce que loul, fallait passer en dessous. Oh, ça pue. Ça pue qu'à la fin, il va avoir un bloc. Ah non, ça va. Ça va. J'ai flippé. Alors, ok, ça passe. Tout passe. Tout passe. Est-ce que ça peut vite la fin? Ah la putain, le retour du truc super chiant. Non, attends. Non, là, vu que je suis bloqué dans le coin, je le bute facilement.
Allez, meurs, 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 meurs. Je sais pas si je le tue, c'est ça le problème. Je sais pas si je le touche. Et ça prend bien, bien des coups, hein, évidemment. Ah, c'est bon, c'est battu. C'est chaud, hein. Si tu te poses la question, oui, c'est chaud. Surtout que c'est la fin, hein. Je veux dire, là, il n'y a rien. Hein. C'est juste le dernier passage et... Finish. Ah, évidemment, ouais, évidemment, ils vont mettre des serpents dans tous les dans toutes les blocs. Plus un dernier. Alors, ok. Bon, là, c'est bon. C'est vachement bon, je suis dans le coin. Nice. Propre. Propre. Fin du niveau. S'il vous plaît, la fin. La fin? La fin? Non, pas la fin. T'as eu combien de questions en tout? J'ai pas compté. J'ai pas compté, mais il y a eu beaucoup de personnes. Il y a eu vraiment beaucoup de personnes, des gens très cool en plus. Allez, on va dire peut-être une trentaine de questions. Tu passes samedi, hein. Pour rappel. Tu passes samedi avec beaucoup de personnes. Ça dure longtemps, hein. Ça dure quand même 1h10. D'ailleurs, c'est pour les membres sponsors pour l'instant. C'est vrai que je viens d'y penser. Donc pour ceux qui sont sponsors sur la chaîne YouTube, vous pouvez déjà voir la vidéo en avance. Et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Alors c'est des petites questions sympas, hein. Rien de bien fou, mais au moins vous savez... vous avez déjà la deuxième partie de la FAQ. Allez, ok. T'as le niveau de l'angoisse, quoi. Le truc, il dure 1000 ans, quoi. Allez, c'est bientôt fini. Parce que c'est long, hein. Là, ils mettent un piège, je suis obligé de tout recommencer, je pleure. Je pleure, ma mère. Non, ça va. Mais ça pue quand même le piège. Hein. Ça pue le piège, il faudra prendre une des deux routes. C'est laquelle? T'en sais rien, bah... Ok. On est bon? Fin? C'est pas fini. C'est pas fini! Ce n'est pas fini! C'est possible que la cartouche freeze? Oui, c'est 100% possible que la cartouche freeze. Mais elle ne freezera pas, bien sûr. Ne porte pas malheur. Au pire, la fin, elle est complètement buggée. Ça arrive aussi, hein, ça, la fin complètement buggée et tout. Le stress, c'est pas forcément le stress, c'est juste... oh, c'est long, c'est chiant. La moindre petite erreur comme là maintenant peut m'être fatale. Ça va. Parce que genre, je tombe dans un cul-de-sac, je suis obligé de tout recommencer. C'est chiant. Oh non. Ah si, j'ai tombé. Oh, ça va, j'ai trouvé le bon truc. La fin? La fin? Et il faut battre Golvelius après, hein, je tiens à préciser une nouvelle fois, il faut battre Golvelius qui est là. Oh, hé, gros! Et le nombre de serpents qui m'envoient. Bon, par contre, ça clignote, hein, ça clignote pas mal. Bienvenue sur Master System. Putain, le nombre de putain de serpents qui m'envoient à la seconde. Non mais gros, gros. Putain, le nombre de serpents. C'est abusé le nombre de serpents. Non, c'est battu. Allez, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je sais pas ce qu'il fait. Je connais pas ses patterns. Il fait mal. Il fait très mal. Aïe. 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 Oh, je suis mort. Je suis mort. Oh, les boules! Attends. Ok, ok. Je suis mort. Ok, je pense connaître, avoir une technique. La technique, c'est... faire le tour de lui. Ok, ok, ok. Je pense avoir une technique. Il faut tourner autour de lui, il faut le taper et tout, et boum, ça passe. Il va vite en plus, ouais, il va vite. Mais non, ça va. Je prends au cas où le mot de passe.
Bon, on a la fin, hein. Là c'est le boss final, Golvelius il est là, il est juste en face. Par contre ça va être long. Ça va être vachement long à faire et tout. Heureusement que c'est pas l'IA de Young Indiana Jones. Oh non mais ça va, mais après c'est pas dur. C'est pas dur, mais il faut juste faire le tour et le prendre de derrière, puis dès qu'il s'arrête un petit peu, tu lui donnes un coup d'épée, puis tu t'en vas. Après j'ai tout hein. J'ai tout avec moi, j'ai tous les meilleurs équipements, tous les machins et tout, ça passe. Faut refaire. Oui, faut refaire le donjon. C'est ça qui est chiant. Ouais, okay. Vas-y, je me donne. Juste. Si les 10... À 19h, si j'ai pas fini le jeu, non, on m'abandonnera, mais vous aurez vu. De toute façon, vous aurez vu quasiment la fin, hein. Je veux dire, c'est bon. Tu sais à quoi il ressemble Golvelius, tu sais que. Qu'il est particulier, qu'il est méchant. Donc, ouais, là, c'est chaud. Là, ouais, c'est tout ou rien, en fait. C'est tout ou rien, et on y va. T'as vu le problème? Oui, j'ai déjà vu le problème. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Par contre, ouais, même, tu as vu tout le chemin qu'on doit faire et tout, c'est long, hein. C'est vachement long pour pas grand-chose. Mais pas le choix. Ok... Et on est bon. Ok, on y va. Sinon, encore une fois, ouais, je vais me concentrer, je vais regarder juste à côté. Va juste. Ok. Donc là, on retourne au donjon. On est bon. Mais le stress est là. Le stress est vachement là quand même. Faut pas se mentir. Le truc est quand même compliqué. C'est un passage vraiment chaud patate. Let's go. On y va. Donc ah, en vrai de vrai. Oh les serpents je peux les éviter. Oh les serpents je peux les éviter. Nice. Ça va me faire gagner du temps. Ça va me faire gagner du temps. Parce que là, battre tous les serpents et tout, c'est long, c'est pas forcément très palpitant. En plus, il y a un serpent qui est en train de voler dans toute la pièce. Il est en train de me poursuivre en plus. Réellement en plus. Non c'est bon, j'ai fait disparaître le serpent qui me suivait. Le mec avec des... C'est le boss final. Oui, c'est le Golvelius. Le Golvelius, c'est lui. Il est là. Il fait peur. Il fait agrougrou, je suis méchant, mais c'est bien lui. On est à la fin. Tu t'attendais à quoi? Quelqu'un de plus méchant? Ouais, non, c'est ça. C'est le Golvelius, tout simplement. Bon, lui je vais le buter. Je vais le buter parce que il va être trop chiant. Ah, mais je me mettais là. Et c'est le golem final. Oh non, on n'est pas prêt. Bon, on va le finir, hein, ce putain de jeu. On va le finir, même si ça va me demander du temps. Hein. Encore une fois, je me suis dit, je me mets jusqu'à 19h. Je dois le battre jusqu'à ce temps-là. Si j'arrive pas, tant pis. Je laisserai tomber pour le live. Bon, je le finirai en off, hein, tranquillou, posément, comme j'ai pu faire pour le deuxième. Le boss marin. Trop chiant. Je comprends mieux pourquoi c'est ces gens-là. Bah oui, non, quand même, ça se voit que c'est compile. Ils ont fait à l'est, évidemment, sur Master System. Donc Power Strike chez nous. Mais c'est quand même une belle équipe, toi. C'est une belle équipe qui ont travaillé dessus avec des gens ultra talentueux. Putain de merde. Merde. Et voilà, hâte pour Splatterhouse, moi aussi. C'est pour Halloween, ça, par contre. Avant Halloween, on se fait un petit Splatterhouse. Et ça va être cool. Ah. 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 Oui, c'est là où je vous avais dit, oui, si je meurs, je suis obligé de tout recommencer. Bah, c'est toujours vrai, même en... Même là, maintenant. Alors, note à moi-même le truc... Lui, par contre, je vais le bypasser. Lui, je vais le bypasser. Barre-toi. Non, j'arriverai pas à le passer. J'arriverai pas à le passer. Je suis obligé de le tuer.
permet de, hop, de regagner un peu de vie quand même. Ok. C'est chiant, hein, le boss là, dès qu'il arrive sur toi, c'est fini. Splatoon, ça va faire la version Mega Drive, le deuxième, précisément, parce que c'est le jeu que je connais le mieux, pour le coup. Plus c'est celui de mon oncle. Mon oncle le connaît à fond, le deuxième. C'est que c'est celui qui me l'avait montré quand j'étais plus jeune, donc forcément, bah, ça marque. Ça marque évidemment un jeune homme. Ok. Le fameux oncle, ah bah ouais, non, le fameux oncle est toujours là, tu vois. Toujours là pour te présenter des trucs fous. Ah, lui, je peux pas y passer aussi. Ok, nice. Ok, ok. En vrai, de passer les boss comme ça, ça me permet de gagner vraiment du temps. Parce que là, refaire tout le donjon et tout, pas fun, hein. Pas fun, très long pour rien. Et chiant, très très chiant. Surtout que ça m'apporte rien du tout, on va pas se mentir. Parce que là, je m'en fous de l'argent, je dois avancer, je dois aller jusqu'au bout. Mais il n'y a pas de piège bâtard. Je viens de remarquer, il n'y a pas de piège bâtard en mode faut choisir un chemin particulier. Non, ça, c'est beaucoup plus terre à terre. Que c'est moi, en fait. Ah bah, vous avez les mêmes goûts, hein. Mais vraiment les mêmes de chez même. Et c'est horrible à voir. C'est effrayant. Mais il est plus vieux que toi, par contre. Il est plus vieux que toi. Tu pensais être le plus vieux, et ben non. Tu n'es pas le plus vieux. T'es pas le plus vieux. Mais bientôt la retraite, monsieur. Non, t'as déjà une première retraite. Déjà, c'est chaud de se dire ça. Après, c'est pour des raisons spécifiques aussi. On va pas trop rentrer dans les détails, mais... bientôt le musée, hein. Dire qu'on va te cloner, peut-être. On va te cloner. On va dire, ok, c'est un vieux monsieur. Il date d'une époque bien passée. Let's go. Je vais regarder qui en premier, le joueur du grenier. Joueur du grenier 2010. Je sais que la première vidéo que j'ai vue, c'était c'était Dragon Ball, comme beaucoup de personnes. Ah, non, c'est lui. C'est lui. Ok. Mais lol, qui veux-tu cloner, là? Mais, te cloner toi, imagine. C'est vrai que les gens... Tu penses pas qu'on va être cloné pour être étudié et tout? Moi, je suis sûr qu'on fait déjà du clonage. Alors, Ozaki, t'es le Ozaki complotiste maintenant. Au secours! En vrai, on le fait déjà avec des animaux. Alors, pourquoi on le ferait pas avec des humains? On arriverait à faire des trucs et tout spécifiques. Je suis sûr, hein, qu'on nous dit pas tout. Hein. On nous dit pas tout. Retrouvez-moi évidemment sur Twitter avec mon compte complotiste. Mais bon. Alors, excusez-moi. On va se concentrer. Alors, c'est Ipar. Donc, j'ai bien remarqué que il a tendance à faire des ronds. Aïe. Et dès que je suis en dessous, il balance ses flammes. Viens vers moi. Prends-moi la main, viens danser. Où tu vas? Donc, il faut faire des ronds. Parce qu'il a du mal. Sur les côtés, il a beaucoup de mal à me poursuivre. Donc, allez, viens. Viens, faut qu'il aille vraiment dans le bas. Aïe. 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 Je suis mort. Je suis pas mort. Aïe. Aïe. Je vais mourir. Je suis mort. Dernier coup. Ah, c'est chiant. C'est pas dur, mais... Ah, il est vénère. Il est un peu chiantax et... C'est parti, hein. Allez, c'est reparti pour le truc. Il a tendance à vomir du feu. Mais fais des safe states sur la vraie machine. Je peux pas faire des safe states, monsieur. Je ne peux pas faire des safe states, je suis... Non, je ferai pas de safe state. Je pourrais faire des... Je sais comment on pourrait faire des safe state. En dernier recours. En dernier recours. On fera des safe state. Je lancerai un émulateur et let's go, on fera le jeu. Comme ça, vous verrez la fin. Et je sais c'est quoi ma punition, déjà. Je l'ai déjà prévu, j'ai même déjà teasé. J'ai dit, bon bah, pour une punition sur Twitch, on pourrait faire ça et ça va être horrible. Vous préférez quoi? Maison Ikoku ou Urusei Yasura? C'est le moment de choisir.
dites pas du tout Maison Ikkoku. Dites pas Maison Ikkoku, vous détestez ça. Tout le monde déteste ça, c'est horrible à regarder. Il n'y a que moi qui aime bien ça. J'ai des goûts bizarres. Dites-moi Urusei Yajira, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais après, voilà, pour l'instant, j'en ai toujours pas triché. Après, il faudra faire des choix. Et on est sur le matos d'origine. Si, je vous dis, à 19h, si j'arrive toujours, je l'ai pas battu, j'ouvre l'émulateur, je le fais avec des save state, tant pis. Non, on va réussir. On va réussir, après, il y a des moyens détournés, hein. Il y a des moyens détournés pour l'avoir. Je peux essayer de prendre de l'herbe. L'herbe, ça aide beaucoup à guérir, évidemment, à pouvoir y passer quelques passages. Ça rend plus fort, à ce qui paraît. Oh, plus fort. Ne fumez pas, messieurs, ne fumez pas. Oh, putain, au secours. Non, mais oui, non, mais après, voilà, je lis hein, les théories du complot. Il y en a plein, des théories du complot. Il y en a plein qui sont complètement perchés, quoi. Mais il y a des trucs rigolos, quoi. Il y a vraiment des trucs complètement rigolos, et let's go. Tiens, prends de l'herbe, payé à la YouTube Money, même pas. Même pas, là, je parle de vraies piécettes, là, pour le coup, dans le jeu. La YouTube Money, je rappelle que je peux même pas la voir, la YouTube Money, ce mois-ci, parce qu'ils ont complètement changé le compte. Salut. Au revoir. Ok, le truc, il y a un serpent qui a volé, mais pourquoi pas. Mais juste, ouais, c'est terrible, le truc avec YouTube qui a changé sa méthode de monétisation et de paiement. C'est trop chiant. Et j'ai pas le choix, hein, je suis sous contrat avec YouTube pour le coup, donc je suis obligé d'attendre. Hein. On va voir ce que ça va donner, et let's go. Oh, de toute façon, si paye pas, je gueule. Donc, vous avez intérêt. Oh, je l'ai traversé sans perte de vie. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je découvre des trucs, hein. Ah, on a vraiment vu la même chose, hein. J'ai bien traversé le machin sans mourir, hein. Sans prendre un coup, sans rien perdre du tout. C'est ouf. En tout cas, on a toute sa vie et tout, on est bien. Pourquoi tu cheats? Mais, ah non, même pas. Je profite évidemment des quelques frames d'invulnérabilité pour passer. Là, je peux pas passer. Par contre, là, c'est pas possible. Je suis obligé de prendre le truc au-dessus, donc là, non. Ça va, encore, le bloc ne casse pas. Si le bloc était cassé, que t'étais obligé de gérer de manière un peu sale le truc. Non, ça va. Ça va, ça passe. Oui, Ozaki, le fantôme. Non, mais... Bah, je suis pas fou je suis pas... J'ai bien traversé le machin. J'ai bien traversé le serpent. On est d'accord. Je suis pas fou. Oh là 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 là. Il passerait pas, évidemment, en plus. Vous me ferez même pas un petit cadeau, toi. Un petit cadeau, s'il te plaît. Fais-moi un cadeau. Je t'ai supporté pendant 8 heures, là. Je pourrais au moins me donner un truc. Alors, lui... J'aimerais bien le passer. J'arriverai pas à le passer, c'est le problème. Là, je suis pas un fantôme. Hein. Là, je me prends bien ces boules de feu dans le cul. Oh là là, ça passe... Oh, ça passe tellement bien. Allez, vas-y, récupère toute ta vie. Nice. Tu t'amuses au moins? Ouais, non, mais moi je m'amuse, le jeu est cool, franchement il est génial. C'est un putain de bon jeu de la Master System, clairement, disons-le. Bon, après voilà, c'est compliqué quand même, ce passage-là. Et juste avant aussi, c'était un peu chaud. Mais ça va, avec ton vieux jeu de boomer, voilà, là c'est vraiment un jeu de boomer. Hein. 88, j'étais pas là. 88, il y a même des gens du chat qui n'étaient pas là, donc c'est encore pire. Après voilà... J'aime bien, j'aime beaucoup ce genre de petit jeu sympa. Elle est meilleure que la version MSX, bien sûr. En plus, c'est vrai. En plus, ça, c'est même pas une blague. La version MSX est beaucoup moins belle que ça. Il y a des trucs beaucoup moins chatoyants. Faxanadu, après... Putain, Faxanadu, c'est un très bon jeu aussi. Hein. Clairement, Faxanadu, je l'ai à côté en plus, et tu le sais. Et... l'hésitation d'un homme. J'aurais pas le temps de faire Faxanadu, c'est ça le problème. Mais il est bien, il est très très bien Faxanadu, si vous l'avez jamais fait sur Nintendo. Un des meilleurs jeux en plus de DGX, d'ailleurs. Fun fact, pour ceux qui savent. C'est vraiment son jeu préféré. Qui arrête pas d'en parler, à chaque fois il me dit « Ouais, j'aimerais bien faire une grosse vidéo dessus et
faire quelque chose de propre, mais c'est pas trop comment le faire, comment rendre ça joli et assez conséquent. Et... aïe. Aïe. Génial, Foxanadu. Franchement, si vous aimez les... ah, je vais pas dire les Zelda-like, encore une fois, c'est trop chaud à dire. Les jeux d'aventure de type Falcom, comme X3, c'est vraiment le bon exemple. Parce que c'est quasiment le même type de jeu. Pas la même ambiance du tout. Mais à peu près... un peu, vraiment, alors le loin, les mêmes mécaniques, mais le même délire dans son fonctionnement. Je crois que c'était là. Oui, c'était là. Encore une fois, il faut pas que je me perde. Il faut vraiment que je fasse gaffe, évidemment, au trou. Parce que si je tombe dans un trou et que je suis obligé de tout recommencer, c'est chaud. Donc là, c'est celui-là. On va arriver au serpent. Ok, on arrive au serpent. Aïe, 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 mais putain, dégage! Attention, ouais, en plus, il faut que je fasse gaffe à ce que je raconte, parce que Juju va vérifier. Hein. Va vérifier si je raconte pas de la merde ou pas. Mais putain, dégage, c'est chiant, le serpent, il veut pas que je passe. Oh, dégage! Mais il est un... putain, il est imbutable! Oh! Il me laisse pas approcher. Il me laisse difficilement approcher. Aïe. Putain, laisse... j'arrive pas à l'approcher. Il arrête pas de me mettre des trucs en face de lui et c'est chiant. Ah, là, Ah, c'est bon. Bon, par contre, j'ai perdu beaucoup trop de vie. Ça va être un peu plus dur pour le boss, là, clairement. Salut à toi, Jula. Ouais, on a parlé de Faxanadu. T'as la fin. Allez, reconcentration d'un homme. Faut qu'il vienne vers moi, vers le bas. Faut qu'il vienne. Venez en bas. Aïe. D'accord. Ok, je viens de comprendre un truc. Il y a un cycle où il court, il y a un cycle où il court pas. Et c'est le cycle où il court pas que je dois vraiment le toucher. Là, il va ralentir. Ok. Cycle où il court. Cycle où il ralentit. Ok. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre le pattern. Donc là, il va essayer de me toucher parce que je suis en bas. Cycle, lui, court. Il va essayer de me balancer des flammes. Cycle, lui, court. Je l'aurais pas parce que j'avais pas assez de vie. Dommage. Allez, cycle, lui, court. Ok, cycle lui court. Ok, je vois ses patterns. Je lis dans son jeu, comme dans un livre ouvert. Cycle lui court, cycle lui ralentit. Aïe. Cycle lui court. J'ai compris son pattern. Et maintenant c'est bon. Est-ce que je suis stressé? Un peu. En vrai, un peu stressé quand même. Parce qu'il faut... il faut pas que je me foire. Il faut surtout que je regarde ses patterns, ce qu'il fait. Balance-moi tes flammes. Oh, elle est simple.
Golvelius sur Master System. Terminé. C'est bon, c'est fait. Ah, il était simple. Il était très très simple. En fait, dès que tu comprenais son pattern, dès que tu voyais ce qu'il faisait, c'était bon. Merci beaucoup pour tous vos GG. C'est passé. Ah putain. C'était chaud. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Il me restait pas grand chose en plus. C'était vraiment trois fois rien et c'était la mort, mais non, ça va. Ah. On est content. On est content, on a du skill et t'es content, ouais, t'as vu, t'es témoin que j'ai fini le jeu legit, sans safe state, sans solus, sans rien du tout. Golvelius est redevenu tout gentil. Et joli ça, des jolies petites cinématiques, vraiment magnifiques. Je me souviens de la fin où il les porte sur son dos, si je dis pas de bêtises, et ah oh, bah oui, à l'origine Golvelius était un gars tout gentil, c'est super bizarre. Il était trappé évidemment dans son soul, dans 7 cristaux, et c'est pour ça qu'il était méchant. D'accord. La paix est revenue dans la vallée. Kelis et Rena retournent au royaume de Haled. Kelis décide de journer ici. Rena décide de l'accompagner Kelis dans sa journée. Trappé dans le soul. J'ai mis des représentants. As the two leave the kingdom, the hermit by Golvelius. Zephry décide tout. Putain, j'ai pas été vite. Kelis. Ah, on s'appelait Kelis, d'accord. Rena et Golvelius. D'accord. Ah, j'avais pas du. Bah, en fait, encore une fois, j'ai pas la notice, donc je pouvais pas savoir comment il s'appelait. Z4, a journey to find Kelis, long lost sister. The sun, Sheen, dawn on them, protectively, watching over them as they set off. Chouette les dessins de fin. Les dessins de fin sont très jolis. Et c'est un joli happy end avec une petite musique épique à la Is ou pas? Parce que Is, t'as deux musiques de fin. T'as le morning glow, puis après au revoir. Et on a quand même une petite musique en plus. À suivre, qui n'arrivera jamais. Bah de ce que moi je sais, non. Ah, et dommage, c'est pas les vrais noms. Bon, comme d'habitude, sur la Master System, pour le coup. Et c'est la fin Ryu de Street Fighter. Bien vu, mais c'est rigolo, tu vois, c'est pas mal du tout. Mais franchement, ouais, le jeu est décent. Le jeu est vachement décent pour de la Master System. Joli comme tout. Vraiment joli comme tout. Au niveau du gameplay, c'est du Zelda-like à 2000%. Rentrer dans les trous et tout, c'est cool. T'as pas mal de petits bonus à droite à gauche, t'as pas mal de choses à découvrir. Après, effectivement, là, quand t'arrives à la fin et que t'as perdu un truc, bah mes couilles pour le retrouver, parce que bah, c'était hyper chiant de faire toute la map case après case pour trouver le bon trou. Puis après, musicalement, ça va. Ça va, c'est plutôt propre. Je sais pas si... Si, il fonctionne au son FM. Il fonctionne au son FM et propre. Bon, pour de la PSG, ça va. Faudrait que je réécoute la bande-son, là, directement avec la puce, mais propre. Et Ozaki aime les trous. Bah là, oui, j'aime bien rentrer dans des trous et explorer ce qu'il y a à l'intérieur. Et généralement, il y a des choses incroyables. Et on revient à l'écran de titre. Compile, évidemment, 80 bits. Donc, bah bien, vraiment bien. Alors, je montre que je suis de bonne foi et que c'est bien, évidemment, la vraie machine. Je coupe le truc. Je retire, hop, la cartouche. Hop, elle est là. Imaginons que je rallume la console. C'est Alex Kidd qui va être... qui va marquer. Et c'est marqué To Be Continued. J'ai vu ça aussi, c'est très intriguant. Et voilà, sinon c'est Alex Kidd. Et effectivement, t'as coupé sans sauvegarder. C'est des passwords. Donc on a sauvegardé. Pas de problème. Maintenant, mon Golvelius, tu retournes directement, hop, dans ta boîte. Terminé. Terminé. Bah très content. Vraiment très content parce que c'est un putain de jeu. Franchement, je suis super ravi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, longtemps que je l'avais pas vraiment redécouvert, et franchement, il est top. Même si, effectivement, c'est peut-être pas la portée de tout le monde. Hein. Clairement, ce jeu-là, il y a des passages un peu chauds. Hein. Notamment là, tu vois la fin, comment elle est, si tu comprends pas les patterns et tout, ouais, c'est un peu particulier. Mais vraiment, propre. Vraiment très propre. Si vous avez un MSX, Juju, tu peux l'acheter, il est propre. Vas-y, joue-y, il est génial. Et pour ceux qui ont la Master System, ça coûte cher. Julia l'a acheté 60€ là ces derniers temps, donc ça fait cher payer un jeu Master System, mais voilà, après, propre.
Et au moins, vous avez vu que Golvelius va arriver en review en 2023, mais vous avez été témoin que je l'ai fini, et propre. En tout cas, on va couper là directement pour ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager vidéo. N'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est là-bas qu'on joue à tous ces jeux fantastiques qui méritent grandement le détour. Merci d'être passé, Benjamin. On se retrouve ici ou ailleurs, comme d'habitude. Des bisous à toi. Évidemment, la prochaine fois, on va continuer, bien sûr, à faire d'autres choses sur la Master System. Des jeux sympathiques, notamment au moment où je tourne cette vidéo. On va faire Oddworld, on va faire aussi Pokémon. On va continuer aussi quelques petits jeux à droite à gauche. On a Splatterhouse. Bref, on a beaucoup de choses de prévues, beaucoup de choses sympathiques. Et sur ce, pour les gens de YouTube, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye YouTube !